François, bonjour, ça fait plaisir de te revoir dans ton ancien stade. Est-ce que tu peux raconter un petit peu aux, aux supporters ce que tu fais maintenant au, au club Oui, bah déjà bonjour à tous. Euh, C'est aussi un plaisir pour moi de, de revenir là. Euh, donc actuellement au club, je m'occupe d'une catégorie de jeunes, en fait. Hein, donc je suis, je suis coach DU14. Du et parallèlement aussi, j'avais fait un parcours parallèlement à ma carrière euh, sur le plan administratif. Donc j'ai aussi des fonctions là-dedans euh, au niveau du club. Voilà. Ça fait combien de temps exactement que tu es revenu euh, ça fait deux ans. Et comment ça se passe maintenant Quel est ton quotidien euh, Ce pas tout à fait les mêmes installations qu'à ton époque de joueur Non, ça a bien évolué et positivement, très positivement. Voilà, il y a vraiment des installations qui sont, qui sont magnifiques. Euh, voilà, J'ai un, un peu bougé suite à mon passage ici. J'ai fait en tout cinq clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et honnêtement, euh, voilà, Guingamp a, a vraiment des très, très belles installations. Donc, ça, c'est. Ça, c'est un actif et quelque chose sur lequel le, le club peut construire maintenant qu'est qu ce qui t'a le plus surpris quand es arrivé quand tu as découvert ces installations là justement au niveau du rodourou donc j'étais j'étais revenu donc j'ai pas pas spécialement eu de surprise mais par contre au niveau de, ouais, de, de l'académie ou du pro parc évidemment c'est c'est bah, surprenant c'est surprenant parce que parce que quand on part d'un endroit on s'attend à le comment dire on a on a en tête ce qu'on a connu et bon c'est vrai que c'est sans commune mesure quoi. Là, sur ton passé de joueur, si tu vois une image, un moment là que tu, que tu que aimerais revivre ou qui, qui te marque, ça serait lequel bah, J'ai fait cinq saisons, donc il y, y a eu beaucoup de choses. Des... Pas n'importe lesquelles en plus. Non, non. Et puis des bonnes choses, des moins bonnes, mais euh, des moments marquants. Voilà, des moments marquants. Euh, pff, je ne sais pas en sortir un particulièrement maintenant. Euh... Les premiers matchs forcément parce que pour moi c'était 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 l'aboutissement de pas l'aboutissement parce que c'était le début mais euh, les premiers matchs en professionnel forcément c'est forcément des moments marquants. Et cet accent perdu depuis les premières interviews à GTV donc. Les, les recruteurs du club sont venus me voir à plusieurs reprises, le coach m'a appelé plusieurs fois et, et en fin de saison ça s'est concrétisé assez rapidement du coup. Voilà c'est ça exactement sur les sur les premières interviews que tu pu que tu avais pu me faire j'avais encore l'accent du sud mais. Le temps, le, temps, le temps a passé. Ça fait maintenant longtemps que je suis parti de, de chez moi, donc euh, l'accent, je l'ai un peu perdu. Ouais. Le gardien Canet, deuxième corner pour les paix. C'est peut-être le moment de faire basculer le match de son côté à l'entame de ce dernier quart d'heure. Cette fois c'est Mandréa, des deux points, qui repousse le danger. Sania qui récupère, Sanya qui tente sa chance contre elle. elle est et elle a but Guingampé Amadou Sagna la 77ème Et avec de la réussite Parce qu'elle est contrée, la frappe de Sania, elle est déviée par un cadet Elle prend à contre-pied le gardien Tony Mandrea et les Guingampés qui ouvrent le score sur la pelouse de Caen à moins d'un quart d'heure maintenant de la fin du temps réglementaire. Sagna inscrit son troisième but de la saison. Guingamp met 1-0 à Caen pour moi, et euh, je l'ai répété maintes fois sur diverses euh, interviews, des joueurs de Ligue 1 par an, par contre, ne peuvent pas jouer en Ligue 2. Ce n'est pas mmh. possible. Des joueurs de Ligue 2 euh, vont pouvoir jouer en Ligue 1, il n'y aura pas de souci. Mais cet amalgame, il y avait pour moi trop de joueurs de qualité de Ligue 1 pour jouer en Ligue 2 qui n'acceptaient pas les duels, qui n'acceptaient pas les coups, parce que la Ligue 2 à l'époque c'était quand même très rugueux. Et certains joueurs de Ligue 1 n'aiment pas prendre des coups, n'aiment pas... Donc moi, je l'expliquais comme ça. Si tu veux faire une montée, si tu veux faire une épopée, tu dois avoir, oui, certes, quelques bons joueurs de Ligue 1, peut-être 3 ou 4 dans ton effectif, mais la majorité, il te faut quand même des toliers de Ligue 2 et des jeunes à venir. Parce que les jeunes vont avoir faim, ils vont être à l'écoute, c'est une osmose d'équipe qui fait que moi je te parle d'expérience de 17 ans 17 ans pro 17 ans de ligue 2 donc j'ai toujours été le joueur qui, qui a fait sa carrière en ligue 2 chaque fois que je suis allé dans des clubs où il y avait trop de joueurs de ligue 1 qui descendaient en ligue 2 c'était compliqué mmh. donc et après bien sûr les égos des uns et des autres euh, les salaires de différence entre les uns et les autres à un moment donné quand tu vis dans un groupe euh, c'est aussi comme ça donc euh, il faut accepter et il y a des moments euh, ben malheureusement, euh, soit tu rentres dans le moule et tu fédères de la même façon, euh, soit ça devient compliqué. Et je pense que sur Guingamp, euh, voilà, c'est comme tu le dis, de de la Ligue 2, euh, des situations euh, plus que compliquées. puis, puis aussi, euh, se mettre dans l'environnement. Quand tu viens d'un autre club, que tu découvres Guingamp, que tu, oh, découvres, que tu découvres. Voilà, la majorité ah. des joueurs, euh, voilà, c'était un petit peu compliqué. Ils ont eu du mal à, ouais. à euh, bah, ça, se mettre dans le moule, quoi, tout simplement. Donc, mm. euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, tout de suite rencontré beaucoup de personnes sur Guingamp, euh, essayer de, de fédérer autour de ça, de, de l'histoire du club, de, donc tout ça. Donc, mm. euh, voilà. Donc, c'est ce qui a fait euh, mes deux années de passage à Guingamp. Euh, euh, ben un souvenir aujourd'hui qui, qui reste encore euh, qui reste en moi. Qu'est-ce qu'on fait là Mais qu'est-ce qu'on fait là au Rohazon Park, dans la tribune de presse de Rennes PSG, que notre Jeannot Ressiguez national qui s'est Eh bien, il y a une raison très simple à la présence de la Guingampès ce soir. Dis donc, bonsoir les amis. Ça y est, on est en direct. On est en direct. Alors, Pierre Lemonnier n'est pas encore là parce qu'il est dans le vestiaire avec ses petits copains. Bienvenue, Guingamp, Auxerre. C'est le match qui nous attend ce soir en direct sur la Guingamp-Est. Bienvenue sur Facebook, YouTube, Twitch. On va pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer avant le début de cette rencontre. On commence tout de suite par le 11, évidemment, avec le coach Stéphane Dumont. Stéphane, euh, quel est le 11 qui nous attend euh, ce soir euh, Le 11, Enzo Basilio dans les buts, une charnière Matisse Riou, euh, Donatien Gomis à droite, Maxime Civis à gauche Emen. Euh, au milieu, Kali Dylan, à gauche Hugo Picard, à droite Merghem devant Amine El et Baptiste Guillaume. Tu reviens du coup à un 4-4-2. Euh, pourquoi oh bah Parce que en fait, c'était surtout la semaine dernière qu'on avait voulu évoluer euh, au gré des absents et puis surtout de pouvoir en début de match être un peu plus solide pour pouvoir finir le match comme on aime le faire. Euh, voilà, aujourd'hui on revient à des, à des classiques parce que mis à part euh, des absents majeurs euh, sur le plan défensif, euh, sur le reste on a tout le monde, donc on revient à ce qu'on sait faire. À quel type de match on peut s'attendre euh, ce soir voilà, C'est une opposition à vocation technique, euh, une équipe qui aime avoir la maîtrise. Euh, donc, forcément, il faudra qu'on soit déjà qu'on élève notre niveau technique pour qu'on puisse exister dans ce domaine-là. Mais, mais, forcément, il faudra qu'on soit capable aussi de bien défendre, euh, d'annihiler le jeu combiné dans les couloirs et surtout de leur faire mal dès qu'on en a l'occasion. Voilà, Stéphane Dumont à notre micro avec cette compo. Donc, retour au 4-4-2. Hein. Vous l'avez entendu, Picard, Merghem pour l'animation des profils techniques pour permettre en avant peut-être de battre cette équipe d'Auxerre, quatrième au classement. Et nous avons rencontré avant cette rencontre un joueur auxerrois qui sera titulaire ce soir, Gaëtan Perrin. Gaëtan, bonsoir. Euh, vous sortez d'une défaite. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour euh, réagir et, et gagner ce soir ici bah, je pense qu'il euh, ne faut, faut pas tout enlever de, de ce qu'on peut faire sur ces dernières semaines. Voilà, C'est vrai que les deux derniers résultats ne sont, sont pas bons pour nous, clairement. On prend un point sur six alors qu'on qu qu allait chercher la victoire à chaque fois. Euh, Aujourd'hui, voilà, on, on sait ce qu'on a à faire, continuer les bonnes choses, donc euh, développer notre jeu et être euh, plus tueur, plus tranchant dans les deux surfaces. Voilà, je pense qu'un peu plus de concentration, de détermination et euh, vraiment vraiment pas lâcher sur ce qu'on fait de bien et, et continuer à produire notre football pour, pour aller gagner euh, ce soir face à cette belle équipe de Guingamp. On en parlait tout à l'heure avec Baptiste Roux. Qu'est-ce que ça change de jouer un lundi après tout le monde bon, Je vous avoue que ça change pas grand chose. Ça change la semaine. L'organisation voilà, de la semaine est différente. C'est sûr que ce n'est pas, pas habituel mais on s'y fait bien et... Et ouais c'est agréable de jouer dans un, dans un beau stade comme, euh, comme celui-là euh, ce soir euh, face à une belle équipe. Dernière question, il me semble que Guingamp ça te réussit plutôt bien. Ton premier but à Auxerre c'est contre Guingamp. T'avais marqué aussi avec Orléans je crois. Euh, oui oui c'est ça il me semble. Donc euh, bon, On dit quoi jamais 203 donc euh, on verra ce soir mais en tout cas euh, j'espère vraiment qu'on qu va faire le boulot, qu'on va gagner ce match et euh, ensuite le reste ça sera ah, du plus. Regardez, regardez qui est là avec sa belle couverture. Pierre Lemonnier. Bon, alors évidemment, on aurait préféré que tu sois sur le terrain, toi aussi. Mais c'est un bonheur, un bonheur de t'avoir avec nous. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Je suis content d'être là. C'est ma première. On verra ce que ça donne. Ah, attention, et vous avez vu la petite couverture. Hein nous, on la sur les jambes parce que là, on rentre dans le dur, les amis. 6 novembre. C'est compliqué. Euh, dernière petite interview, les joueurs sont entrés sur le terrain. Euh, petite interview de Baptiste Roux avant cette rencontre. Euh, après tous ces matchs nuls, c'est le moment de faire fructifier ça par une victoire ce soir. Ouais, c'est sûr que c'est euh, une bonne occasion, je pense, pour, pour gagner ce soir. On est une bonne équipe. Voilà, on a été chercher un, un point difficile la semaine dernière. On a bataillé, donc euh, je pense que c'est le moment ou jamais et il faut concrétiser. Qu'est-ce que ça change de jouer lundi quand on est joueur c'est pas la même préparation, c'est pas la même semaine. Et après voilà, c'est euh, aussi un moment pour, euh, pour, pour regarder les autres équipes jouer le samedi. Et, euh, et voilà, bien, bien finir cette journée. Après voilà, aujourd'hui euh, on a une belle opposition contre une bonne équipe. On a besoin de, de points pour, euh, pour recoller là-haut, on sait que c'est important. Et voilà, on, met, on va tout faire pour, pour le faire. Voilà Baptiste Roux, c'est vrai Pierre Canton. Quand on voit le... Je t'enlève l'oreillette parce qu'on va s'entendre en décalé. Quand on n'est pas habitué, c'est l'enfer. Euh, un mot euh, sur, sur, sur ce match et puis sur le, le classement. Euh, alors, on l'a souvent regardé en se disant, tiens, donc il y a une belle opération à faire. Est-ce qu'on le regarde encore euh, maintenant, le classement Oui, ils sont, ils sont devant nous. Donc, euh, forcément, c'est un match super important à la maison. On veut absolument le gagner. Et, euh, et voilà, je reviens du VCR. Les gars sont déterminés pour... Euh pour le gagner et recoller au, un petit peu euh, au niveau des points. Donc, euh, donc, je pense que ça va être un beau match. Oui, avec deux équipes joueuses, hein, euh, Guingamp et Auxerre. Deux équipes qui, qui gâchent aussi pas mal. Guingamp, on en a suffisamment parlé. Les points en fin de match, notamment ici contre Grenoble et QRM. Et puis, Auxerre aussi, qui euh, est relativement maladroit, malchanceux. C'est l'équipe qui a le pire ratio de tir cadré sur ses tirs cette saison par match. Ils cadrent 38% de leurs tirs et Guingamp, c'est pas mal dans ce domaine-là. C'est troisième euh, ratio de Ligue 2. Guingamp est à 50,8%. Euh, 50, allez, 51% on l'accorde de, de, de réussite dans ce, dans ce secteur-là. On sent qu'il y, y a un petit truc à faire. Tu étais dans le vestiaire, tu nous le disais. Euh, on sent que ça peut être un moment sympa dans la saison. là Je pense que ça peut être un tournant, un moment charnière. Euh, en plus, ils viennent de, de perdre. On sait qu'ils ont quelques joueurs qui, enfin, en tout cas, un joueur influent qui n'est pas là. Donc, c'est peut-être le bon moment de les jouer. C'est le bon moment aussi pour nous de, de regagner à domicile. Oui. Après, une série de matchs nuls. Euh, voilà, le moment de bonifier aussi hein, la série actuelle. Guingamp n'a pas perdu sur ses cinq derniers matchs, mais il n'y a eu que 4, euh, Il n'y a eu qu'une seule victoire et, et quatre nuls sur cette série-là. Je suis archi concentré sur le chrono. Parce que les gens, tu ne le sais peut-être pas, mais ils regardent le match à la télé et ils se calent sur nos commentaires. Donc il faut avoir le tempo parfait. J'espère qu'on va être bon. J'espère qu'on va être bon. Monsieur Le Lega, Pierre de son prénom. Et hey, franchement, c'est le prénom du jour. Hein. Euh, Pierre présent, Pierre présent. On est là, vous avez vu le petit extrait, forcément. On nous en a reparlé. Bon, euh, on attend quoi Bah oui, 20h44, effectivement. La compo d'Auxerre, on va la donner juste après le coup d'envoi, celle de Guingamp, vous la connaissez, vous l'avez eu avec euh, Stéphane Dumont Guingamp, rouge et en noir, Auxerre en blanc et bleu, ses couleurs traditionnelles, 7500 spectateurs attendus ce soir, dont une centaine d'Auxerrois. Paf, c'est parti, bingo, le chrono est parti sur à la Guingampèze. La compo de l'équipe auxerroise avec Donovan Léon dans le but, une défense à 4, Mensa Aguzul, joli. Et Pelnard, une un milieu avec Ouzou et Diusi et une attaque avec Camara en pointe, Gautier juste derrière lui et puis dans les couloirs, Sina Yoko avec euh, Perrin que l'on a interviewé tout à l'heure. Premier ballon récupéré par les Guingampes avec une touche. Forcément, est-ce que toi Pierre, tu vas être plus attentif à ce que vont faire tes deux petits copains de la défense centrale ce soir Totalement. De... Dès que je regarde un match de foot, euh, j'ai tendance à regarder ce que font les défenseurs centraux. Donc là, là, c'est ce que je vais faire et, euh, et je serai attentif à tout. Voilà, J'espère et j'en suis convaincu qu'ils vont faire un bon match. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as, as, as un modèle, euh, un défenseur central de, dont tu t'inspires le plus Oui. Euh, pour moi, le plus grand défenseur central euh, qui a toujours été, c'est Sergio Ramos. Même s'il est sur le déclin aujourd'hui, je pense qu'il a, eu, euh, il a vrai, vraiment toutes les qualités pour... Euh, pour être le meilleur défenseur central du monde. Et je crois qu'il l'est d'ailleurs, il a, il a reçu le prix. Ah oui, ça c'est possible. Euh, ah, t as, t as, attention, le ballon peut-être pour Eloisani dans la surface, dégagement de Pellinar. Ouais, sacré défenseur central, avec le, le charisme, le caractère aussi, euh, qui va bien. Ballon pour euh, Ben Mohamed, qui enchaîne donc sur... Euh, le couloir gauche, Guingamp toujours privé de Ndour et de Valier Louvambo blessé et puis notre ami Pierre Lemonier évidemment suspendu. Un match seulement, hein on est d'accord. Euh, un match seulement, voilà. Attention, il y, y a deux ballons. On sort la pelouse au moment où Kalidou Sidibé est à l'angle de la surface de réparation. Louis Air avec Sivis qui peut décaler sur le côté droit. Mehdi Merghem de retour en tant que titulaire. Merghem qui revient à intérieur. Le centre dégagé difficilement. Baptiste Guillaume qui est au point de pénalty Le ballon qui rebondit. Tête de Guillaume et Loizani la reprise du gauche qui est contré. Il n'y a pas eu une petite main là euh, Oui, il y a eu un geste bizarre devant la surface. Oh, il a décidé à rien siffler, visiblement, monsieur le gars, dans ce début de rencontre. À noter, Pierre en parlait tout à l'heure, Jubal, hein, leur défenseur central brésilien est absent, suspendu euh, lui aussi au cercle, qui a perdu contre Dunkerque lors du dernier match 1-0 en touchant trois fois les poteaux. C'est l'équipe qui touche le plus les montants cette saison en Ligue 2, cette équipe au cerroise avec Bordeaux et le Paris Football Club. Sidi en retrait. Pour euh, Donatien Gomis. N'hésitez pas à poser vos questions à, à Pierre. Hein. On vous fera le. On, 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 on essaiera de le relayer tout au long de la soirée. Puis on aura évidemment, vous le savez, vous êtes habitué, un petit quiz. Et puis vous voyez la petite pub qui passe aussi en bas à droite de l'écran. Pour le quiz Guingamp à la mandoline que tu connais, je crois, le restaurant la mandoline. Est-ce que. J'ai une question super importante. Est-ce que tu as enfin vu leur toilette Toujours pas. Toujours pas. Il paraît qu'il faut, il faut les voir. C'est toi qui me l'as dit. Mais il, est... il est pas retourné depuis donc euh, voilà je rate quelque chose attention à ce ballon pour les Auxerrois dans la surface Basilio qui renvoie plein axe la frappe l'arrêt de Basilio là-bas encore un montant touché par les Auxerrois ouais, c'était chaud Basilio qui s'est interposé à deux reprises sur cette frappe de Camara récupération ça le centre détourné par la tête de Gomis Gautier pour Sina Yoko qui essaie de s'emmener le ballon Silis qui défend bien Emer Game qui récupère grosse chaleur sur le but euh, Guingampé dans ce début de, de rencontre Enzo est, est bien parti, hein bah, Très bien. Et t'as dit qu'il touchait les montants. Pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Ça y est, ça y est. Taylor Louvombo, vous voyez qui passe juste juste derrière nous. Ouais, parce que là, il y a eu double parade hein, de, de Basilio sur une frappe à ras de terre. Et la deuxième le deuxième ballon, il a touché, il l'a détourné et ça a terminé sur le ouais sur la barre transversale. Il y avait Saint Gomis qui était juste à côté, mais archi battu sur ce coup-là, qui a Pousser très très fort avec ses yeux. Et donc on termine, merci les Auxerrois de nous permettre ça. Le quiz, hein, le quiz Guingamp de retour à la mandoline jeudi 7 décembre, 19h30. Et vous pourrez voir les toilettes incroyables euh, dans le, le resto à, à Grasse. Silis qui récupère le ballon devant le, la ligne médiane. game maintenant, game qui euh, repique intérieur. On se souvient contre Ajaccio hein, un lundi soir. Ajaccio, mais attention, Sidibella qui rate sa passe. Ajaccio avait eu une, une très très grosse occasion et très, très peu de temps après, Guingamp avait marqué. Bon, ça ne sera pas sur cette action-là, mais on espère que ça viendra pour l'équipe de Stéphane Dumont qui dirige son 94e match sur le banc de euh, Guingamp. C'est la première fois d'ailleurs qu'il coach face à Christophe Pellissier qui lui a un bon bilan contre Guingamp, enfin plutôt euh, avantageux, 4 victoires, 3 défaites et 2 nuls avec Luznac Amiens. Et euh, Lorient, ballon pour euh, Ayman Ben Mohamed sur le côté gauche, la poitrine de Baptiste Guillaume, récupération euh, de l'équipe euh, auxerroise avec euh, Paul Joly qui donne en retrait sur Donovan Léon, long ballon sur la tête de Ben Mohamed, Rio maintenant qui intervient, le ballon sort en touche sur cette situation, 5 minutes 0-0. Je vais regarder si vous avez des, des questions, des, des commentaires, chers amis, à noter que vous verrez. Dans quelques jours, euh, un petit reportage qu'on est en train de faire tout au long de cette soirée sur nos amis de euh, BeinSport qui sont présents donc ce soir. On est allé les suivre jusqu'au Carrégi. régie. On a suivi François Rabillet, le, le, le commentateur, qui va vous montrer euh, toutes les coulisses d'une retransmission. Chantal qui nous dit « Merci à vous, euh, j'en prends plein les oreilles. Meilleur commentaire que la télé. » Bon, euh, ça, j'en sais rien, c'est vous qui voyez. Et en tout cas, c'est un ami, c'est un ami. C'est un plaisir. Je vois le euh, Corentin qui dit merci, cher ami. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Et tiens, il y a Edouard qui est d'accord avec toi. Hein, Sergio Ramos reste le meilleur défenseur. Euh, du monde. Long ballon. Attention à l'opposé de la surface. Guingampès pour Sinayoko. Au qui attaque vers la tribune du COP dans ce début de rencontre. Guido Mensa qui va centrer. Louis qui renvoie loin devant. Baptiste Guillaume au duel aérien à la retombée. Personne ne prend le ballon entre lui et, et Agouzoul, l'ancien défenseur de Sochaux. Donovan Léon maintenant. Balle au pied sur le côté droit pour euh, Paul Joly. Euh, Dioucet maintenant pour euh, Joly Perrin. Sur le côté droit, on avait l'air de lui apprendre hein, tout à l'heure euh, qu'il avait plutôt bien réussi dans sa carrière contre Guingamp parce que son, son premier but avec Auxerre, c'était lors d'un Auxerre Guingamp. Euh, une victoire euh, Guingamp pèse euh, 2-1 le jour du fameux coup franc de M'Shangama. Et puis, euh, il avait marqué lors d'un sombre Orléans Guingamp en Coupe de la Ligue 2019, le dernier match de Guingamp en Coupe de la Ligue qui s'était fait étrier, quatre buts à ce jour-là. Picard avec b qui n'est pas en position de hors-jeu, la bonne remise. Ouais, Picard qui va entrer dans la surface, qui pivote le centre, qui passe devant tout le monde, c'est pas fini, Picard encore, Picard toujours Ah oh là là, le bout du pied Il a peut-être pas choisi la meilleure surface, mais euh, il a donné le tournis aux au défenseur aux serrois sur cette situation. Belle opportunité pour, euh, pour les Guingampais avec... Euh, la technique soyeuse, on la connaît, du Picard qui a une situation en, en deux temps, qui est un peu allumé ensuite, Pierre. Hein. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un pointu. Et je pense que c'était le geste. Malheureusement, il a pris un peu trop coup du pied, mais c'était le geste. Ouais, le, le pointard, c'est un geste de bourrin. Euh, c'est pas assez... Ah oh, si, parfois. Très grand technicien, faire un pointu dans les zones... de euh... le vérité. Oui, c'est vrai. Souvenons-nous, Ronaldo, euh, Coupe du Monde 2002, c'est vrai, demi-finale, il marque du pointu. Bon, je retire immédiatement ce que j'ai dit, mais généralement, c'est plutôt un geste de bourrin. Allez, Loizanne, il sort le côté, est-ce que c'est corner ça Non, c'est touche à venir pour les euh, Guingampais. Hugo Picard qui récupère un hein, poste de, de titulaire, ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus euh, débuté dans la formation de, de Dumont. mergame non plus, euh, d'ailleurs, Civis qui va effectuer la touche, on est collé hein au poteau de corner quasiment sur le côté droit. Mergame qui décroche, qui redonne sur Civis euh, euh, sur le côté de la surface. Aïe, 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 aïe la passe, elle n'est pas bonne. De la part de Civis, elle va être récupérée euh, par euh, Donovan euh, Léon 0-0. Donc, entre euh, Guingamp et euh, OCR, vous avez peut-être suivi le week-end de nos anciens euh, Costamoricains, ceux qui étaient là euh, l'année dernière. Ça s'est euh, bien passé pour... Euh, attention, là, ce ballon pour Agouzou euh, dans la surface, ça s'est plutôt bien passé. Euh, pour euh, le Ajaccio de Stéphane Quimper, qui a été passeur décisif à Grenoble, victoire 3-0 des Auxerrois. Euh, Jules Gaudin aussi a gagné avec le PFC à, à saint et Jérémy Livolan a marqué son premier but avec Bordeaux. Mais c'est bien là la seule bonne nouvelle pour les Girondins qui ont encore perdu 3 à Bastia et qui sont désormais relégables de ce championnat de Ligue 2 BKT. Bien, allons pour euh, les Auxerrois. Oula, qu'est-ce qu'il a fait là euh, sur le côté notre ami Obouzou qui euh, s'est mis à tacler alors qu'on avait l'impression qu'il pouvait récupérer le ballon sans trop de problèmes. Ballon finalement redonné en retrait sur euh, Donovan Léon. Euh, alors sur YouTube, Pierre, on a un certain Jean-Michel Olas, je ne mens pas, hein, tu le vois euh, comme moi, qui euh, nous demande euh, Que penses-tu de l'ambiance euh, ici à, à Rodoro euh, J'aime beaucoup l'ambiance, sauf que euh, le COP euh, de la première à dernière minute, ils, ils sont derrière nous. Je trouve que dans les dernières minutes, euh, le public est, est aussi... Ils euh, bah, sont tous ensemble derrière nous maintenant. Euh, je pense que c'est à nous aussi de, de faire en sorte par les résultats de, de ramener encore plus de monde et que ce redout euh, retrouve un peu euh, l'ambiance qu'il avait euh, ces dernières années. Eh ouais, et puis il y aura une grosse ambiance. Hein. Prépare-toi le, le 16 décembre prochain. Je crois que c'est euh, le... le... Pas le prochain match à domicile, mais l'autre contre Concarneau, le fameux derby. Et surtout le jour des 30 ans du cop Rouge. On, espère, on, on vous proposera deux, trois petites choses autour de ça. On, on communiquera dans, dans quelques jours, quelques semaines. Luizère avec Sidibé, peut-être sur la gauche pour euh, Picard. Non, il donne en retrait sur Emine Ben Mohamed. Dumont parlait tout à l'heure avant ce match hein, de, entre guillemets, de bataille technique entre deux équipes euh, qui ont quelques... Joli technicien, voilà, Guingamp qui arrive à hein, avancer vers la surface serroise à l'image de ce décalage de Mergem pour Ben Mohamed sur le côté gauche Picard maintenant qui euh, redonne sur Mehdi Merghem qui euh, a, a basculé sur le côté gauche par rapport à, à ce mouvement oui Louiser bien joué la passe en une pour casser la première ligne Picard pour euh, Ben Mohamed B maintenant qui euh, pivote et qui donne euh, sur euh, Ben Mohamed Picard maintenant qui euh, se retourne qui donne sur Merghem attention dans le dos ça arrive hop là petite roulette à la zizou de Mehdi Merghem qui cherche un partenaire le voilà avec euh, Donat Saint-Gomis légèrement en retrait Louiser à présent Louiser à droite pour Civis, voilà Guingamp qui a une longue longue séquence de possession. Gomis attention face au pressing, louis Luiser contré par camara, tête de notre ami Dioussé, Sinayoko contré par Gomis. Puis Civis ballon pour Auxerre. Apparemment le ballon est bloqué euh, sous le siège du speaker. C'est le quatrième arbitre qui est obligé d'aller le, le chercher. Voilà, ça y est, on a le ballon qui arrive sur euh, le, la pelouse pour Gideon Mensa, on parlait des Girondins tout à l'heure, lui il a vécu la descente avec euh, Bordeaux en 2021. 2022. Je vois un commentaire de Joe qui dit Donovan Léon, il était déjà dans le but au Serrois lors de la fameuse demi-finale de la Coupe de France en 2015. Oui, 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 c'était lui, le gardien. Alors, il est parti entre temps. Hein. Il a fait cinq ans à Brest, euh, Donovan Léon. Il est revenu en, en 2020. Et c'est vrai que c'est un joueur très, très apprécié du côté d'Auxerre. 166e match pour lui ce soir avec la GIA. Attention, Gauthian qui a trouvé Sina Yoko dans la surface. La frappe, elle est contrée par Donatien Gomis et salué par Pierre Lemonnier à nos côtés, Mergem Gomis. Allez, il faut faire quelque chose de ce ballon, ne pas se mettre en danger Enzo Basilio le capitaine qui dégage du pied droit sur le côté droit, déviation de la tête d'Eloisani et manqué mon deuxième ballon. Hop là, il y a Sidibé qui n'a pas réussi malheureusement à se l'emmener pas de faute Ouzou maintenant qui euh, cherche un partenaire le voilà avec euh, Gaëtan Perrin face à Hugo Picard la défense guingampèse plutôt bien regroupée euh, sur cette situation Ouzou pour euh, Hain entre les lignes ouais, qui a trouvé l'appel de Paul Joly le centre devant le but contré par Ben Mohamed deuxième chance Joly second poteau Sivis impeccable Sivis pour fermer le second poteau et concéder un corner je crois que c'est le premier Corner dans ce match euh, pour les Auxerrois et il n'y en a même pas eu hein, non plus pour euh, les Guingampais. Gauthier Aïn pour le frapper, attention, un hein, joueur très décisif dans le championnat de Ligue 2, 6 buts, 5 passes décisives euh, dans ce championnat, même s'il est resté muet sur les 3 dernières sorties auxerroises. Aïn, pied gauche, oh, il n'est pas sorti ce ballon visiblement, non, tête de Ben Mohamed qui euh, lui aussi a bien fermé au second poteau à l'angle des 6 mètres à l'opposé, joli avec euh, Gideon Mensah qui euh, écarte. Sur le côté, sur Owuzu qui a un petit peu d'air pour pouvoir avancer, s'emmener le ballon centré. Tête d'El Loizani au premier poteau. Récupération au Serroise. une nouvelle fois avec euh, Owuzu pour Gideon Mensa. Perrin est resté collé sur la ligne de touche côté gauche. Poitrine de Perrin remise sur euh, Gauthier Hein. Hein devant Air. Hein qui revient en retrait sur euh, Gideon Mensa en deux touches euh, pour euh, maintenant euh, Saad à qui euh, temporise légèrement. Voilà Auxerre là qui a récupéré un peu euh, le tempo de cette rencontre. On parlait de la demi-finale 2015. C'est la dernière fois qu'Auxerre a battu Guingamp. Depuis, il y a eu six matchs entre les deux équipes. Les six en Ligue 2 et donc aucune défaite pour Guingamp. Trois victoires et euh, trois nuls entre les deux formations et Auxerre qui s'est imposé qu'une seule fois ici à Guingamp dans toute l'histoire en onze confrontations. Une victoire 2 à 0 en janvier 2003. C'était la fameuse euh, Série maudite au, au mois de janvier sous Drogba Malouda où Guingamp avait perdu 6-7 matchs de suite avant de faire une fin de saison folle. Mais c'est sans doute cette période-là qui l'a empêché de décrocher euh, peut-être la Champions League. Hein. On rappelle, Guingamp avait fini à 3 points la Ligue des Champions euh, cette année-là. Attention, El Ouazani peut-être dans le dos de Paul Joly. El Ouazani qui, qui gêne son vis-à-vis. -vis. Bah, maintenant pour Kalidou Sidibé qui arrive à décaler sur Elloizani qui n'est pas en position de hors jeu. El a arrêté. Sidibé à l'angle de la surface, petit bout du pied de Sidibé pour Picard, récupération au Cerroise avec Camara, bien pris, bien peut pris par Mathis Rioux. plaît-il. Tu pensais que la touche était ah oui non elle a une touche finalement. Elle est euh, au Cerroise, son ballon en profondeur tête de Ben Mohamed Gomis qui intervient. Bien joué. La relance immédiate sur Dylan Lewis et Hugo Picard maintenant sur le côté gauche. Picard en retrait sur Ben Mohamed. Ben Mohamed Picard qui essaie de s'emmener. Ça revient dans les pieds de Ben Mohamed. Allez, Sidibe qui a éliminé un adversaire avec une fin de corps. Renversement de jeu à l'opposé. Il y a de l'espace. Il y a de la place pour Civis. Le contrôle devant Mensa. Pas de faute. Pas de faute, pas de faute malheureusement sur Civis. Mergame et Luzer font l'effort. Bien joué Mergame qui tacle. Et Gomis qui récupère. En ayant une mauvaise extension, là, on espère que c'est plus de peur que de mal. Voilà, il va se relever, il est solide. Donatien Gomis, ça aussi, c'est quelque chose qui est. Bon, toi, surtout, tu peux en parler euh, malheureusement, même mais si on a dit qu'on n'en parlait plus. Mais cette saison, on voit qu'il y a moins de pépins physiques aussi. Ça permet d'avoir, euh, bon, même s'il y a le, le côté gauche qui est déplumé, mais ça aussi, c'est quelque chose qui change par rapport à l'an passé. C'est ça. Euh, c'est vrai que depuis que je suis là, depuis deux ans, c'est vrai qu'on a beaucoup, on a quand même pas mal de blessés, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression que la mentalité des gars a changé, qu'il y a beaucoup plus de travail en salle aussi. Euh, alors je dis pas que c'est uniquement pour ça, mais euh, mais il y a beaucoup de pré prévention de faites et je trouve que ça paye. Bon bah voilà, on va dire qu'on a appris des, alors je sais pas si c'était des erreurs de l'an passé, mais en tout cas on a appris de la mésaventure de l'an passé. Coup franc pour Guingamp devant le banc. De Pellissier au milieu du camp au Serrois, juste à côté la ligne de touche, ça peut permettre d'amener un bon ballon vers la surface de réparation. La fausse piste proposée par Picard, Sidibé qui est euh, aux abords de la surface de réparation. Guillaume Gomis aussi, euh, notamment. Merghem qui va solliciter le second poteau. Remise de la tête de Sidibé et c'est dégagé par la défense au Serrois. Pas pour longtemps. Louis Zer avec Merghem sur le côté droit. Picard qui demande le ballon. Merghem qui euh, y va seul, tout seul. Oh, le centre fort du pied gauche qui est dégagé par une tato serroise. Rio qui va au duel, une main est réclamée. Il il voit pas les mains. Enfin, ça fait deux, trois fois qu'on réclame bras-mains du côté de, de Guingamp. Monsieur le gars, pour l'instant, reste de marbre. Euh, silice avec euh, Gomis toujours 0-0. Vous le voyez, chers amis, on est pile poil calé hein, sur euh, le, le chrono euh, du stade. Ballon pour euh, Enzo Basilio et les Guingampés. Tiens, c'est toujours la question qu'on aime bien. Euh, Hop là, il y a une grosse faute là de Camara sur Enzo Basilio et un carton jaune. Je vais récupérer mon petit stylo pour noter ça. Carton jaune pour Camara qui allait un peu en retardement au pressing sur Enzo Basilio. La question, les amis, à chaque fois, on aime bien voir ça. D'où est-ce que vous nous regardez Est-ce que vous nous regardez, comme certains le faisaient ces derniers temps, du Brésil, de Côte d'Ivoire, de Bazouge-la-Pérouse Peut-être euh, d'ailleurs on est entre gars du 35 hein. euh, moi je suis de Saint-Malo Saint donc euh, je peux vous dire que je vous attends avec un tapis rouge au stade de Marville dans, dans deux semaines tu vas ramener euh, tout le peuple de Bazouge à, à Saint-Malo toute la famille qui vient et certains amis eux. Ah, c'est toujours spécial toujours spécial c'est ça va être euh, la troisième fois de l'histoire hein, que Malouin et Guingampé vont s'affronter vont la dernière fois c'était en, en 2011 une victoire de 1 avec deux buts de Thibaut Giresse. Euh, long ballon de Donovan Leon. Grosse lutte là, entre Camara et Rio. Oh là, sandwich entre Louise et Ben Mohamed euh, pour Camara. Visiblement, on a voulu se venger un peu de son intervention euh, sur, euh, sur Enzo Basilio euh, tout à l'heure. Euh, alors, plou l'air, j'espère que je dis bien. Siskin, euh, n'hésitez pas euh, à liker et hein, à partager. Je vois que vous êtes euh, nombreux sur YouTube. Je vais aller tout de suite sur Facebook. Alors, on avait des commentaires sur euh, Serge Ramos. Euh, tac, 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 tac. Euh, voilà, la vidéo, elle est là. Des Cévennes de Rennes. Ben voilà, euh, on est plusieurs du 35. Euh, Sker dans le 29. Brest pour Loévan. La cité Corsaire. Moi, ben ça, je sais qui c'est. Euh, Hergé Gabéric. Voilà, c'est très breton ce soir. Très breton euh, ce soir pour ce guingamp. Au cercoufranc pour euh, la GIA. Perrin et Hain sont à côté euh, du ballon. Il y a cinq au serrois. Aux abords de la surface d'Enzo Basilo, le coup franc il est loin, hein. 30-35 mètres du but d'Enzo Basilo. Qu'est-ce que c'est que cette combinaison là Ça peut marcher peut-être, non Il y a eu. Oh non, elle n'a pas été touchée cette balle-ci. Bon, visiblement, les guingampés ne, ne pestent pas. Ils nous ont fait une feinte, re contre-feinte. Hein euh, qui est allé, qui s'est arrêté, Perrin aussi, puis Hein a tiré. Ils sont coutumés du fait On verra beaucoup de, de combinaisons ce soir, normalement, de leur part. Non, On les a travaillées, mais celle-ci, je crois qu'on ne l'avait pas encore vue. Oh bah, ouais, on, a, on a été les cobayes euh, là-dessus. Gauthier pour le corner. Ils sont quatre au second poteau, un au premier. Il y a peut-être une petite faute là-dessus. Là Monsieur Larbitre sort 6 Et hop, le, la frappe de Ouzou complètement ratée et cueillie sans trop de problèmes. Par Enzo Basilio. Mergame qui est parti sur le côté droit. On va attendre un petit peu. Enzo Basilio qui euh, temporise. C'est un match équilibré hein, pour l'instant, Pierre. Il y a eu une grosse occasion de chaque côté. Euh, la barre pour Auxerre et euh, le, le pointard de Picard pour Guingamp. Attention, on va attendre cette action. La Loisani en pivot pour euh, Picard-Langue de la surface. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, il voit l'appel de Ben Mohamed. Le centre un petit peu raté. Sidi B pour la frappe écrasée à ras de terre. Voilà, c'est équilibré, deux équipes joueuses. Il n'y a pas franchement une équipe pour l'instant qui prend le dessus, Pierre. Non, pour l'instant, c'est vraiment équilibré. Comme tu l'as dit, une occasion de, de chaque côté. J'ai hâte de voir euh, hâte que ce soit de notre côté, mais que, que ça prenne un peu. Eh bien, écoutez, on espère que c'est Guingamp qui marquera le premier but. Guingamp qui n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matchs à, à domicile et également une seule défaite. Sur les 16 derniers matchs à domicile contre les relégués de Ligue 1. La seule défaite contre. Tiens, je, je vais voir si tu. Tu l'as pas joué ce match. La, la seule défaite depuis bah, 16 matchs, ça doit faire quoi Je pense que c'est depuis que Guingamp est revenu en Ligue 2, donc 5 ans. Une seule défaite contre un relégué de Ligue 1 à domicile. Euh, Toulouse. Euh, non, ils n'étaient pas relégués. Non, non, on perd 4-2, euh, mais ils n'étaient pas relégués. Ils ont été promus. Toulouse, c'était était leur deuxième année. Ouais, ouais. Et Toulouse, oui, il y avait eu match nul euh, l'année d'avant quand ils étaient relégués. Bon, je te donne un indice. Tu étais au club. Hein. Enfin, tu étais, euh, étais dans l'effectif. Je te laisse. T'as as cinq minutes. Allez-y, les amis. Hein, si vous avez la réponse sur Facebook, YouTube, la, le seul relégué de Ligue 1 qui a gagné à Guingamp depuis la, la relégation, je vous donne un indice. Le score était 0-1. Je vous laisse. Allez. Jusqu'à la 26e, vous avez la possibilité de, de chercher les amis. Il n'y a rien à gagner sinon toute notre estime. Euh, Kalidou Sidibé avec euh, Hugo Picard. Mathis Rioux, maintenant, qui, euh, cherche un partenaire devant. il eh, n'y en a pas beaucoup. Voilà, Louis -Air. Bien joué, ça, de la part de Mathis Rioux. Louis -Air, encerclé par euh, deux, trois Zocero, à Picard, maintenant, on voit beaucoup de patience, hein. Du côté de, de Guingamp, on ne fait pas n'importe quoi. On ne veut pas faire n'importe quoi, évidemment, avec le ballon. Mer game. Allez, ça, c'est bien joué pour gagner des mètres et pour nous ouvrir le champ des possibles sur le côté gauche. Ben Mohamed, il y a Picard qui est passé. Bien joué dans le couloir. Super construction. Et, malheureusement, euh, Jussé nous empêche d'être à la finition, mais super. Préparation de Guingamp qui a aspiré au cerf avec euh, une série de passes dans son camp. Ça, a, ça nous a ouvert tout le, le côté gauche et, le, et tout cela débouche sur le premier corner du match avec Mehdi Merghem pour le frapper. Pierre le Monnier cherche encore, cherche encore l'équipe contre laquelle on a perdu. Ah, bon, on va voir. Dans trois minutes, on fera le point. Merghem pour le corner. Allez, il y a du monde un peu partout dans la surface. Le ballon qui s'élève très haut, très haut, très haut, Sidibe qui passe un peu au travers, dégagement au serrois qui peut récupérer. Sivis. pour El Wazani, El Wazani à Sivis qui poursuit sa course. Ouais, qui fait sa course lui-même qui s'est fait la passe lui-même, pardon. Et finalement, ce sera une touche pour les Guingampais effectuée par Sivis sur le côté droit dans le prolongement de l'angle. De la surface de réparation, euh, pardon, civis, pour effectuer euh, la remise en jeu, civis. Il y a Cilibé euh, à ses côtés, poitrine de silibé civis encore. Qui va centrer Hop, hop, hop. Il n'y a pas une main de de Perrin là-dessus, Monsieur l'arbitre Voilà. C'est comme l'autre qui voyait des morts partout. Moi, je vois des mains partout. Hein. J'ai l'impression que se fait trois ou quatre fois qu'il y a un... quelque chose de bizarre dans la surface. Allez, Picard. Il y a Ben Mohamed qui a pris l'ascendant dans le couloir. Picard qui revient intérieur. Relais sur Sidibé. Contrôle de Sidibé. louis qui arrive lancé, et qui n'arrive pas à bien s'emmener le ballon. C'est pas fini. Temps fort pour Guingamp. Rioux vers Picard. Tête de Jolie. Ben Mohamed à la retombée. Et malheureusement, c'est Perrin qui gagne son duel Perrin avec Camara peut-être, euh, sur le côté. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Camara qui avance, qui avance devant Matisse Ouh là, là, là là Le contrôle. est à nous! Elle est rouge! Elle est rouge! Oui, monsieur l'arbitre. Elle est rouge. Après le tacle de Rioux. Camara a retouché le ballon 0-0, mais c'est pas mal, c'est pas mal ce que propose Guingamp. Maintenant, on va pas le dire 150 fois, on le dit à chaque match. Hein. L'efficacité, l'efficacité. Alors, j'ai des, j'ai des propositions. Corentin me dit Saint-Étienne, Jean-Marc me dit Dijon. Dijon, je dis non. Saint-Étienne, je dis non. On a perdu à Saint-Étienne, mais pas à Guingamp euh, contre contre Saint-É. Mais j'ai vu également la bonne réponse sur Facebook. On va attendre trois minutes, je vous ai promis la 26 e On va attendre. Ben Mohamed pour Picard sur le côté. Pas de faute, si, faute sur Hugo Picard de la part de Paul Joly. Le armes du Cop Rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à le, le percevoir tout à fait, mais ça fait du bruit. Le Cop Rouge qui est presque plein. Hein Quelques sièges vides. Un peu plus haut, euh, Rio pour le coup franc Guingampé dans le... dans le camp au serrois. Est-ce qu'on va allonger visiblement Oui, parce que Sidibé s'approche de la ligne des 16 mètres 50. Merghem, euh, Rode aussi. Il y a Guillaume et Ouazani. Allez, Rio avec euh, sa qualité dans le gelon. long. Sidibé au second poteau. Elle est bonne pour Ouazani, frappe. Oh, elle est contrée. Oh, elle est contrée par euh, Dioussé, il me semble. Ouais, oh, c'est pas passé loin là-dessus. On a presque tous vu dedans cette belle remise de Sidibé de la tête el Oisani qui était tout seul au point de penalty. Mais le moment de faire l'enchaînement, contrôle, frappe, ça a donné l'opportunité aux Auxerrois de se jeter sur le ballon et de contrer cette énorme opportunité. Pour l'international U23 marocain. Allez, le corner pour Merghem. Et là, c'est un temps fort. Hein. Pour Guingamp, vraiment, depuis 4, 5, 6 minutes, ça pousse sur le but au serrois. Merghem, ça part plutôt bien. Ballon dégagé par rosser Perrin euh, du Tibia, presque là, qui sort ce ballon Sivis à la retombée avec Sinaïoko. Tête de Sinaïoko. Est-ce que c'est sorti Non. Pour Gauthier-Hein, entouré par euh, plusieurs Guingampais, Dégagement de Gomis dans les loges, euh, sous la tribune présidentielle. Bon, 26 e minute, on y est. Pierre Le Maunier, tu avais une idée Dernière équipe reléguée de Ligue 1 à avoir gagné ici Bordeaux Bonne réponse. Bordeaux 1-0 l'année dernière. Euh, alors, le buteur, le buteur, ça devait être. C'était leur Brésilien, là. Euh, Franck Sergio, je crois. Euh, bon, je, en tout cas, voilà. 1-0 pour les, les Bordelais. C'est tout. C'est tout. Attention, amène ça pour le centre. Hop, 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 hop. Rioux, qui a manqué son intervention. Ben Mohamed qui a touché le ballon. C'est revenu dans les pieds de Riou qui, dans un second temps, a réussi à, à dégager. Ce ballon, Pelnard, avec euh, Owuzu, Diou, c'est en retrait. Oups, elle est forte celle-là, sur euh, Saad, Agouzoul, Agouzoul qui euh, s'emmène le ballon avec Paul Joly sur le côté droit. Les Auxerrois qui euh, repartent vers l'avant. Les Auxerrois, on, on vous l'a montré tout à l'heure en statistique, hein, un vaincu à l'extérieur en Ligue 2 depuis 17 matchs, 17 matchs sans défaite à l'extérieur, 11 victoires et 6 nuls. C'est la plus longue série de l'histoire de la Ligue 2 depuis que la D2 se joue à, à poule unique. Depuis le début, euh, le milieu pardon Des années euh, 90 Alors évidemment c'est à cheval Sur leur fin de saison qui les a amenés à la montée Attention, Ryu qui euh, remet le ballon plein axe Sur ce duel, Sinayoko qui va pouvoir Décaler Perrin, Perrin qui euh, Crochet devant Ben Mohamed, Perrin une fois, deux fois Gomis qui revient très proche, centre en retrait Et heureusement Sivis qui est resté tout près de Sinayoko On sent, il y a de la qualité offensivement Pierre, mais on est toujours très proche Très proche de, de leurs attaquants moi, je, je trouve qu'on était mieux et en fait, c'est sur, juste sur quelques, quelques situations, je trouve qu'ils arrivent à piquer et à piquer assez fort. Donc euh, voilà, il va falloir avoir le geste juste dans notre surface. Pour l'instant, là, pour l'instant, là, ce geste juste. Alors, ah, mais oui, il y a un bonnet bleu là, de la GIA. Ce pas Giroud, mais je me disais aussi, il y a des huluberlus qui euh, s'extasient à chaque fois que Oser arrive vers la surface. On espère qu'ils vont être contents en, en sortant du match. Euh, Perrin. Hop, la, la, combinaison, bien jouée, directement dans les pieds de Hugo Picard. Picard, hop, 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 hop s'il peut la mettre, s'il peut la mettre, est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il l'a vu, elle le ballon en profondeur, malheureusement, mène ça à, récupérer cette balle un peu trop profonde de, d'Hugo Picard. Mais alors, le, le, le corner au serrois, c'était, euh, Perrin, un rat de terre pour Gauthier, Hain, qui a joliment laissé passer ce ballon entre ses jambes. Mais visiblement, ça, on l'avait vu à la vidéo. Et Picard, eh ben, il était juste derrière Gauthier Hain pour récupérer cette balle. Allez, Louis qui est bien placé aussi au milieu pour permettre à Picard de récupérer, très actif encore une fois ce soir. Hugo Picard qui euh, a... Déca... C'est Civis qui est là-bas. Civis latéral gauche euh, après le retour de, de corner. Voilà, on va attendre la touche euh, au milieu du camp. Serrois pour euh, euh, faire l'inversement entre les, les deux latéraux. Ben Mohamed qui récupère son couloir gauche. Civis le droit. Ben Mohamed pour effectuer euh, la remise en jeu. Cidébé si devant lui. Euh, Louis légèrement en retrait. Picard Guillaume. Devant, quelle solution pour Ben Mohamed C'est Guillaume qui est sollicité. La cuisse de Guillaume, ouais, qui arrive à bien pivoter et à décaler. Ben Mohamed le contrôle, le centre repoussé. Air de la tête encore. Dégagement de la défense centrale au Louis Air qui donne sur Merghem maintenant. Sivis qui propose le dédoublement sur le côté droit. Merghem encore. Merghem en de la surface. Allez, il a le contre favorable. Merghem à droite pour Sivis qui peut centrer en une arra de terre. Corner, corner, corner. Pour les Guingampais, Pelnard qui euh, s'est jeté au sol pour euh, repousser le ballon de la surface de réparation. Nouveau corner pour les Guingampais. Mergem pour le frapper. Picard qui propose une deuxième solution. Les 11 Auxerrois sont dans leur surface. Euh, Merghem Donc, corner rentrant en venir sur cette situation. Second poteau. Eloisani et Comis qui était tout proche de conclure. Et il y a un dégagement catastrophe de Camara qui s'est jeté dans le trafic. Pour enlever le ballon juste devant le but à Donatien Gomis. Ah dommage, dommage, dommage. On n'était pas loin encore une fois de faire basculer ce match ou tout du moins d'ouvrir le score. Ce n'est peut-être que partie remise. Mergem, second poteau. Léon qui sort et qui se saisit du ballon juste devant les deux mètres de Kalidou Sidibé. Oh le dégagement. Euh, de Donovan Léon qui arrive directement sur Stéphane Dumont, elle de pigeon du coach et Sivis qui va pouvoir effectuer la touche rapidement, Sivis pour Mergame Mergame encerclé par trois Auxerrois et deuxième ballon touché par euh, Stéphane Dumont qui la rend à Civis euh, qui euh, va chercher un partenaire, on a franchi la, la première demi-heure, hein. toujours 0 à 0, on va jeter un petit coup d'œil. Aux statistiques dans quelques instants, euh, les amis. Tête au Cerro Azul à qui peut récupérer là entre les lignes. Aïe, 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 elle est forte, elle est forte, elle est dévissée cette passe. Mais Picard accélère et sur le ballon de la sortie. Bel effort de la part euh, du jeune euh, Guingampé Picard avec euh, rio Maintenant, euh, plein axe. Un petit coup d'œil sur les stats. Je sais pas où c'est sur la, le site de la Ligue. Je vais bien trouver, euh, les amis, avant la fin de la première période. Sidibé pour l'effectuer, voilà, guingamp serre, 0-0, le saviez-vous euh, Luizère dans le rond central alors que Sidibe est au sol, Merghem maintenant qui récupère possession de balle 49,8 à 50,2 quand, euh, quand on disait tout à l'heure que c'était équilibré, on peut, pas, on peut pas dire mieux, niveau attaque 5 tirs pour Guingamp, 4 pour Auxerre mais 0 tir cadré pour Guingamp et un seul pour les Auxerrois Guillaume qui se jette aussi dans le, dans le trafic là mais le ballon est récupéré par Rosser, Paul Jolie avec Perrin sur le côté droit Perrin avec Hein, Hein qui rebrousse chemin et qui euh, cherche un partenaire, ça arrive derrière sur euh, maintenant Sad, Agouzoul, Pelnar euh, qui avance de plusieurs mètres, Pelnar devant euh, Mergem, euh, Ouzou pour euh, Pelnar euh, Aguzul, je vois à chaque fois qu'Agouzou va toucher le ballon, je vois Joubal. Je pense que je vais faire l'erreur d'ici la fin du match. Euh, Pince-moi Pierre si je le fais. Mais je. on voit Joubal en, en Aguzoul. Attention, Léon euh, pour euh, Pelnar sur le côté gauche. Pelnar, c'est une équipe de Guingamp qui attend assez haut hein, son, son adversaire. Grosse lutte entre Gomis et Sinayoko. Faute de Donatien Gomis sur euh, la sina Sinayoko. Et le coup franc sera pour au Sinayoko qui avait marqué lors du dernier Guingamp au c'était ici en février 2022, match nul un partout, c'est Mouyumba qui avait égalisé pour les Guingampais, Aine pour Perrin, Perrin qui s'emmène le ballon devant, 2 trois Guingampais à Camara, la talonnade, Basilio impeccable bonne anticipation, ballon capté en deux temps par Enzo, Basilio et le ballon va pouvoir être rejoué par les Guingampais dans, dans quelques instants le dégagement à venir on regarde euh, ce qui se passe au niveau du temps. Pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Euh, on a eu des grosses, grosses averses. Pour l'instant, les joueurs sont épargnés depuis le coup d'envoi de, de cette rencontre. El Wazani qui touche le ballon de la tête, Mensa à la retombée. Ayn ah, maintenant qui récupère cette balle qui franchit la ligne médiane à Vivalur il est poursuivi par Louis Sinayoko maintenant sur le côté gauche, l'arrivée de Mensa, le latéral pour euh, l'aider, Mensa qui va décaler encore Sinayoko, il y a deux au dans la surface, Sinayoko qui travaille pied droit et qui donne sur Mensa encore une fois, Mensa pour Wouzou, Sinayoko finalement, Sinayoko de loin, non, il préfère donner euh, sur Joli sur euh, le côté droit, joli ballon freiné par Hugo Picard, Louiser qui ressort. Allez Amine. et Non, malheureusement Pellner qui euh, s'interpose. Perrin maintenant. Plenax, euh, taire, Lui, on va le mettre dans le parcage à la mi-temps. C'est pas possible. Euh, Picard euh, pour qui euh, Ben Mohamed peut-être. Hop hop, 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 Picard qui rend le ballon. Ozo en voulant euh, récupérer, en voulant sauver le ballon de, de la touche. Attention Camara devant, Silibé dans la surface, pas de faute les enfants. Ballon récupéré. Par Paul Joly. Ballon ben pour Perrin maintenant l'entrée de la surface. Perrin qui euh, fait le tour de lui-même et qui euh, essaie de trouver une position, un relais plein axe sur Gauthier Heine. ou maintenant, qui décale. Mensah sur le côté gauche. Le bloc Guingampé qui euh, coulisse. Mensah qui feinte le centre devant Merguem. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pour l'instant. On dirait une séquence de hand là où euh, la défense Guingampé s'est parfaitement placée. Et Sivis qui récupère la, la faute. et Il se casse les dents un peu sur notre défense là, Pierre. Hein. Depuis. Ben, depuis le début du match, presque à part l'occasion sur la barre. Ouais, c'est vrai, on défend bien en bloc et ça ressemble un peu à Durand comme tu as dit, donc euh, c'est très bien. Un, un mot, parce euh, que quand tu es arrivé, tu as dit oh, on voit bien d'ici. Qu'est-ce que, qu que tu vois de plus ici qu Qu'est-ce qu que ça change dans ta perspective En fait, il euh, bon, faut savoir que nous, quand on regarde les matchs, euh, habituellement on est dans le coin et on est moins haut. Là, on peut voir vraiment bah, tous les hors-jeux, euh, toutes les passes qu'on que voit même pas sur le terrain. Là, c'est un autre œil. Eh bien voilà, c'est un plaisir de t'accueillir euh, ici. Mais c'est ce qu'on dit à chaque, à chaque Guingampais qui vient commenter avec nous, soit là le moins souvent possible. Hein D'accord Très bien. Euh, ballon récupéré par euh, les Guingampais, ça se chauffe un peu. Civis, il est toujours dans les coups. Hein dès qu'il y, qu y a un peu de grabuge, il est là. Euh, L'ami euh, Civis, bon, ouais, c'est bien, hein, il faut un peu de caractère. Pour exister sur le terrain. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Monsieur le gars qui fait la, la police entre Hein euh, et Sibis. Euh, euh, je regarde si on a quelques petits commentaires et euh, questions. Bon, bravo à tous ceux qui ont dit Bordeaux hein, tout à l'heure. Euh, Loïc, Eric, Loévan, Christian. Euh, bravo à, à vous. Je vais essayer de remonter d'autres commentaires. Aller voir aussi sur sur YouTube. C'est cool. Vous êtes de plus en plus nombreux hein, à nous suivre sur YouTube et à peut-être prendre le prendre l'habitude de, de caler avec euh, avec la télé. Ballon pour euh, l'équipe euh, de Guingamp avec euh, une touche. Et puis vous avez vu aussi euh, les inscriptions calonne hein. C'était euh, c'était pendant ces trois jours. Tu, je, je on m'a dit que tu es calonne ou tu voulais l'être. Comment ça se passe? Tu étais à la boutique l'autre jour non? C'était à la boutique, mais c'était une occasion pour, euh, pour Halloween. Ah, pour faire des... Ou alors, euh, je vais retrouver le message à la mi-temps. Euh... Ou alors, on, on te forçait à prendre la plaque calotte. Peut-être que c'était ça. Je vais ressortir le message à la mi-temps. Alors, récupérer par euh, Gomis, Gomis en retrait sur euh, Enzo Basilo. Comment c'était d'ailleurs Halloween Comment tu as fait pour mettre le. C'était quoi C'était une lentille ah, J'en ai... ai pris quatre. Parce que le soir, le soir, enfin la veille, je voulais essayer c'était un enfer. Je les ai retirés au bout de deux minutes parce que ça fait super mal et c'est super dur à mettre. Et par chance, le jour, je voulais en mettre deux, mais j'ai réussi à en mettre une et ça faisait son effet, non Oui, c'était flippant. Je, je tiens à le dire sur les photos, c'était euh, terrifiant. Et Vincent Monceau aussi avec son, son petit chapeau de sorcière, c'était euh, ah, un moment quand même euh, sympa. On a un petit mot d'ailleurs de la boutique, on essaiera de vous mettre ça en en seconde période parce qu'il y a le calendrier de l'avant, de l'en avant pour les plus farceurs d'entre vous qui va bientôt euh, sortir ballon pour les Guingampais avec euh, Sidibé pour Rio long ballon de Rio à la retombée il y a Picard ou jolie c'est Joli qui a pris ce ballon de la tête, Dioucet qui ressort euh, sur maintenant La euh, gouzou en retrait sur Donovan Léon l'intérieur du pied de Donovan Léon pour donner sur Dioucet l'ancien joueur de Saint-Etienne non c'est Ouzou pardon qui était là le capitaine il a été ceinturé un petit peu par le bras par euh, Sidi Ça sera un coup franc pour OCR effectué par euh, Aïn dans le rond central. Aïn en retrait sur euh, Saad Agouzoul, ancien coéquipier de Dour. l'année dernière à Sochaux. Tête de civis. attention, deuxième ballon. Ça revient pile dans les pieds de, de Gauthier Aïn. Aïn qui euh, ressort sur Mensa. Mensa pour euh, Ouzou, Ouzou qui ressort encore. Pour Diouce, euh, c'est joli maintenant qui écarte encore à droite le long de la ligne de touche pour euh, Perrin. Perrin qui euh, revient plein axe. Ah là, Merghem qui est blessé. Bien vu, euh, Pierre. Merghem, malheureusement. Euh, attention là, il euh, y a un peu de panique là sur le banc de Guingamp au moment où ça centre. Et Ryu, Ryu qui sauve devant euh, le tac de Sinayoko premier poteau. Ça montre encore à, à quel point on est proche hein, des Auxerrois à chaque fois. Ils n'arrivent pas à se trouver en bonne position. Leur Merghem. Euh, Est-ce que c'est un coup Est-ce que c'est plus malheureux Malheureusement, euh, on le sait un petit peu, un hein, coutumier du fait, euh, souvent euh, touché, c'est Amadou un hein, qui part à l'échauffement. On est à 38-22. Elle passe à deux à l'heure, je trouve, cette première période. J'ai l'impression d'avoir vécu trois matchs en, en un euh, déjà. Pourtant, ce n'est pas une purge. Il hein. y a des équipes qui veulent jouer, qui essayent de, de construire. Il y a eu des opportunités de part et d'autre. Mais euh, bon, alors, Mergame qui se relève. On l'avait vu sortir sur un match euh, à 15-20 minutes de la fin, plutôt par précaution. Là, on n'a pas l'impression que c'est de la précaution. Hein. Sania, euh, il se met déjà en tenue de match. Le changement est, est préparé et le changement va être effectué. Guingamp à 10 provisoirement sur cette situation. Le corner qui va être frappé par euh, Gauthier-Hein. Tous les Guingamp hein, sont dans leur surface. Face à 1, 2, 3, 4, 5, 6 au Serrois, presque 7 avec euh, Perrin. Aïn, c'est parti. Décalage pour euh, Perrin devant Picard qui gicle très vite. Picard qui touche le ballon. Aïn maintenant pour Perrin l'entrée la surface. Rappel, premier poteau. Basilio impeccable. Basilio impeccable. Même si ce ballon ne semblait pas cadré. ou alors prendre la direction du poteau, il a eu la très bonne idée d'intervenir sur cette lourde frappe du numéro 10 euh, au Cervois, à angle fermé. Même ça pour euh, Hassan Diouce. Diouce pour. Euh, Guzoul, ça fait un moment hein, que Oser a, a le ballon dans le camp de Guingamp. Joli qui avance. Joli, hop là, un relais pour Camara, La frappe à terre à côté. Oh, il a réussi à mettre un petit peu dans le vent Mathis Rioux sur son jeu de corps à pivoter. Et la frappe, ne doit pas passer très loin hein, de la base du poteau d'Enzo Basilio alors qu'il se met à pleuvoir sur le Roudourou Sorti donc de mergame l'entrée à l'instant d'Amadou sanya pour... Bah déjà, pallier la blessure, évidemment, mais euh, son profil qui va pouvoir amener euh, peut-être un peu plus de verticalité au jeu de euh, Guingamp. Le changement, donc voilà, est-ce qu'il va entrer à droite, visiblement Oui, sortie de Merghem, applaudi par euh, le Roudourou Seule chose à, à espérer maintenant, c'est que ça ne soit pas trop grave, évidemment, pour Mehdi Merghem et qu'il ne rate pas un... Hein, un long moment, euh, sachant que la trêve arrive. Ben non, il n'y a même pas de trêve, en fait, pour vous, puisqu'il y a la Coupe de France euh, pendant euh, cette trêve euh, internationale. Tête de Guillaume. El Ouazani à la retombée. Lui, par contre, ne sera peut-être pas là hein, pour le match de, de Coupe de France. Euh, tête de Menza en retrait sur Léon. D'ailleurs, euh, je me posais la question du gardien pour le match à Saint-Malo. Ça sera sans doute Enzo, parce que Baba Carnias, vraisemblablement, sera avec la Mauritanie pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et Teddy Bartouche aussi, peut-être. Zo il va enchaîner Mais tu, me, tu fais bien de me le dire C'est mon métier Il ben, euh, bon, y a le temps Il y, y a presque deux semaines encore Allez Sidibé qui donne sur euh, Ben Mohamed Sur le côté et Pour qui le ballon les enfants On s'est euh, rendu les politesses entre Picard et Ben Mohamed Attention à ne pas euh, être victime de ça Sina Yoko qui fera par à terre à côté À côté Il commence à en bouffer pas mal hein. Des occasions nos amis au Serrois Ça fait 2, 3, 4 c'est toujours pas cadré, on voit leur difficultés à hein, cadrer leur leur tir et là attention quand même, hein, ça doit plus arriver pour Picard et Ben Mohamed cette tergiversation au moment de, de la passe là sur cette euh, situation Basilio pour dégager euh, le ballon 42e minute. Ce serait temps que la mi-temps arrive là, parce qu'on a un peu plus de mal à, à la terminer. Il y a eu un moment fort autour de la demi-heure. Là, c'est plutôt serre qui est à l'ascendant depuis quelques minutes. Mais ça ne nous empêche pas de faire encore quelque chose dans cette fin de première période. D'ailleurs, à la mi-temps, les amis, pas de pause ancien, parce qu'on a souvent été gênés par le, le réseau à, à la mi-temps, même si là, ça a l'air d'être très costaud. On va vous mettre un petit best-of de tous les programmes à la Guingampes depuis le, le, bah, de, le début de notre existence. Il y a des petits, des petits extraits euh, d'interviews d'anciens. Il y a François Belougou aussi qu'on a rencontré, ancien de Guingamp et d'Auxerre qu'on a rencontré euh, la semaine dernière. Voilà, quelques petits commentaires aussi sur des buts. Vous allez voir tout ça. À la pause, Sivis qui prend ce ballon de la tête. Hop ah, là, Sanya bien joué. Sanya qui élimine euh, Gautier sur un de ses premiers ballons. silibé pour euh, Luisier. Là, il pleut fort. Là, il pleut très fort euh, sur le roue Et c'est là qu'on regrette pas d'être suspendu. Hein, euh... Non, j'adore vraiment jouer sous l'eau. Bon, eh bien, pardon. Eh bien, la prochaine fois, on le saura. Et on le, on le notifiera, attention, ce ballon profondeur. Mais alors, pourquoi donc C'est mieux pour les tacles. <laughs> Bien joué, c'est le défenseur qui parle. Un jour, on aura un attaquant à nos côtés, on va voir s'il est, est d'accord. Basilio pour effectuer le, le dégagement. Évidemment, on cherche euh, Baptiste Guillaume sur le côté gauche. Il est seul, il est seul. Ah, on lui a peut-être pas parlé ou alors il a pas entendu, mais il avait l'espace pour pouvoir négocier ce ballon tout seul. Dégagement de Donovan Léon, deux minutes encore dans le temps réglementaire de cette première période. On devrait avoir allez, deux minutes. Le temps additionnel avec la blessure tout à l'heure de, de Merghem, le changement et euh, puis échauffouré euh, viré le mec correct entre euh, Civis et Aïn. Ah, Qu'est-ce qu'il a fait je J'ai pas vu. Ce que j'étais, j'avais ma vue obstruée par euh, le pupitre de la tribune de presse. En tout cas, le ballon est récupéré par les guingampés. et ça c'est euh, plutôt sympa. Civis pour effectuer euh, la remise en jeu, Gomis en retrait sur euh, Enzo Basilio. Basilio à l'angle des 6 mètres qui dégage loin devant tête de Agouzoulop là Louiser attention qui la rend dans la course de Gauthier Aïn hein, Riu qui revient défendre Aïn hein, qui récupère Aïn hein, bien joué Mathis Riu encore hein, on leur a donné deux trois munitions mais hey, dans la finition on n'a jamais euh... fait de bêtises on a toujours eu le geste juste même si là attention mène Ben Mohamed concède euh, un coup franc qui pourrait être intéressant pour les Auxerrois une sorte de corner ouvert sur euh, le côté attention il va falloir être encore concentré sur cette situation, ne rien donner, ne rien lâcher dans la surface de Basilio. Le coup franc donc. Alors qui pour le frapper Est-ce qu'ils vont nous refaire une triple feinte comme tout à l'heure Aïn et Perrin, toujours autour euh, du ballon. Qui pour le frapper Deux hommes dans le mur Guingampé. Hein. Sanya et un euh, et Picard. Il y a quatre au Cervois au niveau de la ligne des six mètres. Ah, il s'est parti, ça part bien Oh, la tête, l'arrêt Oh, l'arrêt d'Enzo Basilio, on a vu notre vie défiler Sur cette situation, la tête de Pelnard, semble-t-il, à, à, à 5 mètres du but, tête smatchée, qui a été un peu freinée. Heureusement qu'il y avait beaucoup de monde devant la surface et que Basilio était vigilant. Et froide quand même, Pierre, là-dessus. Alors qu'il y a encore, encore un arrêt de jeu hein, qui arrive, ça va peut-être nous ramener encore... Du temps euh, additionnel, le quatrième arbitre qui a le panneau euh, en main, trois, dans deux, deux minutes de temps additionnel dans cette euh, première période. On n'en a pas parlé parce que à chaque fois on le dit et, et, et on en a marre d'être, euh, de, 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 de dire à la fin, ah bah c'est encore une occasion manquée, mais en cas de victoire, on peut revenir à un point du cinquième. Donc il euh, y a une occasion intéressante, revenir aussi à deux points d'Auxerre qui est quatrième, tandis que Auxerre, si ça gagne, eh bien, euh, il serait troisième devant Saint-Étienne et à un point de Angers qui a battu euh, Valenciennes euh, samedi dernier. Alors, Pelnard qui euh, a reçu un petit coup sur les côtes. Ah, bah c'est à lui dont j'ai serré la main tout à l'heure. Je... Il m'a dit bonjour, je crois que c'était un membre du staff de. On ne va pas lui dire, hein. quelle honte. Euh, la tête du journaliste. Bon, bah c'était lui. Théo Pelnard. Qui va revenir sur le terrain. Alors, est-ce que ça va nous rajouter du temps additionnel Peut-être parce que là, vous le voyez, chers amis, on est à une minute déjà, euh, au-delà du temps euh, réglementaire de cette euh, première période. Enzo Basilio pour euh, dégager. Voilà, Pelnar qui revient sur le terrain. Long dégagement de Basilio. À la retombée, il n'y a que du blanc. Tête de euh, Aguzul. Poitrine de Perrin devant Ben Mohamed. Perrin qui efface euh, qui Sidi B. Sinayoko en retrait sur euh, Mensa. Mensa. Qui euh, relance le jeu loin devant. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Donner tête de Gomis. Balance sur le côté. Une touche pour les Auxerrois, effectuée par Gideon Mensa devant le banc euh, de Christophe Pellissier. Mensa pour euh, effectuer la touche. Je regarde monsieur Lega. Va-t-il euh, scruter son chronomètre Perrin qui essaie d'effacer Sania et louis -R. Perrin. Oula, là zerre il lui a mis un, un gros tampon là, juste sur la, la ligne médiane. Euh, faut marquer son territoire un peu. Perrin réclame un coup de coude de la part euh, de Louis Bon, non, c'est finalement un simple coup franc. On est au-delà des deux minutes de temps additionnel. Il a regardé son chrono, Pierre Lega. Que, que fait-il Il va sans doute rajouter du temps. Bah ben non, même pas. C'est la fin de cette première période. 0 à zéro entre Guingamp euh, et Auxerre. Que dire de cette première période, Pierre Ça a été relativement équilibré. Une bonne période pour Guingamp sur 5, 6, 7 minutes. Et par contre... 10 grosses dernières minutes qui étaient un peu plus à l'avantage la, Mais C'est ça, je pense que pendant 20-25 minutes, c'était équilibré. Après, on a eu une autre temps fort. Et là, ils finissent sur, sur un bon temps fort. Euh, voilà, pour l'instant, il est cadre pas et tant mieux. Euh, ce que je trouve bien quand même, c'est que dès qu'on perd le ballon, je trouve ça flagrant, c'est qu'on est tout de suite sous le ballon. Tout le monde se remet sous le ballon et c'est pour ça qu'on a l'impression des fois de, de, de hand. Mais euh, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir aller euh, faire un peu plus mal. Et, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le geste juste dans la surface, il est tellement important. Et dans les deux surfaces, exactement. Mais grosse, grosse discipline, gang, pèse quand même. Dans cette première période, un petit programme mi-temps, les amis. Et puis, on se rejoint dans 10-12 minutes ici à Roudourou pour la seconde période. par les amis. Quelle image... François, bonjour, ça fait plaisir de te revoir dans ton ancien stade. Est-ce que tu peux raconter un petit peu aux, aux supporters ce que tu fais maintenant au, au club Oui, bah déjà bonjour à tous. Euh, C'est aussi un plaisir pour moi de, de revenir là. Euh, donc actuellement au club, je m'occupe d'une catégorie de jeunes en fait. Hein, donc je suis, je suis coach du U14. Et parallèlement aussi, j'avais fait un parcours parallèlement à ma carrière euh, sur le plan administratif. Donc j'ai aussi des fonctions là-dedans euh, au niveau du club. Voilà. Ça fait combien de temps exactement que tu es revenu euh, ça fait deux ans. Et comment ça se passe maintenant Quel est ton quotidien euh, C'est pas tout à fait les mêmes installations qu'à ton époque de joueur Non, ça a bien évolué et positivement, très positivement. Voilà, il y a vraiment des installations qui sont, qui sont magnifiques. Euh, voilà, J'ai un, un peu bougé suite à mon passage ici. J'ai fait en tout cinq clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et honnêtement, euh, voilà, Guingamp a, a vraiment des très, très belles installations. Donc, ça, c'est. Ça c'est un actif et quelque chose sur lequel le, le club peut construire maintenant. Qu'est-ce qu qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé, quand tu as découvert ces installations-là justement Au niveau du rodourou donc j'étais revenu, donc j'ai pas, pas spécialement eu de surprise. Mais par contre, au niveau de, ouais, de, de l'académie ou du pro -parc, évidemment, c'est c'est bah, surprenant. C'est surprenant parce que parce que quand on part d'un endroit, on s'attend à le comment dire On a on a en tête ce qu'on a connu. Et bon, c'est vrai que c'est c'est sans commune mesure. Quoi. Là sur ton passé de joueur, si tu vois une image, un moment là que tu, que tu que t aimerais revivre ou qui, qui te marque, ça serait lequel Bah j'ai fait cinq saisons, donc il y, y a eu beaucoup de choses. Des... Pas n'importe lesquelles en plus. Non non, et puis des bonnes choses, des moins bonnes, mais euh, des moments marquants, voilà, des moments marquants. Euh, pff, je sais pas en sortir un particulièrement maintenant. Euh... Les premiers matchs, forcément, parce que pour moi, c'était l'aboutissement de... Pas l'aboutissement, parce que c'était le début, mais les premiers matchs en professionnel, forcément, c'est forcément des moments marquants. Et cet accent perdu depuis les premières interviews à GTV, donc Les, les recruteurs du club sont venus me voir à plusieurs reprises, le coach m'a appelé plusieurs fois, et, et en fin de saison, ça s'est concrétisé assez rapidement, du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Sur les, sur les premières interviews que tu avais, avais pu me faire, j'avais encore l'accent du Sud, mais... Le temps, le, temps, le temps a passé. Ça fait maintenant longtemps que je suis parti de, de chez moi, donc euh, l'accent je l'ai un peu perdu. Ouais. Le gardien Canet, deuxième corner pour les Guingampais. C'est peut-être le moment de faire basculer le match de son côté à l'entame de ce dernier quart d'heure. Cette fois c'est Mandria, des deux points qui repousse le danger. Sanya qui récupère, Sanya qui tente sa chance contre elle. Et un but Amadou Sagna, la 77ème Et avec de la réussite, parce qu'elle est contrée, la frappe de Sagna, elle est déviée par un cadet. Elle prend contre-pied le gardien Tony Mandrea. Et les Guingampés qui ouvrent le score sur la pelouse de Caen à moins d'un quart d'heure maintenant de la fin du temps réglementaire. Sagna inscrit son troisième but de la saison. Guingamp met un 0 à Caen. Pour moi, et euh, je l'ai répété maintes fois sur diverses euh, interviews, des joueurs de Ligue 1 par an, par contre, ne peuvent pas jouer en Ligue 2. Ce n'est pas mmh. possible. Des joueurs de Ligue 2 euh, vont pouvoir jouer en Ligue 1, il n'y aura pas de souci. Mais cet amalgame, il y avait pour moi trop de joueurs de qualité de Ligue 1 pour jouer en Ligue 2 qui n'acceptaient pas les duels, qui n'acceptaient pas les coups, parce que la Ligue 2 à l'époque... C'était quand même très rugueux. Et certains joueurs de Ligue 1 n'aiment pas prendre des coups, n'aiment pas. Donc, moi, je l'expliquais comme ça. Si tu veux faire une montée, si tu veux faire une épopée, tu dois avoir, oui, certes, quelques bons joueurs de Ligue 1, peut-être 3 ou 4 dans ton effectif, mais la majorité, il te faut quand même des toliers de Ligue 2 et des jeunes à venir. Parce que les jeunes vont avoir faim, ils vont être à l'écoute, c'est une osmose d'équipe qui fait que. Moi, je te parle d'expérience de 17 ans. 17 ans pro, 17 ans de Ligue 2. Donc, j'ai toujours été le joueur qui, qui a fait sa carrière en Ligue 2. Chaque fois que je suis allé dans des clubs où il y avait trop de joueurs de Ligue 1 qui descendaient en Ligue 2, c'était compliqué. Mmh. Donc. Et après, bien sûr, les égaux des uns et des autres, euh, les salaires de différence entre les uns et les autres. À un moment donné, quand tu vis dans un groupe, euh, c'est aussi comme ça. Donc, euh, il faut accepter. Et il y a des moments... Euh, ben malheureusement, euh, soit tu rentres dans le moule et tu fédères de la même façon, euh, soit ça devient compliqué. Et je pense que sur Guingamp, euh, voilà, c'est comme tu le dis, RAL de de la Ligue 2, euh, des situations euh, plus que compliquées. puis puis aussi, euh, se mettre dans l'environnement. Quand tu viens d'un autre club, que tu découvres Guingamp, que tu, découvres, Guingamp, que tu découvres. Voilà, la majorité ah. des joueurs, euh, voilà, c'était un petit peu compliqué. Ils ont eu du mal à, ouais. à euh, bah, ça, se mettre dans le moule, quoi, tout simplement. Donc, mm. euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, tout de suite rencontré beaucoup de personnes sur Guingamp, euh, essayer de, de fédérer autour de ça, de, de l'histoire du club, de, donc tout ça. Donc, mm. euh, voilà. Donc, euh, c'est ce qui a fait euh, mes deux années de passage à Guingamp. Euh, euh, bah, un souvenir aujourd'hui qui, qui reste encore, euh, qui reste en moi. Qu'est-ce qu'on fait là Mais qu'est-ce qu'on fait là au Roazon Park, dans la tribune de presse de Rennes que notre Jeannot Récigué national qui s'égosille Eh bien il y a des raisons très simples à la présence de la ce soir, les amis. Quelle image ont les rennais de Ludovic Blas Est-ce que pour eux il est Guingampé, Nantais, Rennes Voici la réponse. Ah, il est breton, mais rouge et noir maintenant. Breton, rouge et noir, c'est Guingamp donc Non, 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 un petit peu plus sur la, la capitale bretonne, hein Rennais Mais bon, c'est un super beau joueur, hein. il a marqué déjà deux ou trois mues, euh, c'est super. Ouais. Remorant, euh, bon dribbleur, euh, voilà, très joueur, très collectif, on le ressent. C'est l'un des seuls joueurs qui, qui mouille le maillot et qui est, qui, est, qui est agréable à voir sur le terrain. C'est un bon recrutement pour le stade Rennais, c'est une bonne pioche. Comment tu vis ces premières semaines euh, Rennaises bah bien, franchement on bah, m'a bien intégré, euh, bien accueilli et, euh, et franchement ça se passe bien. Après la, la région je connaissais déjà un petit peu. Sportivement en vrai on, pour l'instant on est content. Après bon c'est toujours bizarre d'accueillir des joueurs qui sont dans des clubs rivaux parce qu'en soi la rivalité guingampaise et, euh, et nantaise elle, euh, elle est particulière et c'est bizarre d'accueillir des joueurs comme ça. Alors la question que tout le monde se pose, Ludovic Blas, est-ce qu'il est, qu est guingampais, nantais ou rennais bah maintenant il est rennais. <laughs> il, il est plus étiqueté, quoi que ce soit. Ah si quand même, parce que son club formateur c'est quand, euh, quand même guingamp. Et qu'on quoi. Bon bah ça, on ne comment... On n'oublie pas ses origines tout de même. On m'a dit c'est une carrière, hein. je, je ne pouvais pas savoir que j'allais rester dans, dans, dans la région, mais, euh, mais je progresse petit à petit. Et, euh, et franchement, je, je, je suis fier de, de ce que je suis en train de faire. Euh, je pense que... Quand, quand j'étais au centre de formation à, à Guingamp, je ne m'imaginais pas à, à, à ce niveau-là, donc, euh, donc je savoure. Ça vous gêne ou pas du tout Non, pas du tout. Bah, et tant que ça reste euh, Rennes ou Guingamp, on aime bien, hein. même s'ils nous ont battus deux fois. En vrai, en vrai de vrai, pour moi, c'est un Guingampais parce que... Je me rappelle d'écouter dans la voiture France Bleu Armorique et d'entendre les commentaires dire euh, le, un jeune petit Blas euh, qui, qui, qui met la misère à la défense Rennaise. Euh, y a, ça, euh, peut-être maintenant euh, 5, 6, 7 ans. Je crois que c'était ça. Hein. Et, euh, moi, j'ai ce souvenir là. C'est les premières fois que j'ai entendu parler de Blas. C'était à la radio sur France Bleu Armorique. Justement, quels sont tes liens encore avec En Avant Est-ce que tu regardes toujours les matchs, euh, par exemple Il bah, y a un peu moins de, de, de joueurs que je connais. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que. Quand, quand j'ai l'occasion, je regarde parce que ça, ça me tient à coeur aussi de, 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 de regarder, et de les, de les voir évoluer en espérant les, les, les voir monter un jour pour, pour pouvoir y retourner. Parce que bah, je viens de là-bas, j'ai fait, fait 7 ans et demi, 8 ans de, de, de ma vie là-bas, donc, euh, donc je dois beaucoup de choses à, à ce club. Attention à Jean qui donne le ballon sur Dolorier Chaubet, pas de faute, et eh bien il a fait la faute, et voilà! Ce que l'on voulait éviter, un coup franc juste à côté de la surface de réparation. On a perdu un duel, deux duels. Et c'est là, c'est exactement dans ce moment-là que l'on va voir si on peut faire quelque chose de cette saison, parce que les équipes qui jouent le tableau elles ne prennent pas de but dans ces matchs-là. Et nous, on en a pris dans, ces, dans ce début de saison, dans ces moments-là, à cet endroit-là. C'est un moment déterminant. C'est un moment déterminant, on va savoir les amis. Laurier Chaubet, 94 e minute, pied gauche, c'est parti, but. Et voilà, Lucarne, Lucarne, on voulait savoir, on sait. Et ça fait de partout. Euh, moi j'ai une petite question un petit peu personnelle, parce qu'on a lancé les visites du stade euh, il y a un an maintenant, un petit, peu, un petit peu plus. Et en fait à chaque fois qu'on arrivait dans le vestiaire, euh, il y avait un trou dans le mur. <laughs> euh, et j'ai su au bout d'un an, c'est euh, la personne chargée de la maintenance du stade, il, parce qu'ils ont rebouché le trou il y a quelques semaines, et ils m'ont dit que c'est Mathias Faiton qui a fait ce trou. Est-ce que tu confirmes <laughs> Je veux la vérité. Je veux la vérité. Tu vois, Pierre, le problème à Guingamp, c'est ça. Il y a un truc, c'est Mathias Faiton. <laughs> eh, je, je, eh, si je pourrais durer Et si tu veux, que c'est pas moi qui ai fait ce trou. Je pourrais durer ce ah, si bah, que tu C'est pas moi okay. qui ai fait Franchement, je ne sais même plus comment, comment il a été fait. Après moi, il y en avait deux en plus. Je crois qu'il y en avait deux. Mais euh, ça, c'est sûr et certain que c'est pas moi qui ai fait ce coup. Ça, c'est sûr. La mi-temps, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Regardez, voilà, ça y est, on revient. Pierre lemonnier avec son sandwich. Il découvre les sandwichs de la tribune de presse, les amis. Les, les fameux. Euh, des petits programmes, les amis. Euh, pendant la pause, euh, vous en avez vu. On va vous lancer aussi la petite interview qu'on a faite tout à l'heure à la boutique euh, EAG de, par rapport au calonne Yves Olivreau, le président, nous parlait de cette opération sur les, les trois jours, euh, samedi, dimanche, lundi pour euh, bien devenir nouveau calonne on l'a rencontré cet après midi voici son interview président Livro, euh, troisième jour de euh, alors j'allais dire renouvellement non c'est pas tout à fait renouvellement de nouvelles adhésions calonne euh, quel est le bilan aujourd'hui on est super content du bilan. En fait, initialement, on visait 400, 500 personnes. Euh, Aujourd'hui, on en a 850 à l'heure où on se parle. Euh, évidemment, il y a la barre symbolique des 1000. On adorerait pouvoir la dépasser. Ça serait formidable. Ça donnerait des ressources énormes à l'association et ça nous permettrait de gagner de nouveaux canons sur le long terme. Donc, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va essayer ce soir, lors du match contre Auxerre, de faire le maximum. Justement, ce soir, vous serez où exactement pour les supporters qui voudraient avoir eux aussi leur plaque Alors, il y a trois points. Le premier point, c'est euh, la voie ferrée. Donc on aura un espace là-bas de possibilités pour les gens qui veulent payer en chèque, en espèces ou en carte bleue de venir sur place. Le deuxième, ce sera dans le fan truck qui se trouve dans l'allée principale. Et le troisième, il sera virtuel en fait. C'est-à-dire que les gens pourront continuer de connecter, se connecter sur www.calonne.bzh pour cotiser. Et on distribuera des flyers. Il y aura aussi quelques affichettes dans le stade pour communiquer sur cette opération. Et la suite pour ceux qui ont pris leur, leur adhésion Calonne aujourd'hui, quelle est la suite pour eux Quand est-ce qu'on recevra les plaques Comment ça se passe Alors, j'ai appelé le fournisseur tout à l'heure, qui est un fournisseur de Guingamp, hein, qui fait tout lui-même, fabrique les plaques lui-même et bon, il les imprime. Euh, il m'a juré, vraiment, ses grands yeux, et je, je le crois totalement, que ça serait prêt avant Noël, donc qu'on puisse avoir le temps, nous, de les mettre à la poste. Donc, euh, on devrait pouvoir les envoyer pour ceux qui font des cadeaux, notamment avant la date fatidique du 24 décembre. Hop là, pile poil, pile poil, et ils m'ont eu, ils m'ont eu, ils m'ont eu euh, sur, le, sur le chrono. Tac, tac. Bon, on a on a combien de retard 10 secondes. Il faut que je rattrape les 10 secondes de retard, les amis. Start time. Alors, je vais faire comme ça. Je vais démarrer à 30. J'espère démarrer à 30. Alors que là, il y a une faute euh, sur le côté. Un carton jaune pour Donatien Gomis. Alors, attendez. Tac. 30. à 33. Allez, 35. Ça allait super vite, hein, le début de la, de la seconde période. Alors, je vais voir si ça part bien. 42, 43, 44, 45. Il va y avoir un bon coup franc hein, pour euh, Oser. Oh là non, ça m'a. c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, écoutez, je vais devoir, euh, Attendez, je vais mettre pause parce que là, on est à 46, 26. Regardez, le chrono, il est là. Le lagin Grand il est là. La pub pour le quiz il est là. Il va falloir que je sois vigilant. À 46-26 pour le redémarrer pile au bon moment. Pierre Lemonnier arrive. Hein. Non, non, mais prends ton temps. Prends ton temps avec le sandwich de la, de la tribune. J'étais au téléphone avec michel Elisa Razou. quelques conseils. Donc euh, voilà. Muscle ton jeu. Ouais, je serais mieux en deuxième. Allez, c'est parti. Euh, le coup franc. Bon, essayez pas de le tirer pile à 46-26, les amis. Hein, hein c'est parti pour le coup franc. Ça traîne. En plein dans la surface. La frappe de ça au-dessus. Frappe de Mensa au-dessus. Évidemment, ils ont frappé pile à 46-30. Ça y est, on est, on est pile poil réglé, hein, les amis, sur, euh, pour ce début de, de seconde période. 0-0, pas de changement. On rappelle le 11 de, de Guingamp pour euh, cette euh, rencontre. Voilà, regardez. Taylor, nouveau mot. Salut, camarade. Euh, le 11 de Guingamp pour démarrer cette euh, seconde période. On a donc Basilio euh, dans le but, une défense à 4. Ben Mohamed, Ryu. Gomis qui a été averti, il faut que je le note ça. Euh, et Sivis, au milieu de terrain, Louis et devant la défense. Sania à gauche qui a remplacé Merghem blessé en, en première période. Et puis euh, Picard à droite et le duo Guillaume El Wazani devant. Carton jaune pour Gomis, son quatrième hein, déjà de la saison, mais il a déjà été averti, euh, il a déjà été suspendu hein, pour accumulation de carton rouge. C'était contre QRM lors du dernier match à domicile. Le coup franc pour euh, l'équipe d'Auxerre. On vous rappelle, chers amis, sur Alain euh, que qu'on sera avec vous euh, en direct jusqu'à la fin de soirée. Moi, je pense que je vais dormir là, en haut. C'est Gaëtan qui sera en zone mixte euh, tout à l'heure pour les réactions des uns et des autres on espère des réactions joyeuses du côté de, de Guingamp on ne coupera pas hein, le, le direct on se donnera rendez-vous tout à l'heure donc pour les réactions des uns et des autres euh, aussi pour ceux qui sont présents au stade et qui adorent écouter ça dans leur voiture Picard pour le coup franc allez ça serait bien de leur faire mal dans cette rencontre de marquer d'avoir de l'efficacité sur cette euh, phase de jeu et la faute dans la surface elle est signalée Contre Kalidou Sidibé, il y a eu un gros gros duel avec euh, Saad Agouzoul, alors que la pluie n'est pas réapparue. Voilà, elle a cessé durant la mi-temps. On rappelle, hein, 7500 spectateurs environ, sans 100, euh, 100, euh, le, le, le nombre, sans hein, Osérois euh, et des conditions ouais, 8-9 degrés et y a même plus la même plus la couverture. Pierre Lemoine, voilà, c'est vous dire que on s'attendait à pire dans cette euh, soirée quand même assez humide. Dégagement à venir. Denzo Basilio dans quelques secondes. Civis qui se relève. Basilio qui euh, dispute son 113e match sous le maillot de Guingamp. Euh, et qui a réalisé autant de clichés euh, cette saison que sur toute l'année euh, 21-22 Il y a deux saisons où il y avait eu très peu de clichés pour Guingamp, c'était mieux euh, l'année dernière, il y en a eu 11 quand même pour euh, Enzo euh, Basilio, le dernier rempart, Guingamp et Ballon euh, pour euh, Owuzu avec euh, maintenant Pelnar. Tiens donc, je profite de ce temps légèrement fait pour vous poser la question du soir, les amis. Allez-y sur Facebook, sur YouTube. Pierre Le Monnier, on va voir s'il y a de la culture footballistique dans l'air. Je pense que tu en es parfaitement capable. Suspense, parce que ça n'y de, de déborder. On parle donc de l'histoire des Guingamp-Auxerre. Euh, dans l'histoire, le meilleur buteur de Guingamp contre Auxerre, c'est un certain Stéphane Carnot, avec euh, trois buts seulement. Mais le meilleur buteur d'Auxerre contre Guingamp a été l'auteur de six buts contre en avant. Qui est-il Qui est le meilleur buteur d'Auxerre dans l'histoire des confrontations contre Guingamp. Allez-y sur Facebook, allez-y sur YouTube. El-Wazani, bien servi par Picard. El-Wazani qui va écarter sur Amadou Sanya. Sanya qui peut travailler tout seul peut-être, ou s'appuyer sur Sili Voilà, passe en retrait pour Louisa! Poto! C'est pas fini! Picard, enfonce l'emmener, petit ballon! C'est un but contre son camp, mais c'est pas grave! Guingamp qui a fait mal! Guingamp qui a été efficace, but contre son camp! De Théo Pendard! Après cette frappe de l'Ulvisère sur le poteau, c'est revenu sur Picard qui a dribblé le dernier défenseur centre-fort. Il y avait Guillaume, il y avait Loisani, Et il y avait surtout Pena qui, face à son but, a mis ce ballon dans ses propres filets. 1-0 pour Guingamp face à Auxerre. Et ça fait du bien, monsieur Le Monnier. On bien, on respire. Mais on, res on respire, c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. On va attendre jusqu'au bout. Mais c'est bien un bon travail Hugo Picard. Une bonne approche, la super frappe de Air, un hein, rat de terre, poteau intérieur, allié. C'est pas été poteau rentrant, poteau intérieur. Allez le le speaker qui euh, qui donne le but à Hugo Picard. Bon, c'est clairement un C.S.C. mais c'est pas grave. On célèbre on célèbre le passeur là-dessus. Ce qui est dommage dans les buts contre son camp, c'est que les passes des, elles sont pas comptées. J'aurais dû le saluer. Euh, enfin, j'aurais dû savoir qui c'était et Openda. Maintenant, je vais le savoir quand euh, il va me serrer la main. Hein. C.S.C. Pour le défenseur, euh, l'ancien de, de VA de Bordeaux, notamment, c'est son premier CSC en carrière. Hein. Si euh, ma mémoire et mes étiquettes ne me font pas défaut. Tiens donc, qui, qui donc m'envoie un message euh, Youssouf Mchangama Bah oui, voilà. Euh, je pense qu'il doit regarder le match. Euh, alors, est-ce qu'il regarde à la guingampèze je vais... on, va lui faire, on va lui faire une vidéo. Euh... Voilà, il regarde. Alors, on va, faire une... on va lui faire une vidéo. Donc vous avez joué ensemble, oui, la première saison, euh, évidemment. Alors, euh, Youssouf Mchangama, merci. Mais nous, on est sur YouTube. Hein, on commente là, avec Monsieur Pierre Le et on aimerait que tu nous regardes sur YouTube à la guingampèse. C'est marqué là. Comme ça, tu regardes le match et tu nous écoutes. Beaucoup. Hein. Tu nous regardes et que tu nous écoutes. Ouais, voilà, ça nous ferait grandement plaisir. Merci, camarade. 1-0, 1-0 pour euh, Guingamp, les amis. Au cerf qui euh, va regretter. Si le scénario reste là, hein, c'est ces occasions et maintenant, il faut montrer qu'on a appris hein, de, des derniers scénarios hein, à, à domicile euh, parce que euh, on le dit une fois. De toute façon, vous êtes au courant. Il y a eu Grenoble, il y a eu QRM, il y en a eu d'autres. On veut le voir le moins souvent possible, euh, évidemment dans cette euh, dans cette saison et surtout aujourd'hui, surtout aujourd'hui par rapport euh, à l'incidence au classement. On fera tous les calculs à la fin, les amis, quand on aura le, le score final au cerf. Pour euh, remettre le ballon dans la surface de Guingamp. Intervention Donatien Gomis, loin devant ce ballon qui va sortir des limites du terrain avec euh, une touche. Paul Joly, c'est contré par Ayman Ben Mohamed. En tout cas, ce qu'il faut ce soir, c'est euh, garder. Euh, tout ce qu'on a vu de bien défensivement bon, en première période, parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe au serroise. Mais Gingot était bien positionné, a, a bien défendu. Il faut continuer. Peut-être là encore, frappe de Heine qui passe à côté. Qui passe à côté. On ne sait pas trop s'il a voulu centrer ou, ou frapper. Toujours est-il que ce ballon termine euh, à côté du but d'Enzo Basilio. 54e minute de jeu. But de Pelnar, on rappelle, contre son camp, je n'ai même pas eu la lucidité d'esprit de noter la minute du but. Ça doit être la 50 euh, pour euh, cette euh, réalisation. On va avoir l'affluence aussi, je pense, dans, dans quelques instants. Euh, 51e. Euh, ah, on me... il y a marqué Paul Jolie, CSC. Je ne crois pas. Hein. C'est Pelnard qu'on a vu. C'est euh... lui. Ouais, vu la réaction de, de Pelnard, je pense que c'est lui. Bon, en tout cas, écoutez, moi, je vais noter 51e. Voilà, on va faire comme ça. Euh, <laughs> la touche pour Auxerre euh, avec. Euh, Paul Joly pour l'effectuer justement sur euh, le côté droit. Joly qui euh, cherche euh, un appui. Le voilà avec Camara qui a eu une belle occasion aussi tout à l'heure en, en première période. Ouais, L'intervention de Khalid ou qui vient se jeter dans les pieds au Ah papa La relance de Luiser qui n'est pas soignée. Mais ça on est loin, on est loin. On rebascule dans le camp serroir avec Pelnar. Pelnar pour Mensa. L'intervention de Picard. Allez Hugo, bien joué qui arrive à se l'emmener, Picard, il a y a mieux à faire peut-être, où ouais, est qui a vu le départ de son copain civis sur le couloir droit mais malheureusement c'est passé trop profonde et Donovan Léon a parfaitement anticipé, Léon pour euh, Agouzoul, dans la surface, Agouzoul maintenant euh, pour euh, et Owouzou devant euh, sanya on regarde les remplaçants Guingampé, de loin, euh, je vois Manso, Courtet Siwi, Iglesias, Roux qui se prépare. Gauthier qui écarte sur le côté, sur euh, Gaëtan Perrin, un contre 1 avec Sivis, Perrin qui repique intérieur. Attention, les enfants, pas de faute. Aïn qui s'en emmène pied gauche. Aïn qui va décaler Mensa dans la surface. Centre de Mensa entre deux. Ça s'est bien refermé en tout, encore entre Gomis et Picard. Les Gomis qui va les chatouiller les euh, chevilles de Mensa et qui redonne en retrait sur doucet Le pied de Picard et la touche, elle sera quoi? Elle sera quoi? Elle sera rouge bien joué le duo El Oazani Picard qui euh, a permis à Guingamp de récupérer le ballon. Mensa qui se chamaille un peu. Avec euh, Amin El wazani ce sera une touche toujours pour Guingamp au même endroit et on attend. Voilà, évidemment, là euh, on parlait de vice après euh, certains matchs. Euh, voilà, gagner du temps, demander un deuxième, voire un troisième ballon sur les touches. On va, on a suffisamment subi ce genre de scénario ces dernières saisons pour le faire aussi quand ça nous arrive. Tête de Guillaume, malheureusement, en touche sur cette euh, situation un petit peu timide aujourd'hui Baptiste Guillaume, en tout cas on n'arrive pas pour l'instant à, à s'en servir comme on est capable de le faire euh, parfois mais euh, on sait qu'il n'a pas besoin de beaucoup de situations hein, pour pouvoir nous, nous marquer, pourquoi pas le deuxième but, hein. là ça va être évidemment le, le, le mot d'ordre hein, pour Guingamp euh, piquer, faire mal à, à cette équipe, si on n'a pas le ballon c'est pas trop grave, ce qu'il faut c'est garder cette intensité défensive et puis continuer de, de s'appuyer sur euh, la vista de Picard la vitesse de Sanya pour euh, Créer des, des opportunités euh, en transition, notamment. Ducey avec Mensa sur le côté gauche. Mensa pour euh, Pelnard. Pelnard qui cherche un appui euh, autour de lui. Le voilà. Avec euh, Elisha Ouzou. Ouzou qui euh, relance à gauche sur euh, Mensa. Mensa pour Pelnard encore. La possession, elle va bien, surtout avec le scénario maintenant, elle va bien tanguer en faveur d'Ossé. Sans doute. Dans cette seconde période, on va jeter un petit coup d'œil sur les statistiques à la 57e minute. Euh, Guingamp qui a réussi l'exploit de marquer sans cadrer le moindre tir dans cette rencontre. Par contre, le, la fin de première période a, été, euh, a, a marqué un, un écart en termes de tirs. Maintenant, il y a 11 tirs à 6 pour Auxerre. Euh, Attention, camarades, qui n'arrive pas à se l'emmener. Trois tirs cadrés euh, pour les Auxerrois. Au niveau euh, dans les défenses, dans les chiffres défensifs, il compte les plaquages. Je... Oui, plaquage. Je... En plus, il y en a eu beaucoup, neuf bah, et 9 oui. Ouais, je ne sais pas si c'est Google Trad qui n'a pas fait son travail, mais on a donc des plaquages disponibles maintenant sur euh, les stades de la Ligue. Peut-être qu'ils ont trop regardé la Coupe du Monde de rugby. Hein la tête de Gomis en retrait sur Basilio. Possession de balle. tout à l'heure c'était 50-50, là c'est du 57-43 pour Auxerre. Par contre, duel gagné, comme souvent. Hein Guingamp qui est devant. 56% de duels gagnés, 59% même de duels aériens gagnés. Là-dessus, Guingamp est, est quand même l'une des meilleures équipes du, du championnat. Allez, Baptiste Guillaume, qui arrive à ressortir ce ballon sur Sidi B. maintenant. Louisère pour Ben Mohamed maintenant. Couloir gauche, long ballon de Ben Mohamed. Est-ce que ça va pouvoir être joué et jouable pour Sania Non, parce que Donovan Léon est eh bien sorti. On ne peut pas le louper. Hein. Donovan Léon, je pense qu'on peut le voir de la place du centre avec son maillot au fluo. Vous disiez, Pierre Lemonnier il, il sort tard. Ouais, il est sorti un peu tard, mais malheureusement, pas trop mal pour pouvoir nous empêcher d'avoir cette opportunité. Paul Joly sur le côté long, ballon pour Mensa à la retombée. Mensa devant le duo Civis picard Allez, bien joué encore la prise à deux. Sivis qui conserve, qui va devoir ressortir de cet endroit compliqué du terrain. Oh, et Mensa qui l'a accroché un petit peu. Récupération quand même au Serroises avec Perrin. Oh, le double contact pour éliminer Sivis Récupération Mensa avec Gauthier. Maintenant sur son pied gauche. On est loin, loin, loin du but. Maintenant Denzo Basilio, Théo Pelnar pour maintenant Agouzoul dans le rond central à Agouzoul. Pour Pelnar encore sur le côté gauche. Pelnar à ras de terre pour Perrin. Mensa maintenant devant Picard. Mensa encore en retrait sur Pelnar. Agouzoul qui est en Retrait devant euh, Amin El wazani euh, maintenant sur le côté droit, la, sur la ligne médiane. Euh, Ducey qui donne sur Aïn. Aïn, Ducey. Ducey pour euh, Jolie et qui est, est contré par euh, Ayman Ben Mohamed. Ce sera une touche pour Auxerre effectuée par euh, Aïn avec maintenant. Au Wouzou, joli en retrait sur euh, Agouzoul qui euh, redonne sur Pelnar. Je n'ai l'impression que de lire que des noms d'Auxerrois dans cette euh, seconde période. Pelnar devant Picard où il pousse le ballon un peu loin. Loisani qui vient bien défendre. Récupération quand même de Dioucet qui pique son ballon sur la droite pour euh, Gauthier Aïn devant Ben Mohamed. Gauthier Aïn qui entre dans la surface. Le passement de jambes, devant le but. Gomis, impeccable. Gomis pour enlever le ballon, Sanya qui met le ballon devant on a un petit peu plus de mal à, à la ressortir là depuis euh, quelques minutes euh, Ouzou qui essaye d'échapper à, à Sidibé, ballon pour Joli le centre qui est pas extraordinaire qui va sortir, il est sorti non il est pas sorti des limites du terrain il reste là au poteau de corner opposé Sivis encore qui défend bien et qui euh, euh, concède la touche euh, effectué vite avec Sinayoko attention entre euh, deux et il est passé Sinayoko devant Luizère maintenant Sinayoko bien joué, quelle défense encore de guingampé sur le côté gauche devant Picard, ballon maintenant pour Perrin, centre enveloppé, tête de Khalidou Sidibé en tour de contrôle devant la défense, tête de Sania maintenant, intervention de Dioucet en retrait sur euh, Agusoul. on n'en touche plus une les amis, depuis euh, 4-5 minutes, euh, Pelna, mais ce n'est pas pour autant qu'on au sert secret d'occasion hein, euh, dans cette rencontre, double tête, Riyou Sidibé, allez El Ouazani qui protège, qui met la tête aussi devant Pelnard et le ballon est gagné par Oser, Luisier qui met le pied. Il y a peut-être une faute, en tout cas Oser avance avec Mensa sur le côté, le centre. Il est haut, oh, il est long, il est long, il est long. Ben Mohamed à la récupération devant Gautiane, Bien joué Ben Mohamed, il passe devant. Allez, faut obtenir quelque chose. Sanya oui, qui s'emmène le ballon dans le couloir. Est-ce qu'il va pouvoir la récupérer dans un second temps Non. Bonne couverture Dagouzoul avec Paul Joly tant fort au Serrois, dans la foulée de l'ouverture du score de Guingamp. Paul Joly maintenant qui renverse à l'opposé. C'est dans le dos. Demain ça, ça nous donne l'opportunité de, de coulisser de la gauche vers la droite. Perrin maintenant, devant El Oisani et Louisère, c'est contré par Louisère, puis par l'arbitre. Euh, normalement, euh, comme aurait pu le dire un autre, c'est nous qu'on devrait l'avoir là-dessus. Hein. Euh, parce qu'il n'y avait que du rouge derrière le ballon. Donc que vont faire les Auxerrois Nous la rendre Ou... Ou bien. Ah Il la redonne à Auxerre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Euh, bon, euh, ballon pour. Euh, on espère qu'on va pas se prendre un pion là-dessus. Hein, joli euh, pour euh, Sina Yoko devant Ryu. ouais, il le fait reculer. Allez, Sibé qui récupère. Pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises dans cette zone du terrain. C'est bien joué. Ben Mohamed qui s'emmène le ballon, qui le freine à côté de la ligne de touche et qui récupère une touche. On suffoque, on ne respire plus. On reste dans notre surface, mais on reste solide. Et il faudrait avoir ben voilà, un peu plus de temps avec le ballon, pas trop s'exposer et surtout avoir des opportunités hein, pour marquer le, le deuxième but, se mettre à l'abri euh, ben d'un retour, d'une poussée aux serroises en fin de, en fin de partie. Hop là, Louisière qui dégage loin devant ce ballon, enfin loin devant, non, loin dans la tribune, parce que le ballon il reste euh, aux abords de la surface de Guingamp avec cette touche. De joli Sina Yoko qui n'a pas le contre favorable devant Sidi Long dégagement de Kalidou Sidi Ça atterrit vers le banc de Stéphane Dumont. On va voir s'il y a des réactions après ce but de Guingampé sur euh, Facebook. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez Pierre Lemoni à côté. Posez-lui les, toutes les questions euh, que, vous, que vous voulez. Euh, la tête de Gomis louis Allez, ça, c'est une bonne passe pour euh, Picard. Ah, dommage qu'il n'ait pas vu euh, à, à l'opposé, qu'il y avait trois solutions sur le côté gauche. Il obtient là, il obtient le coup franc. alors, qu'ai-je comme j'ai picard va surgeler les auxerrois. je pense qu'on lui a fait 150 fois dans sa carrière. donnassin qui me dit, Pelnar c'est assez confirmé. tac, tac, qu'est-ce que j'ai encore? qu'est-ce que j'ai encore? ah, est-ce que j'ai eu des réponses à la question, les amis? il y a eu le but après. donc... Donc, euh, forcément, on est peut-être passé un peu à autre chose, mais je vais la rappeler après ce coup franc. Bon, non, il y a un au au sol. Les amis, j'ai déjà vu deux, trois petites euh, propositions. Qui est le meilleur buteur au serrois dans l'histoire contre Guingamp Je pense que Pierre Lemonnier euh, a une idée. Si, si tu as une idée, as, je vais te donner un petit papier et un petit crayon. Tac. Voilà, mon crayon magique. On va voir on va voir alors j'ai une question euh, intéressante. je l'ai posée tout à l'heure à, à pierre picard. attention, le coup France second poteau. léon, qui intervient devant euh, gomis et Sidi b. Euh, pierre lemonnier. quel est le joueur? c'est joe qui nous pose la question. quel est le joueur le plus fort avec lequel tu as joué? le plus fort avec lequel j'ai joué à... Ouh, ouh, ouh. après la question, c'est quel joueur le plus fort contre lequel tu as joué? Okay. Euh... Je pense à villa à l'époque quand j'étais à Rennes, il y a eu mais bon il y a eu Ousmane Dembélé donc euh... mais à l'époque il n'était pas ce qu'il est encore donc je dirais euh... je dirais M -Villa parce qu'il était à son prime en plus et le joueur le plus fort contre est-ce que c'était le fameux Le Mans PSG euh, en Coupe de la Ligue alors euh, j'ai joué Mbappé mais c'est pas Mbappé c'est euh... euh... attends je du PSG, mais, mais je joue en réserve. À... Attends, attends, attends. Tu euh, as, as 20 minutes. Augustin. Ah, Augustin. C'est celui, en tout cas, qui m'a le plus emmerdé. Eh bien voilà. Bah, il n'a il a, il a, il a pas très bien fini. Hein. Je ne sais pas s'il a un club encore, mais il, a, il, est, il est resté euh, un moment sans, sans jouer. Très bien, Jean-Kevin Augustin. Mais alors, c'était lors de seulement PSG ou non C'était en réserve. à Grandville. Et on jouait la réserve du PSG à l'époque. Ok. Oh, le fameux. Attends, c'est Louis Dior avec ses courants d'air. Oh, c'est le jour, le... je crois, le jour j'ai eu le plus froid de ma vie. C'était un Grandville-Bordeaux quand euh, Grandville avec Dunyama euh, bat le Bordeaux de Gourvenec. Oh là là Et en plus, prolongation et tout. Enfin, la totale. Oui. Ce appelle un bon pied, ouais. Voilà, exactement. Exactement. 65 minutes, les amis. 1-0 pour Guingamp face à Auxerre. On rappelle le but contre son camp de Pelnar à la 51e minute de jeu. Bonne réponse au quiz, hein, cher Pierre Lemonnier. C'est bien lui, le meilleur buteur d'Auxerre. Euh, contre Guingamp, Perrin, hop là, le ballon n'arrive pas. Sivis qui récupère Picard pour euh, Louis-Zerre. Louis il y a des solutions un peu partout. Ah, C'était vers Sivis, intervention de Mensa finalement de la tête. Allez, faut faut faire mieux que le ballon hein. du côté de, de Guingamp. On a réussi un peu mieux à les ressortir depuis quelques instants. Voilà, réussir à, à, à leur faire mal, c'est ce qu'on disait au début de seconde période. Guingamp a fait mal à Auxerre sur euh, le but de Pelnard, mais quand même. Euh, bien bien amené hein, ce qu'a eu le poteau de Luizair et... et bon que serait advenu ce ballon sans Pelnar on ne saura jamais mais euh, voilà, il faut continuer euh, enfin il faut essayer d'avoir un peu plus de d'amener un peu plus de danger dans la surface adverse tête de Sidi ben Sidibé qui est seul à la retombée, Sidibé vers El Ouazani. Aïe, aïe aïe allez euh, Agouzoul qui rend le ballon à Picard, Louiser qui ferme son pied pour donner sur Sanya. Sur le côté gauche, Guillaume, qui a pris le couloir à ses côtés. Sanya, il y a Sidibe qui arrive dans la surface. Oh, Pica qui va donner sur Silibé, C'est un peu n'importe quoi. Sanya qui récupère. Aïe, 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 on n'a pas réussi à se coordonner sur cette action à une touche de balle. Mais voilà, c'est ça qu'on doit plus voir du côté de Guingamp, Louis Oh, j'ai jamais vu. Oh. Comment il dit Eric Judor dans H? 50 ans euh, 50 ans de commentaires, jamais vu ça. Le ballon finira aussi près de nous. peut-être toi qui les aimantes, euh, Pierre Lemonnier j'ai la référence mais j'ai pas exactement ah, c'est pas oui c'est 40 ans d'autocar magazine jamais vu ça mais bon c'est il <laughs> y, y en a à toutes les sauces Hop là attention les étiquettes les amis parce que là il y a du changement au cerf. du euh, sort euh, Sinayoko sort Aye entre Ravelozone aussi ainsi que ado Onaiwu, et qui sort kamara kamara sort alors là c'est le truc qui est le moins pratique au monde mais je vais y arriver le collage d'étiquette. C'est simple. Aïe, il rentre donc à la place de Sinayoko. Vous c'est un métier à risque, hein, Pierre Lemonnier, On ne se rend pas compte, hein Bah oui Aye, Il faut, il faut. Parce qu'en fait, j'ai des, des collègues, voyez vous qui notent le nom des joueurs avant que la compo tombe. Par exemple, je ne vais pas trahir de secret, mais notre collègue de Sport, il avait inscrit Sanya sur sa feuille de match. Bon, finalement, au bout de 40 minutes, il a eu raison. Mais bon, voilà, je préfère que ça soit un peu, un peu propre quand même. Allez, Guillaume, à la retombée pour euh, El Ouazani, Sanya est à côté de lui, Sanya, dans la surface de réparation, il y a du monde, le centre qui est contré, Sanya, la retombée peut-être, Sanya pour Ben Mohamed. Allez, il faut la mettre dans la boîte parce qu'il y a encore du monde qui est là, Ben Mohamed le centre, il y a Guillaume Second, Poto, Odonovan oh, Léon qui a été euh, touché dans le domaine aérien, voilà pourquoi la faute a été signalée. Mais euh, voilà, ça fait deux fois que le ballon revient vers la surface euh, d'Auxerre. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Poursuivez, chers amis euh, Guingampé, 69e minute, Ravelozone c'est pour Juce. Tac au milieu du terrain. La pluie qui, qui a fait son apparition, euh, encore une fois, au-dessus de sans centre au serroi dans la surface, Sanya pour couper. Attention, ça revient plein axe sur Gauthier, Aïn, euh, Ouzou maintenant, pour euh, Aïn, Aïn pour euh, maintenant, euh, Joli sur le côté droit, Joli devant Sanya, Joli qui donne un retrait sur euh, Gauthier, Aïn devant Sidibé Ouzou maintenant, hop là, qui a donné dans le dos de Gauthier, Aïn. Est-ce que l'Ouazani va être le premier sur le ballon? Non, c'est à Gozoul finalement qui récupère, mais on les sent parfois sur un fil, hein. les Auxerrois, les allez El Oisani qui touche le ballon, et il va pouvoir s'en l'emmener. il va pouvoir s'en l'emmener peut-être, À ah, Agouzoul qui te reste debout, et la petite faute d'El il est costaud quand même, le pépère Agouzoul là, il a gagné nombre de duels, alors que Guillaume obtient un carton jaune, il a tapé dans le ballon après le coup de sifflet, c'est ça Ouais, carton jaune, pour euh, Baptiste Guillaume, alors que là, il pleut très fort, au-dessus de, de Roudourou, quatrième jaune cette saison, pour euh, Baptiste Guillaume euh, voilà la réponse de Youssouf Mchangama voilà bon je peux vous la montrer il hein. n'y a, a pas de secret voilà c'est des, euh, des des gros smileys qui rigolent bon ben bah, il, il a vu je ne sais pas s'il va nous regarder du coup mais euh, voilà il y a on va peut-être peut gagner un spectateur d'ailleurs trois. Euh, c'est bientôt hein, 25 novembre c'est pas le prochain déplacement ce sera à Rodez le prochain match des Guingampais puis à Saint-Malo puis à Troyes vous allez traverser la France là hein. Rodez euh, dans le sud plutôt, Saint-Malo à l'ouest et... Ouais, l ouais, 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 c'est... C'est proche au moins, c'est sympa. Vous pouvez y aller en autocar. Allez, le ballon pour euh, les Auxerrois sur le côté. Attention ça on s'est un peu regardé dans la défense de Guingamp. Perrin qui essaie de s'en sortir dans la tenaille rouge et noire. Ravellozone maintenant, Ravellozone, la frappe contrée par Kalidou euh, Sidibé. Allez, qui arrive à la main dans la course. Adamadou, Sanya, Sanya dans le couloir. Et la touche, elle est elle est blanche, je crois, non Elle est rouge Ah bah très bien, très bien. Euh, la touche, elle est pour Guingamp. Sanya qui doit l'effectuer un petit peu plus loin. Quoi Carton jaune pour Sanya Qui n'a... donné le ballon euh, à MN. Euh, c'est deux fois. Et le gars, on va, de... on va faire une réunion entre pierres hein, après, la... après la rencontre parce que... Hop là, le, le, la chaussette là de Sidibé, un dégagement tibia, mais qui peut amener le ballon dans une zone dangereuse là parce que Mensah il est en difficulté devant Hugo Picard, le pressing, le pressing, le pressing. Picard qui continue, Picard qui touche le ballon. Qu'est-ce qu'il siffle Qu'est-ce qu'il siffle Qu'est-ce qu'il siffle What is siffling Qu'est-ce qu'il fait Je, j'ai je, rien compris. Ici, la faute de qui Pierre Lemonnier. Le ballon est crevé Je suis démuni, je suis abasourdi de ce que je vois là. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je... Comme s'il le... y avait un duel entre Picard et Mensa. Alors, vulgairement, on pourrait dire euh, qu'il voulait rendre le ballon à Mensa. Je ne sais pas comment, pourquoi. Invraisemblable. Et au cerf qui avance, du coup, aillez pour Perrin sur le côté, Perrin face à, à Sivis. Et, oh là là, s'il marque là dessus, ça va faire du bruit. Et but. But de Perrin. Je, on comprend, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. Pourquoi il a redonné le ballon aux Auxerrois au départ de l'action? C'est inexplicable. Invraisemblable. Monsieur Legat au rapport, s'il vous plaît. On ne On comprend rien? On ne comprend rien? Je sais, je sais pourquoi. Non, vraiment en plus. Il y avait un mec qui était à terre et il s'est dit j'arrête le jeu. Et quand il s'est retourné, le mec était déjà relevé. Et il savait plus quoi faire, il avait l'air con. Eh ben, il a l'air encore plus abruti maintenant. Hein Parce que le ballon est à deux doigts de le gagner en plus là-bas. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et donne ton carton encore, malheureux! Oh Lucky c'est invraisemblable ce qui vient de se passer. C'est un, c'est un, un, shérif là qui vient de nous tomber sur la tête. Il est payé au carton, monsieur le gars. Aïe, 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 Super but de Perrin, soit. Mais c'est à, c'est à, ça rappelle un peu ce qui s'était passé sur un, un Guingancan, euh, la première saison de Ligue 2 ou, euh, sur une touche quand on n'avait pas rendu le ballon à Guingamp et avait égalisé là-dessus. Alors, c'est pas tout à fait là-dessus, parce que les Auxerrois, ils ont pas grand chose à, à, à on n'a pas grand chose à leur reprocher, mais c'est juste cette décision de monsieur Lega. Pourquoi? C'est, les, les, les points sont tellement chers, les, les, les buts sont tellement durs à aller chercher, que là, se faire avoir sur ce genre de choses, c'est euh, difficile à avaler. Ben Mohamed pour le centre. Ballon récupéré par euh, Dylan Louizar. Louizer pour Silibé Petit Louche pour Sanya. Allez, faut se servir de ça pour aller euh, marquer le deuxième but. Être sublimé par euh, cette rage qui nous anime depuis quelques instants. Sanya qui va centrer vers la surface. Allez, il faut du monde. Dégagement. Euh, Dagouzou. Gomis à la lutte avec Aïe à la retombée. Gomis qui s'emmène le ballon. Gomis pour Basilio finalement. Alors que là, on est dans un film total. Hein. Euh, un, un mur d'eau presque qui tombe sur le roudourou. Tête de Pelnar. récupération de la tête de onaiwu pour euh, Gauthier Hein. Euh, Gomis qui passe devant et dégagement de Riu. Il avait peut-être faute de Gomis, mais bon. Hey, alors euh, il aura déjà filé un but. On va pas continuer non plus. Hein. onaiwu euh, face à Civis, face à Picard. onaiwu en retrait pour Pelnar, euh, Pelnar qui cherche un appui. Le voilà pour euh, Joly sur le côté droit. Joly avec euh, Perrin sur le côté. Ben Mohamed qui est pris un petit peu dans le dribble, bien joué Ryu qui a bien lu la trajectoire très concentré hein, ce soir. Mathis Ryu, Ben Mohamed, oh, très mauvais passe. dommage, dommage, dommage dans la sortie de balle. Euh, changement ou non bientôt pour Guingamp? De, Dumont qui n'est pas décidé 75e minute. Un partout entre Guingamp et Auxerre dans une atmosphère étrange depuis euh, l'action qui a amené l'égalisation euh, d'Auxerre, Sania. Allez pour euh, Dylan Louisère, il y a un ballon peut-être à donner en profondeur sur Picard. Et oui Pierre, c'est beaucoup plus facile de le voir d'où on est. Euh, là il la touche pour euh, Ayman Ben Mohamed. Sur le côté, on est entré hein, dans, le, dans le dernier quart d'heure un hein, partout entre euh, Guingamp et Auxerre. égalisation. Il y a trois minutes de Gaëtan euh, Perrin. Je ne sais pas si euh, on peut avoir l'affluence, si on a eu le chiffre ou pas. Mais euh, bon, c'est le cadet de nos soucis, c'est vrai. Mais allez Picard, à droite. Pour Civis euh, qui s'emmène le ballon dans la poitrine. Civis pour Guillaume. Allez, il y a de l'élan là-dessus. Ah, la remise de Guillaume, elle est pas bonne, malheureusement. Civis qui va au, oh là, au pressing sur Donovan Léon. Ah, super. 6850. Merci. 6850 spectateurs ce soir. à Roudourou. tête de Rio. Attention, deuxième ballon, il y a Perrin. Rio qui va se jeter et relancer sur Amadou Sania. Bien joué, allez. Il y a quelque chose à faire. Ça devient un peu déséquilibré partout, hein. Faute, faute, faute de Jolie. Ça part un peu dans, dans tous les sens. On a nos oh là là les, les gueulards de la, de la tribune de presse, nos copains lostek et compagnie, qui sont chafouins après euh, ce qui s'est passé sur euh, l'action du but égalisateur, hein euh, le coup franc pour euh, Ben Mohamed ou c'est Ryu finalement, qui va. Euh, t'as vu les, les engins que j'ai à côté Bien entouré. Là. Euh, vraiment, vraiment. Et encore, t'as pas connu époque Covid, on n'entendait que nous hein, dans dans le stade Ryu pour euh, le coup franc. À l'entrée du camp, Auxerrois. allez, ça serait important hein, d'aller gagner ce match, surtout vu le, le contexte, le scénario, ce qui vient de se passer sur le, le but égalisateur de le la touche finalement, hein, le, le coup franc qui n'a rien donné, Mensa qui va, euh, eh ben c'est pas possible, c'est pas possible, carton jaune pour cdb, qui a mis du temps à rendre le ballon à l'Auxerrois. mais s'il arbitre les matchs de d'autres équipes qui font ça, on voit ça toutes les équipes qui mènent en Ligue 2 font ça et là nous à chaque fois on a un carton. À chaque fois on a un carton. C'est pas possible. On va dire à Gaillet Tampinel d'aller dans le vestiaire des arbitres. Maintenant ils ont droit de s'exprimer. On veut savoir, la France veut savoir. Perrin qui bute devant Sanya, Sanya qui s'emmène la balle devant, il y a pas beaucoup de soutien autour de lui. Ballon touché par Jolie. ça sort pour Guingamp. Ça sort pour Guingamp. Mais euh... Oh la vache Courtey qui va entrer. Merci, euh, Bichent, euh, à mes côtés. Euh, Sioué aussi qui se prépare, hein, j'ai l'impression. Sioué qui euh, revient vers le banc. Gomis avec Basilio, dégagement de Basilio. Ah, oh, mais alors, le la, la facilité qu'il a à sortir des cartons, on a rarement vu ça hein, quand même. Euh, Sivis de la tête devant Onaïou. Gros duel entre les deux. Picard qui récupère. Picard qui conserve. Petit ballon piqué pour Eloisani. Picard qui a poursuivi son effort. Eloisani, ça passe pas. Deuxième chance avec Guillaume qui protège, qui essaie de se et qui obtient. Un excellent coup franc à l'entrée de la surface de réparation. C'est là où il est précieux. C'est là où il est précieux. 123e carton jaune. On les compte plus. Il y a autant de pluie que de cartons sur le sur le terrain. C'est Agouzoul qui a eu euh, celui-là. C'est pour toi Courtet. Oui, pourquoi pas. Mais alors le coup franc, euh, qui peut nous le frapper là C'est pour un gaucher. Hein C'est Alouazani qui va poser ce ballon, on est à un mètre de la surface de réparation, décalé sur le côté droit, mais ça peut amener le danger, ça peut amener un bon ballon vers le but de euh, notre ami Donovan euh, Léon. C'est peut-être le moment, c'est peut-être le moment pour Guingamp. Louisaire ou El Oazani? El, -Oisani. El -Oisani pour euh, l'ami Lemonier. 3, 4 au serrois dans le mur. Monsieur le gars qui euh, place le mur évidemment à 9m15. La petite bombe en mousse qui va bien. Cadre, le cadre Zizou. Le cadre Zizou, comme disait Jean-Michel, attraper le cadre et ensuite, on ne contrôle plus rien. El ou Oulouizer, c'est El C'est cadre, c'est buté. buté oui, monsieur El qui marque le deuxième but de Guingampé à l'entrée des dix dernières minutes le mur au serrois qui a semblé se disloquer et le chemin du but s'est ouvert pour Amine El Ouazani. on va peut-être oublier ce qui vient de se passer sur l'égalisation au serroise 2-1 pour Guingamp on est pas mal on est pas mal là c'est oui là c'est oui pour El Oisani, sixième but de la saison pour euh, Amine El Oisani. Oh, le coup franc, euh, un peu, euh, qui, je crois, a traversé le mur. Hein. On va essayer de regarder ça tout de suite sur notre retour télé. 22h22, c'était écrit que c'était la minute euh, Guingampèze. Oh, qu'il fait du bien, qu'il fait du bien, celui-là. Il est coutumier du fait à l'entraînement, euh, Pierre. Ouais, ouais, il en tire pas mal, mais je savais que pour Dylan, Dylan préfère un peu plus loin. Donc, euh, bah, c'était parfait pour lui. Bravo, bravo. Guingamp a eu tout bon. Pierre Lemonier a eu tout bon là-dessus. On va revoir notre ralenti sur notre euh, écran 16e neuvième téléportatif. Ouais, ça passe dans le mur. Hein. C'est à mi-hauteur dans le mur. Mais voilà. Ah ouais, c'est en plein dans le mur. Mais ça se disloque, tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour eux. Bah Du coup, Courtail va pas entrer tout de suite. Picard sort, roue rentre. On va passer en 4-3-3, mais comme disait Jean-Michel, le cadre Zizou, le cadre, ovation pour Hugo Picard. Et l'entrée de Baptiste Roux, donc euh, redisposition tactique. On passe sur un 4-3-3. Super match 1-2. Hugo Picard qui a amené beaucoup, beaucoup de choses dans ce match, qui a amené euh, le premier but. Il faut s'en souvenir. Euh, tout à l'heure aussi le CSC de Pelna. Et donc là, on passe euh, bon, un petit peu comme à... Alors comment on joue là C'est 4-3-3. Oui, euh, Roux, point de basse. Sidi Bellouizer un peu plus haut. Et un trident offensif. Sania à gauche. El à droite. Et Baptiste Guillaume en pointe. Ballon pour euh, Ouzu. J'allais dire un truc, mais... Euh... Il faut tenir, il faut tenir, je ne vais pas le dire. Ben Mohamed, vous savez tout ce que je veux dire. Mais euh, voilà. Marquons peut-être le troisième. Allez, Ben Mohamed, il est bon ce ballon. Pour Sania. À l'opposé, il y a du monde. Sania pour qui Il y a Luizère en retrait. Ah il n'a pas réussi à traverser ce ballon. Dylan Luizère Pleinax euh, de la surface de réparation. Allez, mais c'est... Euh... Intéressant, Pierre. Oh là, Elozani qui a gratté le ballon. Alors, il va la rendre aux Ossérois sur celle-là ou pas, le gars? Ballon récupéré par Elozani à côté du poteau de corner. Elozani qui conserve. Oh, le ballon qui est touché. Qui pour la récupérer? C'est un Ossérois. Tête d'aillée sur Mathis Rioux. Je vais te lancer là-dessus tout à l'heure, Pierre, mais on sent qu'il y a un, un vent de révolte un peu qui, euh, bah, bah, voilà, Roux qui envoie le ballon en touche. Il y a, on sent qu'il y a eu le but Ossérois. Il a créé comme une révolte, un électrochoc dans l'équipe. Ouais, quand, quand l'arbitre est contre nous, c'est soit on se plaint, soit on fait comme on vient de faire et, euh, et on sort les crocs et c'est ce qu'ils font. C'est bien, c'est bien. Et ça, le Roudourou adore. Sortie de Gauthier Hain, côté euh, Auxerrois, et de Paul Joly, l'entrée de Colin Dagba. Et alors, le 11, qui est le 11 C'est pas Akpa. je vais vous le trouver dans dans quelques instants, je ne sais même pas où est ma feuille de match. Elle est là. Euh, voilà, hein, le Roudourou qui apprécie le scénario du soir. C'est Madi qui entre. Eros, Madi. Euh, je vais le noter là parce que je n'avais pas son étiquette. Bravo. Madi, Eros. Et Colin Dagba qui entre. Colin Dagba qui avait joué ici son deuxième match en Ligue 1 dans sa carrière avec le PSG. Et on était pas mal à s'en souvenir avant le match. C'était lui qui avait perdu le ballon sur le fameux but de Nolan Roux contre Gianluigi Buffon lors de la défaite 3-1 hein, contre le PSG de Mbappé qui était entré à la mi-temps et qui nous en avait collé deux plus un pénal de, de Neymar. Il avait joué ce match-là et il a été un petit peu malheureux. Hein. Il était tout jeune à l'époque. Il est passé ensuite l'année dernière par Strasbourg en Ligue 1. Il est toujours prêté euh, par le Paris Saint-Germain cette fois euh, en Ligue 2. Le premier ballon justement de Colin Dagba côté droit à Gouzou, le maintenant pour... Euh pour qui c'est Perrin qui est là avec le ballon Sidibé qui vient mettre le pied grosse défense de Ben Mohamed devant Madi. Dagba sur le côté droit Dagba avec Perrin devant Sidibé on est encore devant le scénario qui s'était présenté hein, contre Grenoble et QRM il faut apprendre il faut apprendre il faut résister encore sur cette fin de match ballon pour euh, Mensa centre à terre freiné par El Ouazani oh sorti par Civis avec le petit pont sur Mensa. Faut la sortir de là. Oh là, le flip-flap d'Eloisanie. Attention. Qui a perdu le ballon devant la surface. Ça, Dumont, euh, n'apprécie pas. Perrin, plein Qui va chercher un partenaire à droite. Il y a bas Oh, elle est forte, non? Oh, elle était très forte, cette balle. Elle est, elle est quand même arrivée dans les pieds de attaque par le centre du pied gauche du Parisien. Ça sort! Ça sort! Alors, Courtais, si oui, les deux, enfin, les deux malheureux, oui et non. Parce qu'ils s'apprêtent à entrer. Courtais, il, les deux sont tenus. Et voilà, ça y est, finalement, ils vont rentrer. Il devaient entrer avant le but. Ça a retardé un petit peu l'échéance. La Guillaume qui est perclu de crampes. Est-ce qu'il va lui mettre un jaune pour les crampes, le gars Allez, on gagne du temps, on gagne du temps. Je sais pas, comme s'ils avaient eu des nouvelles consignes sur les gains de temps, euh, le vis un peu. Hein. Parce que ça, ça, on l'a vu. Oui, visiblement, hein. on est quoi 6 novembre, on se souviendra du 6 novembre. Dans l'histoire de l'arbitrage moderne. Basilio pour dégager ce ballon euh, loin devant. Si oui, donc écourté qui s'apprête à entrer. Oui, bah oui, on a décompté de, de, de compter le temps. On pas nous mettre un quart d'heure non plus de temps additionnel. Dégagement de. toute façon, dès qu'on gagne du temps, on a un jaune, donc on n'a pas dû gagner beaucoup de, beaucoup de temps. Hein. Le. Ce n'est qu'un au revoir. Qui chante ça Je ne sais pas. Dégagement euh, de Donovan euh, Léon. Gomis. Où à la retombée C'est aïe. visiblement qui a pris ce ballon de la tête. Perrin. Maintenant sur le côté gauche. Luiser qui fait faute. Oh, pas de faute de Luiser. Bon, on prend. On prend. Ellozani pour Air. Oui, qui a vu Sanya sur le côté Ah Il a pas ici à contrôler ce ballon à l'opposé. Dommage. C'était un bon choix hein, de Air de renverser le jeu. Double changement à Guingamp. Ellozani Guillaume sans doute. El ben Guillaume sans doute. Guillaume, oui, pour Courtet, qui avait réalisé la meilleure saison de sa carrière avec Auxerre en Ligue 2 euh, en 2015, 2017, entre 2015 et 2017, pardon. Hey, Baptiste Guillaume, on disait tout à l'heure, hein, ce n'était pas un match facile pour lui, il en suffisait d'une, et c'est lui qui obtient le coup franc, Pierre. C'est parfois son rôle ingrat, hein. c est, il est tellement important là-dessus. Il a vraiment un rôle ingrat. Mais, euh, mais il le joue très bien et puis euh, il, arrive à, il arrive à nous soulager tellement c'est super important. Et Courtais donc il le remplace et la sortie également de celui qui a transformé ce coup franc en finou avec ce ballon à mi-hauteur. Amin El wazani sixième but de la saison deuxième but sur coup franc direct pour les Guingampés après celui de, de Merghem un petit peu plus tôt à, à Roudourou c'était contre Grenoble. Et Jacques Siway donc qui entre. Allez, on va avoir besoin de sa vitesse, de sa percussion pour euh, pourquoi pas nous ouvrir des brèches dans cette fin de rencontre. 88e minute. Allez, on aura combien de temps additionnel Vu comment il est parti, il va nous en mettre 7. Hein. Je pense qu'on sera à 4 ou 5 minutes supplémentaires dans ce match. Guingamp qui a repris l'avantage depuis euh, une toute petite dizaine de minutes grâce à un coup franc direct d'Amin El-Wazani. Long ballon de Ravelozone sur le côté pour Gideon Mensa. Mensa, l'arrivée de Louis C'est s'est finalement récupéré. Par Gaëtan Perrin, par qui beaucoup de choses passent dans cette fin de match. Attention, le ballon qui est mal donné par Perrin. Civis qui couvre. Euh, attention parce qu'il ne va pas sortir hein, ce ballon euh, Max Sivis là, à côté du poteau de corner. Oui, oh, il a bien ressorti. Pour donner sur Oui, Premier ballon de oui Attention. Dans cette zone du terrain, ne pas la perdre. Louiser maintenant, euh, on l'a perdu à 40 mètres cette balle. Roux qui essaye de mettre le pied. Allez, il faut être présent aussi dans les duels pour euh, Baptiste Roux. Perrin hein, maintenant, qui euh, récupère et qui donne en retrait sur euh, Mensa. Mensa qui renverse sur Colin Dagba devant Sanya, ballon maintenant pour euh, Agouzoul dans le rond central avec euh, Ravelozone. Raveloson qui rejoue sur euh, Agouzoul 89e minute, 89e minute. Ballon pour Madi. On va plus regarder le chrono, Pierre. Hein. On, il faut plus. Ballon pour euh, Ravelozone. S'il faut tenir deux heures, on tiendra deux heures. Ravelozone pour euh, Pelner. Oh, la mauvaise passe de Pelner. Courté qui est sur sa route. Louis R, Sidibé, Allez, ça gicle avec peut-être Sania. Sur le côté gauche, la passe de Sidibé, les est bonne. arrive en premier. Il y a Siwe et Courtet à l'opposé. Sania qui va travailler, provoquer, crocheter, réussir son dribble Ballon plein axe pour Baptiste Roux. Contrôle Un relais avec Sania. Oh, le contrôle, Iléon! qui passe devant dans le duel. Sania, faut ressortir. Ben Mohamed, Sidibé. C'est bien joué, Sidibé. Sidibé oh. qui nous met le ballon en 6 mètres. Il y avait mieux à faire. Sidibé et Louisière qui ont des crampes. C'est bien, c'est bien. Alors là, il va, il va se régaler du temps. Je suis sûr, il va nous mettre 8 minutes. Parti comme il est, il va nous mettre un temps additionnel. Je le sens pas, l'ami, le gars. Je le sens pas. Ouf est-ce que, bon, euh, on est obligé d'en parler, de toute façon, ça n'a aucun impact sur le match. Mais justement, ces fins de match là, contre Grenoble, QRM, qu'est-ce qu'on se dit quand ça arrive euh, souvent, quand on est défenseur, quand une fin de match arrive Qu'est-ce qui se passe dans votre tête euh, On se dit que on n'a pas assez faim, que ce n'est pas possible, on n'a pas assez faim, qu'on manque de malice aussi. Et pour l'instant, les gars sont en train de le faire, les deux, donc euh, au moins on apprend nos erreurs, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Il nous a collé 7 minutes. Il nous a collé 7 minutes de temps additionnel, euh, l'ami le gars. Je ne sais pas où il a trouvé les 7 minutes. Honnêtement, c'est invraisemblable. Allez, si qui va au pressing sur Pelnar. Mène ça maintenant devant Sivis. Il y a un gant qui est toujours au pressing. Est-ce que ça va sortir d'ennemi du terrain On a eu à la lutte avec Gomis. Gomis qui intervient. Oui, le tacle de Gomis, bien joué. Sidibe maintenant. sidibé petit ballon pour Louis -R. On a le temps, on a le temps, on a le temps. On a le temps, Louiser Si oui, avec euh, Sidibé. Sidibé, elle est bonne, cette balle. Allez, pour ça Sioui, qui se l'emmène pied gauche contre. Paragouzoul. il est droitier ou gaucher, si oui Il est gaucher. Ah, il est gaucher, c'est pour ça hein, qu'il s'est remis. Euh... Il préfère tirer pied droit. Oui, bah, c'est Ousmane Dembélé, du coup. Euh... Allez, ballon pour euh, Guingamp. Louiser avec Courté. Euh, Courté, ah, attention, qui a perdu le ballon euh, au niveau de la ligne médiane. Sidibé qui semble un peu euh, piocher, là, c'est dur, c'est dur. Pour l'ami Khalidou, Ben Mohamed qui est en premier sur ce ballon, peut-être. Non, c'est euh, Madi qui est passé devant. Ben Mohamed qui l'a accroché. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. On sent que ça devient dur. Hein. Là, physiquement, pour les Guingampes, est-ce que d'autres changements se préparent pas visiblement Non, il y a faute. Il y a faute, il y a faute La Gouzoul sur Courtais. On a bouffé une minute. Une minute sur le temps additionnel. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. On était pile sur le chrono du stade. Peut-être que le chrono du stade était en retard. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il reste six minutes. Je veux disparaître sous terre. Je ne veux pas voir cette fin de match. Ah. J'ai noté tout à l'heure la référence à Dikének, mais je suis tellement pris par le match que j'arrive pas à. Je vais prostrer, prosterner, je ne sais même plus comment on dit. Voilà. On peut aller très, très loin un jour ensemble là-dessus, Pierre. Ballon pour euh, Mathis Rioux. Pour le coup franc, Guingampé, juste derrière la ligne médiane. On vous rappelle, restez bien avec nous. Les réactions après la rencontre, Gaëtan s'envolera vers euh, la zone mixte. Sanya qui est à la retombée, c'est Agouzoul qui a touché ce ballon, la touche elle est blanche. La touche elle est blanche à côté du poteau de corner, au oh, Cerro, Guingamp qui attaque vers le cop rouge dans cette seconde période d'Agba pour effectuer la remise en jeu d'Agba en retrait pour euh, Aguzul, loin devant, Gomis à la lutte avec Onayou qui protège bien le ballon, petite faute, petite faute, petite faute de, il va avoir son jaune. Et c'est incroyable, si oui, il tape dans le ballon après le coup de sifflet, il n'a pas le carton jaune. D'accord. D'accord, monsieur Et bah, Tant mieux, on prend. Euh, Onayou face à Louisère, bien joué. Fait une sacrée fin de match. Dylan Louisère. Il a récupéré un paquet de ballons. Louis -Air, Voilà dans l'espace. Non, c'est pas assez appuyé malheureusement. Ravel Ozone qui intervient devant Sania. Sidi Bien joué, gamin. De la tête. Dans le banc de touche, Burger King. La touche pour Dagba. Il passe pas vite, ce chrono. C'est pas vrai. J'espère qu'on a du retard. J'espère qu'on a du retard. Euh, pelna qui a ouvert le score contre son camp tout à l'heure. Allez, Baptiste Roux qui est devant. Baptiste Roux qui met le pied. Civis qui euh, dégage. On est devant la surface de Guingamp. Long dégagement de Civis. Courte à la retombée qui vient de tamponner Pelnar. Ballon récupéré. Mais qu'est-ce que ça braille là-bas Ballon récupéré quand même par Oser avec Aguzoul pour euh, Ravelozone, le Malgache pour eux maintenant. Euh, le Ghanéen, Elisha wouzou Pour euh, Pelnar, n'hésitez pas avec vos questions aussi hein. tout à l'heure dans le débrief. On vous attendra nombreux et nombreux pour réagir à ce match. Espérons-le la victoire guingampaise. Euh, Mène ça sur le côté. Civis qui fait l'effort devant Perrin, mais Perrin passe devant. Il est entouré par trois Guingampés. Sidibé qui intercepte la passe. Voilà, on a besoin de ça. Grand coup de sac là, devant, qui euh, nous fait gagner euh, des mètres et surtout du temps. Cinq, euh, non, 7-3, 4 quatre, quatre minutes de temps additionnel encore dans cette fin de match. Euh, Pelnard pour euh, Gouzoul qui s'emmène le ballon de la poitrine devant la ligne médiane à Gouzou, la droite pour euh, Colin Dagba Dagba qui cherche un partenaire Dagba qui euh, redonne plein axe sur Elisha au oh, qui euh, donne sur Pelnard. Pelnard encore qui avance qui avance qui sent dans la surface ben Mohamed qui passe un peu au travers le cerveau de, aussi ça sort ça non qui l'a touché qui l'a touché c'est un blanc c'est pour nous on est en train de péter les scores on est à plus de 200 euh, suiveurs sur euh, sur Facebook on est à 106 sur, euh, sur YouTube, plus de 300 euh, personnes qui nous regardent. Ça, c'est grâce à la doudoune moltonnée au, au superbe manteau de Pierre Lemonnier. Sivis qui a des crampes. J'ai jamais vu autant de crampes, par contre, dans l'équipe Je Je ne juge pas, je relate les faits. C'est très bien, c'est très bien, c'est très. Faites ça, faites ça, je vous en prie, je vous en supplie. Les adversaires le font à chaque fois. Les champions dans ce domaine, c'était chaud il y a un ou deux ans sous Omar Daf, c'était insupportable. Bordeaux aussi. Oh oui, 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 oui. Euh, allez, Basilio pour dégager. Il a encore montré son chrono, euh, monsieur le gars. On est là jusqu'à minuit, hein, les enfants. Dégagement de Basilio. oui, de la tête à la retombée. Sivis encore qui met la tête, mais aillez, gagne encore. Un duel aérien. Perrin qui arrive lancé lancer vers la surface de réparation. Civis qui va sortir pas. Louis Air qui a gratté le ballon. Mais ça revient dans les pieds. au Ocerrois avec un décalage sur Dagba. Côté droit Dagba, 95 e minute. Sania qui a touché ce ballon. Allez, ils n'ont pas d'occasion. Ils n'ont pas d'occasion. Les Ocerrois dans cette fin de match. Teddy Bartouche qui est juste... Derrière nous également, en trépigne d'impatience dans cette fin de match. Ravellozone avec euh, Aguzoul devant Courtet. Allez le chien là devant pour euh, aller chatouiller les chevilles aux Serroise. Ravellozone pour un long ballon vers la surface. Aie qui n'arrive pas à, à toucher ce ballon. Dégagement de Gomis, pile dans les pieds de Gaëtan Courtet. qui est parti sur le côté gauche. Courtet qui s'applique pour le mettre le ballon. Il y a eu un mauvais geste sur B de l'autre côté. Il n'a rien vu le gars. Il a rien vu le gars. Le jeu s'arrête tête contre tête entre Louis -R. Et Ravelozone, il y a eu un mauvais geste sur Sidi Et tout le banc, Guingamp Père Rouge pour qui Ravelozone Ravelozone exclu dans cette fin de match. Il y a eu un geste complètement désintéressé du jeu. Peut-être que le juge de touche l'a vu, peut-être que le quatrième arbitre vu. l'a vu. C'est la bérésina dans cette fin de match. Mais restez, restez dedans, les enfants. Laissez au cerf péter un plomb, on s'en fiche. On va revoir peut-être sur notre chrono, sur notre télé ce qui s'est... alors ah c'est hors champ malheureusement c'est hors champ rouge pour Civis c'est Civis qui a le rouge Bon eh bien alors, on disait qu'il était souvent dans le souvent un peu dans la bagarre malheureusement Maxime Civis et là visiblement euh, il en a trop fait ça a l'air d'être rouge direct en plus hein, pour euh, pour Civis on va finir à 10 contre 10 euh, ouais, ça c'est un peu trop chauffé là. 10 contre 10, il y a Erwan là, le responsable sécurité qui est en train en tient un peu de le de le raccompagner vers la sortie. Euh je sais pas si la télé a capté une autre image de ce qui s'est passé entre Ravelozon et et Sidib. On est à 6.38 38 hein, de et, et euh, Ravelozon qui vient voir le juge de touche, visiblement c'est le juge de touche hein, qui a qui a signalé quelque chose parce que L'action était complètement l'opposé. C'est un peu comme euh, le coup de boule Zidane-Materazzi. C'était complètement l'opposé du, du terrain. Bon, ça, ça va encore nous rajouter du temps. Hein. On va aller à 100 minutes. Hein. Euh, je crois que c'est programmé pour euh, les amis. Alors, est-ce qu'on va voir C'est là, Ravellozone qui va le chercher un peu. Et qui... Oui, oui, oui. Ah, bah oui, coup de poing. Ah, coup de poing. Et là, il peut prendre beaucoup plus que... Que, que toi déjà, que Civis qui va visiblement prendre deux matchs parce que, euh, parce que, bon, il y a eu les chauffourées, je pense que Rouge Direct, c'est deux matchs. Il peut en prendre trois ou quatre, le Pepper Ravelozone, hein, qui a complètement euh, dégoupillé et qui a mis un coup de poing à Kalidou Sidibé. Euh, alors, qui finit latéral droit du coup ben, On ne sait pas, c'est Louis L'endégagement de Rio, à Courte, il faut essayer de la garder là-bas. Ah, il n'a pas réussi. Il a pas réussi. Allez. Là, alors là, on est, hein, c'est fini, non, c'est pas fini, ça va nous rajouter du temps, cette affaire. Euh, 97, 50, ballon pour euh, sa face à Siway. Allez, voilà, mets lui un brin on s'en fiche. C'est pas grave. Voilà, tape dans le ballon. Il lui met toujours pas le jaune. Je, je, comprends pas. Ça fait deux fois que Siway tape dans le ballon après le coup de sifflet. Je sais pas. Oh, Louis euh, qui finit le match au latéral droit. Siway, milieu droit, 4-4-1. Dans cette fin de match, à 10 contre 10. Dagba pour mettre le ballon. Faut la gagner, celle-là Tête de, de qui Tête de Naïwoo? Tête de Gomis Sortez-la, bon sang, Silibé. Que fait-il Il y a faute Il y a faute ah On récupère le coup franc Mais siffle, le gars Siffle, alors 98-30. J'en peux plus J'en peux plus, c'est simple Ah Où tu sors, où je te sors, le gars c'est fini 99 e 2-1 pour corps C'est l'enfer, enfin c'est l'enfer, non, on préfère être dans notre situation évidemment. Mais le coup, il est tellement bon au classement, tellement bon au classement. Le gars, qui es-tu euh. Tapez-moi ce ballon le plus loin possible, chers amis Guingampé, Enzo. Euh. Ici, le coup franc. Garde le sifflet dans la bouche. Le gars, Pierrot. Ouais, c'est fini. Oh, on a réussi à faire tourner enfin ces scénarios les Auxerrois qui sont en train de dégoupiller totalement dans cette fin de match. Si Wiki oui, au sol après un contact avec Pelnard. ne vous en mêlez pas, ami Guingampé. Ne vous en mêlez pas. C'est plus notre problème. Qu'ils aillent, euh, chouiner ailleurs, c'est pas grave. C'est pas grave. On est copains en plus. Généralement entre Guingamp et Auxerre. on s'aime bien entre les les deux équipes, mais euh, Ouais, ça, a, ça a dégoupillé dans cette fin de match. Euh, je pense que Pelnar, il peut avoir la... il peut avoir un truc aussi, hein, dans cette euh, fin de rencontre. Bon, et eh, je vais arrêter le chrono. Et ça, c'est au oh, ouzo. J'ai arrêté le chrono. Je suis tellement content, tellement ému. <laughs> Tac. Et eh, quatre... ouais, eh non, on va laisser à 99-59, Regarde. Tac. Voilà. Euh, alors, Guingamp a gagné. C'est fini. C'est plié. Emballé. C'est pesé. Au revoir. Merci. Bon week-end. Mais là, il y a Dumont aussi avec Sorbon qui sont en train d'éloigner tout le monde. Il y a Iglesias, je crois que ça Chasuble Orange, qui est en train de d'éloigner de, de, louis de la bagarre. Alors, Monsieur Legat, attention, Lucky Luke. Hein. Attention, Lucky Luke. Il a le carton chaud dans cette euh, fin de match. Voilà, Gomis qui fait signe au public un peu de, de se soulever. Elle est tellement importante, cette victoire, Pierre. On te garde un tout petit peu. Que ce soit dans la manière de cette... Rebeller contre les événements et ce but bizarre d'Auxerre et d'avoir su surtout arracher un scénario qui ressemblait tellement au match précédent, c'est c'est ce qu'il vous fallait. Ouais, je euh, je trouve qu'on a appris de, des erreurs passées. Maintenant, on va pouvoir mettre ça à chaque match. Mais j'espère que c'est un tournant. En tout cas, elle fait beaucoup de bien à la maison. On va pouvoir fêter ça avec le public. Donc euh, c'est top. Bah, Vas-y, envole-toi. Il y a l'ascenseur hein, du 4-0. Mais oui, merci camarade. Reviens nous vite sur le terrain. Hein. Ah, bien, ton sandwich, ton sandwich. Ah, quand même. Voilà. Allez. Voilà. Pierre Lemonnier qui est avec nous. Quel bonheur. Quel bonheur, les enfants. Cette victoire de buts à un, arrachée, euh, par tous les cheveux possibles, même sur ceux de, du crâne de Gaëtan Courtais. C'était important. C'était important de gagner ce match. Et ce qu'on disait avec Pierre, ça, ce match ressemblait tellement au scénario connu précédemment. Le 2-2 contre Grenoble, le 2-2 contre QRM. Mais Auxerre qui n'a pas eu d'occasion finalement, en fin, de, en fin de rencontre, ça fait tellement de bien d'avoir fait tourner cette euh, cette rencontre. <laughs> victoire de Guingamp, de Buzyn. On rappelle un hein, Pelnar qui a ouvert le score, à la 51e égalisation Perrin, 72e but de la victoire et Loisani sur couffron direct, à la 80e l'ovation, autant pour les Auxerrois que pour l'arbitre Monsieur Lega, qui nous a sorti carton sur carton dans cette fin de rencontre. Incroyable, il y a Perrin qui est en train de de chambrer un peu le public de de Guingamp. Mais arrêtez ces gestes, les enfants, il a perdu, on s'en fiche, fais pas ça, il a perdu. C'est un blaireau peut-être, mais il a perdu. C'est pas grave, qu'il aille, euh, qu aille célébrer un peu plus tard. Bon, il y a eu deux trois deux trois petits gestes dans le public, c'est pas grave. Bon, euh, c'est folklore on va dire. Euh, voilà, deux buts à un. Là, on va vous laisser savourer euh, l'ambiance peut-être si vous réussissez à, à entendre euh, l'ambiance euh, ce soir avec le, le clapping qui va être effectué, le gampé aussi. Je, je, vais monter, je vais monter le micro. On va voir si ça passe. Il y a Gaëtan hein, pour le débrief. Pour voir ce qu'il a pensé de ce match, que d'émotion, que d'émotion. la victoire enfin. On va faire un point aussi sur le classement, ça sera ça sera super intéressant à voir parce que voilà la belle opération, elle était là pour euh, pour les Guingampés. ils l'ont fait. Bravo les enfants et euh, maintenant on espère que ça en appelle d'autres, sous-entendez. Vous Ouh, viens là, viens-y là, viens là, Gaëtan. Royal bon, Clapping encore. Euh... Que tu tueur encore. Hein. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour resserrer quand même, mais c'est ce qu'on disait avec Pierre Lemonnier. Euh, c'est un match qui, a, qui ressemblait à tellement d'autres vécu récemment. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir enfin su le, le gagner. Ouais, ça peut être le début d'une un, nouvelle phase de la saison, hein, ce genre de victoire accrochée. À... Euh, sur victoire victor étriqué accroché parce que Guingamp avait gagné qu'une seule fois par un but d'écart, c'était à Caen les autres avaient été gagnés nettement et quand il y avait des scores étriqués Guingamp se faisait rejoindre euh, QRM, Grenoble évidemment euh, là c'est pas le cas je pense qu'elle peut être euh, là où ça peut être le début d'une nouvelle phase c'est que voilà, Guingamp arrive à <laughs> comment on dit euh, vaincre le signe indien et puis euh, à se dire ça y est, on l'a fait, on a défendu moi j'ai beaucoup aimé les, les attitudes défensives de Sidibé, de Sania, euh, qui a beaucoup défendu aussi. Courtet, bien sûr, qui, euh, dans son style caractéristique, s'est battu euh, pour gêner un maximum, même si, évidemment, tout seul devant à la fin, c'était n'était pas, pas évident. Mais euh, voilà, les attitudes ont vraiment, je trouve, été très, très positives. Euh, bon, malheureuse fin de match avec ce, ce carton rouge pour Civis bien sûr, euh, qui manquera à l'appel. Euh, minimum un match, mais sans doute euh, un direct. peu plus de rouge direct, ça risque d'être euh, euh, au moins deux matchs. Mais c'est vrai que pour le reste, euh, on a eu un match convaincant, euh, pas forcément le plus spectaculaire, mais Guingamp a réussi, je pense, à amener Auxerre là où il le voulait. Euh, et notamment après le, le 1 partout, je trouve que Guingamp n'a pas perdu le fil, euh, ce qui peut parfois être le cas, hein, notamment face à une équipe d'Auxerre qui est, qui est quand même euh, l'un des gros calibres de, son, de ce championnat. Auxerre aurait pu prendre le, le, le dessus, ça n'a pas été le cas. Guingamp est, est resté dans son match. Et puis un, un super coup au classement. Hein. Euh, tu l'as peut-être sous les yeux, je ne sais pas, mais euh, tu l'as en tête. Ouais, il a tout en tête. C'est la Bible, les enfants. Combien de fois on a dit c'est une bonne opportunité On en avait marre de dire que c'était une bonne opportunité. Bah, là, ça y est, on l'a saisi et on se rapproche d'un top 5 qui a un petit peu freiné le rythme ces derniers temps. Oui, parce que Grenoble a très clairement levé le pied. Guingamp est sixième à un point de Grenoble, à deux points d'Auxerre. Parce qu'Auxerre, mine de rien, est sur deux défaites consécutives. Hein. Il y avait eu la défaite contre Dunkerque à la Baie-des-Champs la semaine dernière. Et puis, euh, bon, pour ce qui est un peu au-dessus, c'est encore un tout petit, a encore un petit palier, un petit peu plus haut. Mais ça fait du bien. Et Guingamp arrive à. Malgré la série euh, avec beaucoup de matchs nuls, bah, Guingamp est sur une série vraiment positive. Parce que six matchs sont défaites, Quatre nuls, oui, mais deux victoires maintenant. Et puis euh, bah ça, ça reste à confirmer bien sûr à Rodez, parce que Guingamp n'a jamais gagné deux matchs d'affilée cette saison. C'est forcément ce qu'on attend maintenant de, de la prochaine étape. Quelle est le, le dernière question avant que tu volais en, en zone mixte Quel est le joueur que tu as particulièrement apprécié euh, aujourd'hui, même si c'est une victoire collective. as hein, vu dans les attitudes défensives, mais un joueur peut-être à ressortir euh, Moi, j'en ai un. On va voir son si en a le même. Ouais, pas évident. Qui j'aurais cité euh... bon, Je te donne du temps. Moi, c'est Mathis Rio parce que. C'est vrai que là, ce n'était pas la charnière habituelle. Normalement, c'est Gomis, Le Monnier. La charnière, elle a été en haut, avec les pierres et pierres. Mais, euh, que Ryu, voilà, parfois, il y avait des courants d'air. On l'a vu en grande difficulté contre QRM. Là, il a presque rien donné. Hein. Euh, il a gagné pas mal de l'air. Il y a une fois où il se fait avoir, je sais plus, peut-être Sina, Yuko ou Kamara qui a pris le dessus en pivot. Oui. Mais, euh, j'ai trouvé beaucoup plus rassurant défensivement que sur les derniers matchs. C'est vrai. Euh, ouais, il a fait un match, euh, je trouve, serein, plein, euh, dans l'énergie, dans le. Dans le... C'est vrai qu'il a, a, a colmaté quand même des brèches. Euh, je trouve qu'il a été vraiment très bon. Euh, moi, j'aurais sorti, peut-être plus Sidibé ou Luiser. En fait, j'ai ouais. beaucoup aimé le minute. De... Luiser a très bien fini le match. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que sur la, dans le passage en 4-3-3, ça a vraiment bien, bien, bien aidé. Euh, mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a des matchs souvent on ressort un joueur qui a marqué ou qui a été ex exceptionnel dans son rôle. Là, c'est vraiment pour le coup une victoire très collective, euh, comme il y en a peut-être rarement finalement. Ou pas si souvent. Ouais. Ouais, écoutez, on va, débriefer, on va débriefer tout ça, euh, chers amis, euh, pour la, la zone mixte. Euh, T'as tout, ton micro, ton micro, ton micro, ton fil, tu l'as aussi, qui va sur le téléphone, parce que ça, c'est le fil de l'ordi. Tac, hop, Gaëtan Pinel est parti. Donc on va vous mettre euh, presque parti. Ouais, les codes, bien sûr. Il euh, faut que je lui envoie les codes, etc. pour qu'il soit bien connecté en bas. Je vais lui donner le code Wi-Fi aussi, Ce qu'on a récupéré le Wi-Fi en zone mix, Ça, ça va être précieux également. On vous laisse avec euh, la petite boucle de, de tout à l'heure, euh, le petit générique et puis le, le best-of euh, à la guingampèse. Allez, on se retrouve. Il est 22h51 à 23h max. On est ensemble pour la zone mix, le débrief, les réactions des vainqueurs ce soir de Guingamp. À tout de suite. François, bonjour, ça fait plaisir de te revoir dans ton ancien stade. Est-ce que tu peux... Hop hop hop, 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 on vous avait prévenu, avant 23h, on était en direct. Le débrief, chers amis, Guingamp, OCR, est-ce que Gaëtan m'entend Fais-moi un signe de la tête si tu m'entends. Euh, Gaëtan, il est présent en zone mixte, il est en train de rigoler. Est-ce que tu m'entends, Gaëtan Gaëtan <laughs> Tac. Euh, je crois qu'il ne m'entend pas. Hein. Euh, on le voit, on le voit, on voit. Est-ce que tu m'entends, l'ami Je te parle. Coucou. Coucou, oui, Gaëtan. J'entends très 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 peu, puisque avec le casque ça marche pas. Ah, mais bon. Alors, euh, un petit euh, mot, Gaëtan. Alors, on va voir. Ta... Attends, je vais me remettre à l'image comme ouais. ça. On va pas avoir ton oreille très proche. Voilà. Ouais, superbe. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de l'action Comment tu l'analyses, L'action qui amène le but au serrois Avec Pierre lemonnier on a mis du temps avant de la comprendre. Est-ce que toi, tu as vu, tu, tu, tu as vu plus clair pas vraiment, pas vraiment, parce que je pense qu'en avant on réclame. C'est une faute hein, sur sur Civis. Euh, ça conteste longtemps, ça se replace plus ou moins. Derrière ça part vite, mais après c'est sûr que si Guingamp n'avait pas gagné ce soir, ça, bon, ce se serait peut-être un peu réfugié derrière ça, dans, dans les réactions d'après match. Faut pas oublier non plus qu'au a remonté tout le terrain, euh, remonté quand même 80 mètres pour aller euh, pour aller égaliser. Donc euh, oui, il y a ce fait de jeu qui peut paraître anodin au départ, qui n'a pas forcément une grande importance à l'autre bout du terrain, et sauf que quand on se régalise, il a une importance tout autre. Mais euh, ouais, c'était assez, assez bizarre, J'ai pas trop compris ce qu'il réclamait d'ailleurs, Maxime Sivis, sur, sur cette situation-là. Eh, bon, écoutez, on va, on va voir, peut-être que les acteurs, eux, auront une autre lecture. Pour nous dire parce qu'en fait il y a, il y a un c'est Pierre lemonnier qui a analysé ça dans un second temps il y avait un ossiro au sol sur le duel euh, qui était au poteau de corner le, le, le était complètement à l'opposé euh, au sol et il s'était relevé au moment où Monsieur le gars arrête le jeu mais le ballon était pratiquement je crois hein, récupéré par les guingampais c'était vraiment très étonnant ce qui s'est passé euh, sur, ce, sur ce coup là bon écoutez voilà, c'est l'histoire du match on n'a pas en reparler. Euh, nos petites copines de la boutique qui nous ont dit de, de, de dire ça. Alors écoutez, on va, alors, on va mettre ça. Regardez. tac, Le calendrier de l'Avent. Ça arrive. Tac. Super. Et en plus, il y a 100 pièces uniquement qui ont été éditées. Mais il y en a qui contiennent une soirée en espace VIP. Pour ceux qui ont fait les visites cet été ou l'été dernier, ou qui ont envie un jour de se faire plaisir, eh c'est à la boutique que ça se passe, les amis. Tentez votre chance. Moi, Gaëtan, peut-être que je vais le faire aussi. Hein. Euh, cette petite, euh, ce petit calendrier de, de l'avant, euh, ça sera au bah, début décembre, évidemment, mais je crois que vous pouvez déjà l'acheter. Hein. À, à la boutique voilà tout Un, une petite chose aussi euh, on a franchi les 1000 euh, les mille calonnes euh, les 1000 nouveaux calonnes Gaëtan Pinel euh, a été euh, a été l'un d'entre eux j'ai été l'un d'entre eux aussi euh, cet après-midi voilà comme ça c'est fait deux nouveaux calonnes euh, dans l'équipe euh, d'Alain euh, et euh, on va pas réécouter Yves euh, Livro. vous l'avez eu à la mi-temps il est encore euh, disponible sur tous nos, nos réseaux sociaux hein, Facebook Instagram euh, Twitter notamment enfin X il faut dire X Maintenant. Euh, avant la première réaction, on va s'intéresser maintenant à notre sujet du soir. On a suivi durant cette soirée, depuis 18h, hein, près de 3h avant la rencontre, nos camarades de Be In Sport, avec notamment François Rabillet, le commentateur de cette, euh, de cette chaîne des matchs de Ligue 2, les matchs de lundi. Eh bien, regardez, on était dans le car régie euh, avec lui tout à l'heure. Le car il est tout en bas de la présidentielle ici, euh, au... en bas vraiment sur un, un parking euh, qui est euh, bien séparés du reste du stade. Vous voyez qu'ils sont encore à l'antenne. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les projecteurs et les caméras qui sont juste là. Ils sont encore là. Peut-être qu'on aura François dans quelques instants avec nous. Mais il nous emmène dans le car régie. Vous verrez à quoi ça ressemble. Et bien, dans, dans quelques jours sur Alain Guingampaise. Mais voici un petit extrait. Qui se mélange le réalisateur Denis. Viens avec moi. Avec sa casquette, c'est l'un des réalisateurs phares du foot sur sur Bein Sport. Euh, il est en train de bah voilà de se de, de faire le brief avec ses équipes, avec Bertrand Joncourt qui sera son relais sur le terrain. Lui, c'est l'assistant réel avec sa casquette là-bas. Donc lui, il est sur le terrain, toujours en lien avec, euh, avec Denis. C'est Denis qui va lui dire, euh, euh, je ne sais pas, lors des plateaux d'avant-match, euh, fais ça avec quelqu'un, demande à tel cadreur de faire ça. C'est vraiment le lien euh, de Denis, mais sur le terrain, Bertrand. Voilà. Vous avez vu le cas régie, vous verrez aussi le bord terrain, comment ils se préparent en haut. Euh, là, ils sont dans l'émission d'après-match, hein, nos amis de, de Bin. Donc, on, on attend, on va jeter un coup d'œil sur le classement parce que là, ça va être... Très sympa à regarder les amis, ce classement de Ligue 2 avec cette belle opération Guingampès. Donc il est, les, les Bretons remontent à la sixième place du championnat. Laval premier, 29 points. Deuxième Angers, 26. Troisième Saint-Étienne, 24. Quatrième Auxerre, 22. Cinquième Grenoble, 21. Sixième Guingamp, 20 points. Tout comme Ajaccio. 8e juste en dessous à 1 point, notre prochain adversaire, Rodez. 19 points aussi pour Ramien. 18 pour Pau, qui est à 10e, 11e, Bastia, 16 points. 12e Caen. Annecy, Concarneau, 15 points. 15e, Paris FC 14. 16e, 3, 13 points. 17e, c'est la surprise de ce début de saison. Bordeaux relégable avec 12 points. 18e, QRM, 10 points. Et les deux derniers, sont les deux équipes du Nord, Dunkerque. Et Valenciennes avec 9 longueurs. Gaëtan Pinel, je, je monte un peu le, le volume. Voilà. Gaëtan, quel est, quand tu regardes le classement, là aujourd'hui après 13 journées, donc quoi, un tiers du championnat sans doute, euh, qu'est-ce qui te surprend le plus dans ce, dans ce championnat Je vous répondrai plus tard parce qu'on a l'entraîneur Stéphane Dumont qui arrive à, à notre micro. Je vais donc inverser la caméra. Ah. Ça va ça bien. Voilà. bien arrivé, Gaëtan avec Stéphane Dumont. Tout de suite. C'est sur... ah parti, C'est parti. parti. Stéphane, ça y est, Guingamp a réussi à faire basculer le match, le scénario en sa faveur et à le faire tenir, surtout sur la durée. Ouais, exactement. C'est bah, très positif On a joué face à une belle équipe et, euh, qui, qui était vaincue depuis un, un long moment à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a... On a eu une grosse débauche d'énergie. On a eu le mérite d'ouvrir le score. mais c'est vrai que on a eu un passage jusqu'à l'égalisation où, même si en deuxième mi-temps on ne concédait pas grand-chose, on était un peu voilà, face, à, face à une belle équipe et on, et on souffrait un peu. Et c'est vrai que cette égalisation auxerroise nous a remis un, un regain d'énergie et on a réussi à aller. Aller bah, accrocher ce, ce, cette victoire et puis, et puis surtout la, la préserver. Donc, on a tiré aussi des leçons de, des semaines précédentes. On est très peu mené depuis le, depuis le début de saison. Et, et, et c'est vrai que voilà, quand l'adversaire la, quand a égalisé, on aurait pu croire qu'on aurait, qu aurait sombré, qu'on aurait souffert. Mais je trouve que voilà, le groupe a été, a été top. On a quand même perdu Mehdi en, en début de match. On a eu pas mal de, de faits de jeu sur l'action, sur l'égalisation. Voilà, y a, y a le, le, le ballon s'arrête, il est dans nos pieds, il le redonne aux auxerrois. Il enfin, y a eu plein de, 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 de faits comme ça qui, qui nous auraient laissé penser, qu'on aurait pu souffrir. Malgré tout, les joueurs ont été incroyables de débauche d'énergie jusqu'au bout et on a été récompensés. Sur certaines séquences, vous avez un peu souffert. Hum. Est-ce que ça fait du bien de gagner des matchs comme ça où on peut courber, euh, laisser passer l'orage Ça fait du bien de gagner des matchs euh, sur... Le... Ouais, ouais, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on, on pouvait... Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable de réciter tous les week-ends. Et puis surtout face à l'adversité, donc il faut être capable de souffrir. Et je trouve que plus le match a avancé, voilà, en deuxième mi-temps, on n'a pas concédé d'occasion. Euh, on a souffert dans la tenue du ballon. Par contre, on a peu concédé, pas concédé. C'est vrai que... Euh, voilà, il, y a eu des choses, il y a eu des choses intéressantes après, le, après la, la sortie de Midi malgré tout le, le repositionnement d'Ahmad au départ à droite puis après on a changé à la mi-temps et ça nous, a, ça nous a quand même amené beaucoup de, plus de verticalité dans le couloir gauche euh, les rentrants ont été de qualité parce qu'ils nous ont permis d'aller gagner des fautes des, des, des ballons et puis, et puis je vous dis, il y a eu une débauche d'énergie incroyable et dans ce genre de match, c'est important contre une très belle équipe ouais, une une qu'on a vu ici pour ouais, exactement. sur un plan technique c'est... Ouais. C'est très fort et, et, ça, et ça relève le mérite de l'équipe de, de s'accrocher, de, de batailler, de prendre ses trois points. Maintenant, on a joué lundi, on a eu une débauche d'énergie incroyable, on rejoue samedi. La dernière fois qu'on a fait enchaînement lundi-samedi, on avait gagné lundi et perdu samedi. Donc, ben, une nouvelle fois, il faut, il faut progresser. C'est ça ouais, la, la prochaine étape. Il n'y a jamais eu deux victoires de rang cette, euh, cette saison. Maintenant, c'est de, de, de passer à, à cette, cette étape-là. Ouais, c'est de passer à essayer de faire deux victoires d'affilée, maintenant on est à six matchs sans défaite. Mm. C'est quelque chose qu'on fait perdurer et c'est pas négligeable non plus. On voit que malgré tout, bah, même si parfois on a été un peu brouillon, même si on s'est accroché, c'est quand même compliqué de nous jouer. Mm. Et, euh, et voilà, on n'a pas été épargné, je vous dis, on a eu la blessure de Mehdi qui, qui malgré tout ça fait deux, trois fois qu'il rechute et ça c'est un peu embêtant. Et on ne sait pas. Cuisse. Ouais, c'est mystérieux Et on ne s'est pas désunis, les rentrants ont été de qualité, on a fait les choses qu'il fallait. On est, sur le dernier quart d'heure, on est passé à trois pour, pour pouvoir se sécuriser, notamment moins concédé sur la largeur. Ce qui, vraiment, ce, qui, ce qui me plaît vraiment au-delà du, du résultat, c'est de vraiment avoir concédé aucune occasion en seconde période. Et ça, face à cette équipe-là, qui malgré tout voilà, est capable d'habitude d'en avoir un paquet, nous n'a pas été mis à contribution en seconde période. Et ça, c'est quelque chose qui me... Bah, qui me conforte dans l'idée qu'on qu fait de, de bonnes choses. Avec des attitudes défensives aussi assez assez remarquables. On a vu Amadoussania euh, beaucoup défendre dans son ouais. couloir, Khalidou Sidibé et les autres. C'est quelque chose aussi qui peut amener, euh, amener quelque chose à cette équipe, quoi. Ouais, ouais Après le, le fait de défendre, euh, enfin, on le fait tous les week-ends. Il y a une débauche d'énergie, franchement incroyable de, de la part du joueur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est, elle, est, elle, est, elle est prononcée. Euh, encore plus qu'à l'accoutumée, la, qu parce que l'adversaire est de qualité, parce que le scénario, parce qu'à la fin, il a, voilà, ça s'envenime un petit peu. C'est logique. C'est des équipes qui n'ont qui ont pas l'habitude de perdre et, et, euh, et de se retrouver aussi dans cette situation-là. Mais euh, maintenant, on a joué face à une belle équipe et on a, on a livré un, un, une vraie bataille qu'on a, qu a remportée. Et ça, c'est positif. Il a eu un petit peu plus de vis un petit peu plus de métier Exactement. aussi en fin de match. Est-ce ouais. que ça aussi. Ouais, euh... je, suis, je suis totalement d'accord avec vous. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur la capacité à. Au-delà du système, de pouvoir changer si on devait préserver euh, le score, d'avoir une occupation de la largeur plus prononcée, mais aussi d'avoir un peu plus de maturité, euh, d'être capable de gagner un peu de temps, d'être capable de, de garder des ballons, d'obtenir des fautes importantes à ce moment-là du match. Et c'est vrai que même si ça a été parfois décousu, je trouve qu'ils y ont mis euh, des bonnes intentions là-dedans. Et, et ça veut dire que quand on essaye de corriger, ils, euh, ils essayent d'effectuer de, bah, ce qu'on leur dit. Et, et ça, c'est le plus grand. Euh, euh, Compliments, compliment, je peux leur faire. Si vous utilisez mon classement accessoirement, c'est pas mal. Ouais, au-delà de... de... au oui. du classement, c'est les 20 points. C'est oui. la, la barre des 20 points euh, après, après 13 journées, ce qui n'est pas négligeable. C'est le fait de continuer à marquer des buts. Je crois qu'on est à 20 buts marqués. Euh, si oui. ma image d'affilée sans défaite. Il voilà, y, a, y a plein de choses positives. Après, là, on va, on va jouer à la Rodez, On n'aura pas Mehdi, on n'aura pas Maxilis qui a pris rouge. Voilà, donc il va falloir une nouvelle fois faire, faire appel à à l'esprit du groupe et à la qualité du groupe mais voilà ce soir ils ont du présent ouais, c'est tout un côté droit à, à revoir finalement là exactement. pour le, le match à Rodez Ouais exactement, exactement. Euh, celui qu'on construit depuis un petit moment euh, bah, c'est vrai qu'en ce moment il est un peu euh, il n'est pas épargné hum. euh, parce que Mehdi euh, a raté quand même quelques matchs euh, et là, max oui mais euh, en même temps on a, on a des joueurs de, qui, sont, qui sont là qui couteau entre les dents, qui n'ont qu'une envie, c'est de venir de venir croquer là-dedans, et, et ça se ressent aujourd'hui. enfin, Il n'a qu'à regarder un Gaëtan courté. Aujourd'hui, je lui ai offert que cinq minutes plus les arrêts de jeu. Et pourtant, il a été incroyable de débauche d'énergie sur sur la dizaine de minutes. Voilà, Ça ça, ça montre l'état d'esprit du groupe. Il a pris un jaune après le match. Et il a pris un jaune, mais ah, ça montre l'état ouais, d'esprit du ouais, groupe. <laughs> mais le match était fini. Merci Stéphane. Heureux. Merci. <laughs> Le coach Guingampais forcément satisfait de ses trois points engrangés face à la Pylocède ce soir. Exactement, exactement. Euh, Gaëtan, je crois que tu vas m'entendre. Euh, je t'ai envoyé un petit message, on va couper euh, ton retour pour refaire une connexion, pour avoir un, un son un, un poil de un meilleur. Ça y est, il a, il a fait ça. Du coup, on va vous reproposer l'interview d'Ivo Livreau. Juste le temps, parce doit, je vais envoyer un code par téléphone à Gaëtan pour refaire la connexion. Vous en faites pas, vous n'avez rien raté. Ivo Livraud avec nous et on revient avec Gaëtan tout de suite. Euh, alors j'allais dire renouvellement. Non, ce n'est pas tout à fait renouvellement. De nouvelles adhésions Calonne. Qu quel est le bilan aujourd'hui on est super content du bilan. En fait, initialement, on visait 400, 500 personnes. Euh, Aujourd'hui, on en a 850, à l'heure où on se parle. Euh, évidemment, il y a la barre symbolique des 1000. On adorerait pouvoir la dépasser. Ça serait formidable. Ça donnerait des ressources énormes à l'association et ça nous permettrait de gagner de nouveaux canons sur le long terme. Donc, C'est ce qu'on cherche. Donc, On va essayer ce soir, lors du match contre Auxerre, de faire le maximum. Justement, ce soir, vous serez où exactement pour les supporters qui voudraient avoir eux aussi leur plaque Alors, il y a trois points. Le premier point, c'est euh, la voie ferrée. Donc on aura un espace là-bas de possibilités pour les gens qui veulent payer en chèque, en espèces ou en carte bleue de venir sur place. Le deuxième, ce sera dans le fan truck qui se trouve dans l'allée principale. Et le troisième, il sera virtuel en fait. C'est-à-dire que les gens pourront continuer de connecter, se connecter sur www.calonne.bzh pour cotiser. Et on distribuera des flyers. Il y aura aussi quelques affichettes dans le stade pour communiquer sur cette opération. Et la suite pour ceux qui ont pris leur, leur adhésion calonne aujourd'hui, quelle est la suite pour eux Quand est-ce qu'on recevra les plaques Comment ça se passe Alors j'ai appelé le fournisseur tout à l'heure qui est un fournisseur de Guingamp hein, qui fait tout lui-même, fabrique les plaques lui-même et bon, il les imprime. Euh, il m'a juré vraiment ses grands yeux et je, je le crois totalement que ça serait prêt avant Noël, donc qu'on puisse avoir le temps nous de les mettre à la poste. Donc euh, on devrait pouvoir les envoyer pour ceux qui font des cadeaux notamment avant la date fatidique du 24 décembre. Alors, euh, regardez, François Rabillet, il est avec nous de, 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 de Bin. Bon, comment on sort d'un match Alors nous, on est partisans Guingampé, évidemment, euh, avec un, un maximum d'objectivité, on espère. Mais quand on est neutre, comment on sort de, de ce match, François Objectivement... Euh... Auxerre à rien pour lui en ce moment, selon moi, et je suis pas supporter au ni supporter Guingampé. J'adore les deux clubs. Euh, cette équipe là, elle aura dû gagner il y a deux journées contre, euh, contre Caen. Euh, ça passe pas. Elle tire 25 fois au but contre Dunkerque. Ça passe pas. Elle touche le poteau pour la septième fois de cette saison. Euh, ça passe pas. Guingamp a cadré sur euh, le coup franc d'Eloisani légèrement dévié d'ailleurs, ça passe le CSC de Pelnard. Euh, moi j'ai vu une bonne équipe de Guingamp en première période euh, qui s'est procuré un peu moins qu d'occasion qu'Auxerre mais ils ont répondu présent, ils les ont regardé dans les yeux, c'était intéressant en deuxième, Guingamp a beaucoup subi je trouve mais 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 c'est engouffré dans les brèches, il y en avait pas beaucoup ils se sont engouffrés tant mieux tant mieux euh, ils ont eu euh, l'efficacité qui qui échappe cruellement à ces pauvres cervois. parce qu'en ce moment ça fait euh, ça fait trois euh, matchs qu'ils ont ils, ils sont poissards ils sont poissards après euh, euh, ouais moi c'est mon analyse d'image, mais là euh, c'est un peu l'analyse à chaud. <laughs> alors là, il faudrait que je revoie tout, mais... Euh... Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé sur le but d'Auxerre avec le, la balle à terre en pleine action alors que le joueur n'est plus au sol Il y a eu un moment un peu de tergiversation quand même. Ouais, moi, il faudrait que je revoie cette action. Euh, J'ai vu les Guingrampaix. Euh... Contesté parce que oui, il y, avait, il y avait une embrouille, mais je vois surtout qu'il y a quand même 5, 6, 7 passes pour arriver jusqu'à Perrin, que Perrin fait un exploit personnel et que ça fait but au bout. Alors je veux bien qu'on revienne au tout début et à l'origine, mais en, entre temps, il y avait quand même euh, peut-être la manière de, peut-être moyen aussi de stopper de, de stopper, euh, stopper euh, l'offensive Serroises. Donc, euh, à vrai dire, il faudrait que je revoie. Je me souviens plus précisément du pourquoi du comment, mais par contre, je me souviens bien de la circulation du ballon au serroises et de, et de ce beau but de Gaëtan Perrin. Et puis, ça n'a pas eu de conséquence pour, pour Guingamp qui gagne. Qui gagne euh, pour une fois, euh, Guingamp a été robuste après une égalisation adverse. Euh, ça, c'est le grand enseignement, je trouve, de la soirée. C'est Guingamp. Euh, est parvenu à reprendre l'avantage. Cette équipe-là se faisait souvent rejoindre et parfois le match en main. Et puis ça se goupillait mal ensuite. Euh, Peut-être une gestion émotionnelle qui n'était pas bonne du fait. De... Et, et là, ce soir, Guingamp, euh, en se dépouillant vraiment, euh, est parvenu à le faire. Je pense que euh, dans l'état d'esprit, ça peut être un truc un peu référence, quoi. Parce que là, ça a été un match de combat. La fin du match, on les a tous vus avec des crampes. Au sens propre et au sens figuré aussi. Dans oui. tous les sens, le combat. Alors là, pour le coup, c'est le gros point noir des océans. Comment alors que cette équipe a encore la possibilité de revenir, Raveloson, qui vient d'entrer en jeu, qui est théoriquement plus lucide que les autres, vient mettre une baigne à CDB. À, à C'est totalement invraisemblable quand même. Il y a une petite faute de CDB. Enfin, ça, ça C'est totalement injustifiable. Et on a eu euh, il y a quelques secondes euh, Pelissy en interview. À mon avis, euh, il va en entendre parler Raveloson parce qu'elle était furieuse. C'est totalement anormal. Mais du côté Guingampé, les mecs ont été exemplaires. C'était ce soir des, 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 des vrais guerriers. Et, euh, et moi, c'est ce que je retiendrai surtout. Et puis dans le jeu, en première période, encore une fois, il y a, il y a eu deux, trois situations. Tu auras pu marquer aussi, c'était pas mal. C'était pas mal. Même si je pense que la GIA est quand même, en ce moment en tout cas, un peu un, un cran au-dessus. Le produit de la GIA est un peu mieux fini en ce moment. Mais, mais cette équipe de Guingamp jouera avec les meilleurs, c'est sûr. Justement, c'était ma dernière question. Toi qui fais tous les matchs du lundi, je crois, où est-ce que tu situes Guingamp par rapport au reste de la concurrence Alors, ça ne va pas être cohérent avec le classement. Moi, ce qui m'a impressionné le plus depuis le début de la saison, euh, en, en termes de constance dans le jeu et dans le niveau de jeu, c'est la JOCR. Alors, ça marche plus, plus depuis trois matchs, mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Il y a un fil conducteur. Et je crois que cette équipe joue bien aujourd'hui et qu'elle jouera bien jusqu'à la fin de la saison. Quand elle retrouvera soupçon d'efficacité, tu le sais, c'est des cycles. Euh, elle redeviendra redoutable. Moi, ce qui m'a le plus plu cette saison, c'est la J.O.C.R. Euh, sainte a fait un excellent match contre le Sco d'Angers la semaine passée, mais on s'est rendu compte que c'était un feu de paille parce qu'il y a eu une défaite dans la foulée. Donc, moi, je mettrais vraiment au au-dessus du lot. Et je dirais où seraient les autres en fait, euh, en termes de jeu. et les... Guingamp dans le paquet. et Guingamp dans le paquet des 5-6 euh, des, euh, des équipes. Euh, mais c'est un championnat qui est totalement dingue. Grenoble qui prenait pas de but, qui était même séduisant dans le jeu. C'était quelque chose qu'on n'est pas l'envers et est en train de, de, de perdre des points en ce moment. Euh, on parle parle évidemment pas de Bordeaux. Synthétisme. Sainté imprévisible, euh, tu as qui encore devant euh, le Sco. Le Sco m'a plu à Sainté malgré la défaite, le Sco m'a beaucoup plu à Sainté. Allez, je vais dire, au serre un cran en dessous Angers, et puis après, un espèce de, de boulot euh, ouais, avec, avec euh, du guingamp. On s'est dit quoi, du, du Grenoble, du, du Sainté euh, et on en oublie. Quand compliqué quand hein Ça fait quand même deux mois que ça, ça, ça avance plus. Euh, non moi je... Ayatch hein Ayach. Bah, Attention 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 à Ajaxio parce qu'on n'en parlait pas parce que mais il y a toujours une équipe corse qui s'en sort et, et tu vois sans faire de bruit des petites victoires machin truc ils sont fait les laminés ici et depuis la défaite ici euh, ça va beaucoup mieux pour la CA donc attention à la CA euh, mais mais, mais, mais Guingamp sera. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis il y a un état d'esprit. Parce que ce soir, j'ai vraiment vu des, des guerriers. Quoi. Et la moitié de l'équipe, euh, on a dû arrêter le match dix fois. Les mecs avaient tous des crampes. Bon, peut-être que certains, c'est des crampes un peu diplomatiques. Ah bah on, voit, mais... on voit tellement nos adversaires faire ça. Bon, c'est bien aussi de les voir apprendre, nos, nos petits Guingampés. C'est bien, bien, ça avance bien. Même si euh, le résultat ne le montre pas. Mais je pense que euh, la GA est encore la meilleure équipe du championnat. Mais. Voilà. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup. Oui, au CERC, c'est pas mal. Hein. Techniquement, c'est la meilleure équipe. Ouais, on, a, on a un peu souffert ce soir. Je vois notre petit gars étant qui est en zone mixte. Visiblement, il y a toujours personne. Euh, François, merci beaucoup. Ouais. Petit reportage à venir hein, euh, sur Alaguingampèze, sur les coulisses. Ouais. Bon, on, va montrer, on va montrer tout ça. Très vite, euh, à bah, pour un prochain match à lundi. Bah, oui. Normalement, là, vu qu'on a gagné, oui, c vous devrez revenir dans pas longtemps. On verra. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt, François de, de Beansport Sport qui commentait ce match donc euh, à la télé. Euh, Je vais regarder vos commentaires, vos questions, si vous en avez, euh, les amis. Après. Cette rencontre, cette victoire de Guingamp, voilà. Et puis surtout cette série qui est un petit peu transformée, hein, euh, parce que il bah, y avait de l'invincibilité avec beaucoup de matchs nuls. Donc forcément, ça n'avançait pas. Mais là, dès que vous avez une victoire, et surtout la manière dont elle s'est dessinée dans un match qui ressemblait tellement au précédent, voilà. Là, ça fait vraiment, vraiment du bien au moral. Guingamp Alors, un point sur les joueurs suspendus ou sur en sursis. Oui, ça, c'est sur Twitter à chaque fois. Oh popop, je vois Gaëtan bouger. Euh... Hop, ah, Gaëtan, vas-y, dis-moi. Ouais, Gaëtan, fais coucou. Tu fais aussi. Alors, je sais pas. Euh, je, je vais l'envoyer un SMS. Que je le vois. Euh, attends, je, mais je te voyais. Je te voyais. Euh, on refait une connexion. Voilà. Bon, les amis, on va, on va faire ça en direct. Vous allez voir. Je vais close Gaëtan. On va le faire ensemble. Alors, pour avoir Gaëtan, il faut. Créer un appel vidéo et que je lui envoie un code à 8 chiffres, je crois. Donc là, c'est le 2771, c'est le 8736, c'est même 10 chiffres. Hein. Et tac, et là, et paf Donc là, il a son nouveau code. Je fais OK. Le truc va arriver sur mon sur mon petit écran. Et normalement, on va voir Gaëtan euh, s'afficher. Je peux vous montrer tout ça. Hein. Le petit logiciel de montage. Voilà. Allez. Nous, bah, on est à gauche. Là. Là, c'est Yves-Olivreau, c'est la vidéo. Et voilà, Gaëtan, il est là. Bon, allez, on va voir s'il si, si nous entend. Et si on va pouvoir faire une petite interview avec lui. Gaëtan, m'entendez-vous Gaëtan, Gaëtan. Je ne vous entends toujours pas. Euh, donc, impossible de savoir quelle est la, la question. Mais si c'est celle d'avant de, euh, de, l'arrivée de Stéphane Dumont. Quelle était cette question d'ailleurs euh... Je lui ai envoyé les questions. par Je l'ai oublié, mais enfin, je vais la recevoir dans un instant. Voilà, alors mis autre, votre euh... message, ton message. Euh... Victoire Référence point d'interrogation. on fait ça, on fait ça à, à, à l'ancienne. Euh, victoire Référence, donc il va la recevoir. Voilà. Alors Victoire Référence. Euh... Ouais, je pense quand même parce que quand je disais tout à l'heure que ça pouvait être le début d'une nouvelle phase dans la saison de, de, de Guingamp. Euh, référence non pas forcément par le jeu, mais je trouve par le, euh, le fait que c'est une victoire qui était un peu arrachée, un peu à l'énergie, à, à l'envie là pour aller tenir le, le score, ce que Guingamp n'avait quasiment pas fait jusque là, sauf à Caen sur la, la fin de match aussi. Euh, après, c'est vrai que dans le dans le jeu, c'est pas le meilleur match qu'on ait vu de, de Guingamp, mais fallait dire faut dire aussi qu'en face, euh, Auxerre euh, techniquement c'est à l'aise, il euh, y avait de l'intensité. Je trouve que c'est très 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 cohérent et ça peut devenir référence en effet grâce au fait de, de tenir ce score sur la fin de match que Guingamp n'a a quasiment jamais réussi à, à faire. Donc oui je pense qu'en ce sens on peut, on peut dire que c'est une victoire référence ce soir et maintenant et il faut la bonifier par une deuxième consécutive parce que Guingamp ne l'a jamais fait mais en tout cas c'est un bon point de départ. Ouais, ça sera quelque chose à faire. Hein. Pour les Guingampés, autre question, on en parlait François Rabillet, je voyais vos commentaires, c'est qu'on a oublié Laval, c'est terrible, pardon, hein, qui est l'arge leader. Hein. Voilà Gaëtan qui va, qui va répondre à la question. Quelle est pour toi la meilleure équipe de Ligue 2 Est-ce qu'il a reçu la question voilà, Ça fait comme, on a, comme quand on a un envoyé spécial à New York avec le décalage. La meilleure uh, équipe Qu'est-ce que tu penses de la meilleure équipe Ligue 2 Allez. Allez mon pépère! Oh, regardez, il fait comme un. Ouais, la... Ah, la meilleure équipe de Ligue 2, euh, bah, je pense bah, c'est pas loin d'être au cerf. Il hein, euh, saint étienne et Angers qui, qui aussi dans le jeu, là, commencent à être de, de mieux en mieux. Euh, J'ai pas beaucoup vu Angers. Euh, J'avais un peu plus vu au justement. Mais euh, ouais, je pense que ça se, ça se bat entre les trois là: Angers, saint étienne et, et Auxerre. Euh, difficile peut-être pour l'instant d'en détacher une vraiment euh, euh, de manière, de manière euh, nette. Mais euh, ouais, je, je pense que ça se joue entre les trois là. J'arriverai pas à en citer une vraiment, mais je, je mettrai les trois là dans, dans le lot. Avec euh, Saint-Étienne, quand même, je trouve qu'il y a ce, le, le fait de s'appuyer sur une... Euh, bah depuis son 4-3-3, c'est vraiment vraiment fort, je trouve offensivement assez spectaculaire aussi. Même s'ils ont perdu 1-0 ce, ce week-end, Laval, Laval non parce que en effet c'est costaud, mais Laval c'est coup de pied Ce c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Même ceci dit, contre le match contre saint etienne j'ai regardé Laval saint etienne euh, c'était euh, Laval, c'était autre chose que ce qu'ils avaient proposé face à face à Guingamp. C'était un peu plus élaboré quand même, il y avait plus de séquences de jeu. Euh, que de que de, que de coups de pierre été. Euh, Je trouve que c'était c'était un peu plus recherché. Après, euh, c'est pas la plus belle équipe, non, non, parce que c'est quand même beaucoup de coups de pierre C'est une équipe solide, oui, efficace, oui, et, et on peut pas leur enlever. C'est c'est déjà un très bon un très bon point. Mais de là à dire la plus la plus belle, non, je mettrai pas laval, euh, laval Je mets en dessous euh, en dessous les trois cités précédemment et en dessous certainement d'autres. Je pense que Guingamp, c'est quand même plus sympa aussi à regarder que, que Laval globalement, hein, mais encore bravo à ce que, ce que fait Laval, ça c'est indéniable. Mais en termes de, de, de jeux proposés, de beauté à regarder, non, je mets pas Laval dans les 3-4 premiers. On va faire un, un petit point sur euh, la, la suite, euh, alors il y avait un, un guingampé sous le coup d'une suspension en cas d'avertissement aujourd'hui, c'était Louiser je remercie encore notre ami BZH sur Twitter qui nous fait le point à chaque fois, euh, Louiser était menacé et il n'en a pas eu, c'est un des rares qui est passé euh, à travers les gouttes, hein. dans, cette, euh, dans cette soirée on va faire le récapitulatif un peu de ce match et surtout des cartons, parce que notre ami le gars, là, je ne sais pas s'il a une, une prime au carton mais c'était invraisemblable, ce qui nous est tombé sur la tronche en, en seconde période, Première période, carton jaune pour Camara, euh, l'Auxerrois. 41e, euh, le changement, la blessure malheureusement de Merghem, rechute. On l'a entendu avec euh, Stéphane Dumont, euh, hélas. Euh, blessure à la 41e. 46e, faute de Gomus, c'est un jaune qui était logique. Euh, ouverture du score pour Guingamp, Théo Pelnard contre son camp à la 51e, juste après une frappe sur le poteau euh, de Louis -R. 70e, carton jaune pour Guillaume. 71e carton jaune pour Sania, 72e but de Perrin, 73e carton jaune pour Sivis, 77e dans la famille carton jaune, je demande Kalidou Sidibé, puis Agouzoul, c'est sur le coup franc qui amène les, le deuxième but de Guingampé de El Ouazani, coup franc direct, et puis euh, distribution de biscottes après une distribution de pain un coup de poing de Ravelozone sur euh, uh, B qui va sans doute, sans doute lui valoir cher. Civis a un peu pété un plomb aussi. Carton rouge également. Carton rouge direct hein, pour Civis. Ça, ça a son importance dans la suspension. Et puis des jaunes aussi pour Courtet, Pelnard, euh, 90 plus 10, une farandole, une farandole de carton de nos amis, de notre ami euh, Legat, enfin notre ami, oui notre ami, ce qu'on a gagné. Mais bon, on était quand même un peu, un peu chafouin, fut un temps dans cette rencontre. L'info du match, on le rappelle aussi, c'est euh, les 1000 calonnes, 1000 nouvelles adhésions, c'est fait, c'est enterriné, bravo euh, ami Calonne d'avoir réussi, ce euh, nouveau coup de force. Euh, et On est content avec Gaëtan d'être devenu Calonne. Alors, je regarde Gaëtan pour voir s'il y a une réaction à venir. Pour l'instant, non. Regardez le stade. Voilà. C'est toujours. Euh, J'adore toujours vous montrer ça. Voilà. Le, le, le calme après la tempête. Euh, je, je, vais, je vais demander à Gaëtan. Ça bouge Point d'interrogation. Tac. On fait vraiment ça à l'ancienne, hein, les amis. Ça bouge pour l'interrogation. J'espère qu'il va avoir mon message arriver. Tac. Non, ça bouge pas. Euh... Raconte-nous l'ambiance autour de toi, autour de toi. Oh là là, l'ambiance, c'est pas bon du tout. Sachant que les joueurs en fait là, ils ont euh, soins, massage, repas, bain froid, et après ils ont les journaleux. Donc je peux vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge ce soir. Je vais avoir les pieds frigorifiés. Gaëtan doit nous raconter l'ambiance. C'est très calme en, en zone mixte. On est trois, trois exactement pour l'instant à attendre qu'un joueur d'en avant arrive. On nous a dit que c'était pas forcément sûr euh, qu'on ait, qu ait quelqu'un. Bon, je pense qu'on aura quand même au moins, au moins un joueur. Euh, on a on a euh, des joueurs qui sont évidemment en soins puisque. Il y a match samedi soir à Rodez, match en semaine, c'est vrai qu'il y a les protocoles soins qui arrivent assez vite après le, le coup de sifflet final, mais bon c'est étonnant qu'on n'ait pas vu un joueur se présenter à, à nos micros là, depuis le, 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 la fin de, de la rencontre, donc bon pour l'instant c'est très calme, on débriefe un petit peu avec les, 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 les copains qui sont, qui sont en bas, mais euh, c'est vrai que pour l'instant ça ne, ne bouge pas et on nous disait que bon visiblement il fallait attendre encore un petit moment pour avoir... Euh, pour avoir quelqu'un et pas sûr qu'on ait quelqu'un. Donc on va voir ça. Après c'est vrai qu'on... Dehors vous le voyez un petit peu derrière moi. Il euh, n'y a plus de grand monde. Hein. Euh, c'est vrai qu'on est un... lundi, Forcément voilà, les gens sont un peu partis aussi du, du stade. Il n'y a pas une cohue à attendre les joueurs à, à la sortie des, des vestiaires. Mais euh, bon... Nous on les attend en tout cas avec impatience. C'est vrai que pour l'instant c'est très calme. On est allé un petit peu en éclaireur à l'entrée du couloir des, des vestiaires et, et tout est fermé à l'horizon du, du vestiaire d'en avant. Donc pour l'instant aucun, aucun mouvement dans cette zone mixte de roue de roux. Voilà, ça crépitait un peu le, que... le micro de, de Gaëtan. Donc je pense qu'on va, bien non, même quand ça gagne. Euh, on va arrêter la on va arrêter et repartir. On relance un appel. Je vais lui dire ça. Euh, pendant ce temps-là, je vais vous. Je vais répondre à vos questions. Peut-être si vous en avez. Hein. Je, je regardais tout à l'heure. Il n'y en avait pas. J'attends vais... de voir quand Gaëtan va se déconnecter. Alors, sur YouTube. Eh, les gars, on a pété les scores d'audience hein, ce soir. Euh, C'était super. Euh... Alors, Active Group, je vois des allées dehors au cerf sur YouTube. Non, mais c'est nos copains quand même. Bon, c'est Tony qui, c'était la première fois qu'il nous regardait, c'est top. Ben merci, c'est super. Parlez-en autour de vous, hein, c'est euh, super important. Euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément accès au, au match, aux matchs, aux retransmissions, c'est euh, quelque chose euh, voilà, de nouveau encore. Hein, à la Guingampèze, c'est tout frais. Alors, on n'a pas eu de coupure aujourd'hui, le micro ici n'a pas. N'a pas crépité non plus. Je crois que l'ambiance, j'ai cru comprendre et entendre que le... On n'entendait pas forcément très bien le son du stade. Donc on va voir peut-être qu'on mettra un micro d'ambiance euh, pour mieux entendre ça, si jamais. Parce que là, en fait, on a changé d'ordinateur aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça n'a pas capoté. Le réseau a super bien marché. Euh, donc on est super content. Euh, voilà. Et en plus, il y a eu la victoire. Pierre Le Monnier qui est avec nous. Mais voilà, ça aurait été mieux d'avoir un deuxième micro. Euh, mais bon, là, on a changé euh, la dernière minute d'ordinateur. Et ça a beaucoup mieux marché avec celui-ci. Donc je pense qu'on continuera comme ça, surtout sur les matchs à domicile qui sont plus costauds. Euh, bon, est-ce que Gaëtan a arrêté son direct. Non, bon, moi je vais l'arrêter. Je vais lui relancer un, un nouveau code. Euh, J'espère qu'il va qu'il va voir son, qu va regarder son téléphone. Nouveau code. Je, je crois que c'est le sixième code que je lui envoie ce soir. Appel vidéo, Gaëtan Pinel. Allez, c'est reparti tous ensemble. 21, 55. Non, 52, 25 et 57, 3. Attends, je ne veux pas faire de bêtises. Hein. Et le tac-tac-tac, il arrive. Voilà, paf, nouveau code, paf. C'est parti. Euh, vous avez eu aussi le quiz. Hein. On, a, on a pas mal d'équipes qui se sont inscrites déjà. Euh, on doit avoir la moitié de la capacité du resto qui est, qui est, qui est prise. Donc c'est cool. Il y a pas mal d'habitués aussi. Donc on sait qu'il y aura du niveau. Mais voilà, j'entends tout le temps des, des, des gens qu'on essaye de chauffer un petit peu sur les quiz et qui me disent hey, Je suis nul, je veux rien savoir. Mais c'est pas le but des quiz de gagner ici. Le but, c'est de s'amuser, c'est de reparler, de revisiter un petit peu l'histoire de Guingamp, rigoler entre nous, euh, échanger avec les supporters c'est vraiment ça qui est, qui est sympa. Hein. Les, les, les soirs de quiz à la mandoline, on le rappelle, ce sera le jeudi 7 décembre. Puis il y aura des cadeaux à gagner. On garde le suspense encore un petit peu, mais euh, euh, voilà. Il y aura pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y aura mon livre euh, sur mes années à la radio, notamment. Il y aura des anecdotes sur Guingamp, des, des commentaires que je vous raconterai aussi. Euh, voilà, c'est il y aura ce livre à gagner et à acheter. Mais si vous êtes bon au quiz, vous pourrez le gagner. Donc euh, voilà, je rapproche un peu ma caméra. Ça ne marche pas, qu'il me dit, bon, et je vais lui renvoyer un code. Je suis à vous dans 20 secondes, hein, chers amis. Ah oui, je crois que j'ai oublié un chiffre. 22. 22, je ne peux pas l'oublier. Ah ok, c'est ça. J'ai mis deux fois ça. 3, 8, 4. Fallait bien que je me gourde dans un numéro. Voilà, c'est fait. Vos commentaires, donc, chers amis. Euh, où est le direct? Il est là, le direct! Euh, salut Pierre! Alors, Victor, il serait temps de se réveiller. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que Radio. Enfin, ça fait longtemps depuis, depuis cette saison hein, que, que, que Radio Bonheur ne retransmet plus les, euh, les matchs. C'est pas qu'il n'est plus partenaire, c'est que euh, voilà les retransmissions se sont arrêtées. Euh, parce que. Je suis... Et d'ailleurs, si vous allez sur la page Facebook Radio Bonheur, à chaque fois que les gens posent cette question, il s'est expliqué. Hein, euh, il y avait plus assez d'audience, notamment sur Brest et Lorient, sur les matchs du dimanche à 15h en Ligue 1. Euh, avec un aussi, ça se tassait un petit peu. Euh, voilà plusieurs petites raisons qui ont fait que euh, voilà, c'était euh, comme ça, et donc c'est pour ça qu'on a repris le flambeau. Parce que nous on voulait pas arrêter ça avec Gaëtan, les matchs, les commentaires de matchs, les déplacements, les après-matchs. Voilà, toujours vous proposer euh, tout ça, mais en oubliant euh, rien du tout de ce qu'on a vécu euh, à la radio. Est-ce que tu m'entends, Gaëtan Je le vois, je le vois porter ça. Tu m'entends, tu m'entends, mon chou Est-ce que tu m'entends oui, super. Bon, est-ce que ça bouge Va les sortir, là. Va, va avec le kiné, j'ai le numéro de l'ostéo. Allez. Allez, Oh. oh. Au mieux, Enzo Basilio dans, dans, dans quelques instants. Euh, on n'en aura pas d'autres, ça c'est certain. Enzo Basilio peut-être d'ici 2 à 3 minutes, visiblement. Euh, donc on attend le gardien d'en de, avant et tous les autres sont en soins. Donc euh, on aura... On n'aura personne d'autre à, à, passer, à passer ce soir après cette, euh, cette victoire. Mais Enzo Basilio, visiblement, lui, était euh, sur le point de sortir des vestiaires. Donc, on devrait euh, l'avoir d'ici quelques instants maintenant. Superbe. Eh bien, on attend. Donc, Enzo Basilio, allez, on attend. Basilio, Gaëtan, si tu m'entends. Euh, voilà, là, il m'entend, Gaëtan. On, il est 23h34. On se laisse jusqu'à 23h40 pour euh, terminer ce live. Si le beau Enzo n'arrive pas avant, on coupe. Parce qu'on a quand même 1h30 de route jusqu'à Savalo. On a un chat à nourrir, les enfants. Donc, euh, il, je me, si sa mère ne lui a pas mis sa pâtée, je vais me faire, me faire gronder de rentrer aussi tard. Euh, alors, Dams, Eloisani, alors il a, euh, je, je lis le commentaire de, de Dams, l'attaquant en forme, il vise combien de buts cette saison euh, Je ne sais pas. Il a un objectif, mais il ne nous l'a pas dit encore. Et est-ce qu'il va le dire au micro Je sais pas. des fois, il y a des attaquants qui veulent le dire, d'autres qui ne veulent pas le dire. Mais là, ça fait 6. Ça fait 6. Et je vois Lolo qui dit que c'est très serré. L'important sera d'être placé avant les 7-8 derniers matchs. J'en parlais avec François Rabillet avant la rencontre. Il dit en Ligue 2, il y a deux championnats. Il y a le championnat jusqu'au mois de mars. Et il y a le championnat après mars. Donc il faut être dans le coup avant mars. Et c'est après mars que ça accélère. Pour prendre... Euh du vécu de mon côté la dernière montée de Guingamp en Ligue 1. Il euh, y avait une grosse série, c'était très irrégulier, août-septembre. Et puis en octobre, il y avait une grosse, grosse série d'invincibilité avec pas mal de victoires. Il euh, y avait eu, je crois, 10-15 matchs euh, sans défaite. Je crois que ça avait tenu jusqu'en jusqu janvier. Et là, Guingamp, ça fait six matchs sans défaite. Donc, deux victoires, quatre nuls, c'est bien. Maintenant, il faut continuer, continuer. Euh, poursuivre cette série puis surtout l'agrémenter de victoires. Ouais, s'il y a une défaite, en, une ou deux défaites en 15 matchs mais il y a pas mal de victoires. C'est pas c'est pas trop, c'est pas trop mal. Donc voilà, rester placé, là on est dedans. On est dedans, c'est la première fois depuis que Guingamp euh, est revenu en Ligue 2 que début novembre Guingamp existe dans la lutte pour le top 5. Donc c'est euh, c'est intéressant. Maintenant, il faut euh, gagner en régularité, gagner des matchs et surtout euh, Faire basculer les matchs comme ça. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Grenoble, contre QRM. Là, ce soir, on l'a fait. Et c'est vraiment très, très important. Il faut absolument construire là-dessus. Parce que l'état d'esprit, il est là. Le Jules est là parfois aussi. En première période, il était là. Euh, voilà. C'est euh, vraiment une chose positive. Euh, et on verra maintenant la suite. Hein. Si on perd le prochain match, euh, voilà. les commentaires seront peut-être tout autres. Mais là, pour ce soir, on peut quand même savourer, être. Euh, Satisfait de voir Guingamp avoir fait euh, basculer tout ça. Hop là, je vois temps qu qui bouge. Est-ce qu'Enzo est là Est-ce qu'Enzo est là Je crois qu'Enzo est dans les parages. J'attends juste que ça se retourne, que techniquement ça se bon. Ah bah, il nous montre le panneau, qu'est-ce que c'est cette fausse joie Il y a quelqu'un qui arrive. Je vais vous montrer l'image en même temps. Hein. Voilà. Suspense. Vous voyez euh, Christophe Gauthier, le responsable communication. on parlait de Radio Bonheur tout à l'heure. Euh, C'était lui hein, qui était là. Euh... En premier euh, à la radio de 2006 à 2012. Alors, quel suspense insoutenable. Tout le 22 attend Enzo ou un autre, ou un autre. David, ouais, on peut parler de Guillaume, on a parlé avec Pierre Le Monnier. Hein. C'est vrai qu'il y eu a, a un match super compliqué. Oh, Minel Oisani le buteur. Allons-y, Julinho. Tout simplement, raconte-nous ton, ton but. Euh, tu envoies un coup franc euh, plein de force sur la, la cage de Léon. C'est ça. ça. J'essaie de regarder euh, comment était positionné le gardien. Et euh, voilà, il y a des gardiens qui, se, qui, se, qui laissent un peu plus le côté ouvert, donc ça donne un peu plus de marge. Là, je l'ai bien vu qu'il était, je, je qu était bien côté ouvert et qui m'empêchait un peu de cette option-là. Voilà, il a fait confiance à son mur et, et la chance que j'ai eue, c'est que le mur s'est un, un peu effrité. Donc euh, voilà, il y a eu une brèche. Moi, je me suis concentré sur cadrer le ballon, mettre de la force et c'est ce qui m'a permis de, de mettre le but. compliqué devant. Beaucoup ouais. d'impact, beaucoup de, de duels. Oui, totalement. totalement. C'était un match compliqué. Voilà, je savais que j'allais en avoir une ou deux. Voilà, J'en ai une en première que, qui se dérobe. Voilà, je, la, je la contrôle mal. Il voilà, y a ce coup -franc qui vient. Il y a des matchs comme ça où il y en a souvent, malheureusement, Voilà, qui, qui, où c'est dur, où il faut, faut, faut batailler, il faut défendre, il faut, faut essayer de garder une attitude positive et dès que l'occasion se présente, être, être décisif. Et, et je suis content parce que j'ai réussi à le faire pour l'équipe. C'est une victoire à, à l'énergie ce soir, comme il y en a presque pas eu cette saison, peut-être à Caen, mais euh, euh, les autres victoires c'était plutôt des, des larges victoires. Là, c'est vraiment à l'énergie. Vous avez réussi à, à garder l'avantage que vous avez fui sur euh, QRM, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a mis, on a mis beaucoup d'énergie. Voilà, on on l'a vu à la fin. On était, on était tous, tous fatigués, mais euh, voilà, on voulait pas, on voulait pas euh, refaire les erreurs qu'on a commises dans le passé. Voilà, on, dès qu'on, dès qu'on a vu que à 10, 10 minutes de la fin, il y a ce but qui arrive. Et, on avait quelque chose entre les mains et on l'a on trop vécu, on l'a trop vécu cette sensation. Et je pense que c'est ce qui nous a, a animés sur la fin du, du match. Et, et voilà, ça fait, ça fait du bien parce que ça, ça montre qu'on qu évolue, qu'on avance. Et euh, là, ça s'est concrétisé avec cette victoire face enfin, à une belle équipe Serres. Les, les 10 minutes de temps additionnel, parce que ça a traîné avec les, les cartons rouges, c'était pas trop, trop long à, à tenir, même si tu étais sur le banc, toi, à ce moment-là Ouais, si, si, franchement, c'était long. Encore plus quand on est sur le banc, voilà, ça a le temps, il, il paraît encore plus long. Mais, euh, mais, mais, euh, mais j'étais assez. Euh, bizarrement, j'étais assez confiant. Voilà, malgré les, les scénarios de match qui tournaient pas en notre faveur sur les derniers matchs, j'étais assez confiant. Je l'ai bien senti, j'ai senti l'équipe concernée. Et euh, voilà, ça s'est concrétisé à la fin, et aujourd'hui, on est très content. Mais c'est qu'une étape, voilà, on, on recolle en haut du, du classement. Voilà, c'était le. le c'était l'objectif et maintenant faut, faut confirmer à Rodez euh, face enfin, à une belle équipe de Rodez qui fait aussi un bon début de saison. L'objectif maintenant c'est enfin d'enchaîner les victoires et de pourquoi pas aller euh, chercher le podium. Bien sûr, Bien sûr on est compétiteur, voilà, c'est l'objectif qu'on qu qu se donne et ça a commencé dès aujourd'hui face à voilà. enfin, une comme je le répète une belle équipe de pardon Et, euh, et aujourd'hui voilà, faut, faut vraiment confirmer et enchaîner. Peut-être que notre saison elle va, elle va vraiment démarrer à ce moment-là. Pourquoi il y avait autant de nervosité sur ce, ce terrain Il y a eu pas mal de déjà quelques frictions avant la mi-temps et puis en deuxième, c'est monté d'un cran. Bah, Je pense que les scénarios passés, voilà, ils, inconsciemment, ils tournaient dans notre tête. Donc euh, on était concernés, peut-être un peu trop, ce qui a poussé à la fin des quelques, quelques frictions, mais voilà, ça, ça, montre, ça, ça montre un état d'esprit. C'est que voilà, on, on voulait faire comprendre à l'adversaire qu'aujourd'hui, ils n'allaient allaient pas... Ça n'allait pas se passer comme, euh, comme eux, ils l'entendent. Et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on est, on est, on est très content voilà, de, de, de gagner à la maison. Ça fait du bien. Merci, Amine. Donc, à toi aussi, Merci. Amine euh, El-Wazani, qui va regagner les, les vestiaires, évidemment, après sa, sa réaction. Et donc, après cette euh, victoire face à, face à, à Auxerre. Qui euh, qui dit Gaëtan On n'entend plus, on n'entend plus Gaëtan. on entend plus, on entend plus, on entend plus ça l'image bouge plus. On a eu notre deuxième réaction. C'était pas le Boenzo, c'était le Jolie amine euh, dans cette euh, fin de soirée. Écoutez, c'était très bien aussi. On a eu son explication aussi par rapport un petit peu au, au, au but, euh, au coup franc. Voilà, deuxième coup franc direct hein, de Guingamp euh, cette saison, après celui de Merghem euh, contre Grenoble. Euh, bon, on parlait avec euh, le commentaire de David que je vois sur Facebook. Le, le match de Guillaume, c'est vrai qu'il ah, a encore eu un match pas facile, il a quasiment pas eu d'occasion. Euh, mais il s'est arraché alors qu'il devait sortir, hein, parce qu'il y avait le double changement qui était prêt pour euh, courtes sioué Et finalement, c'est Guillaume qui obtient le coup franc à l'énergie. Et c'est Lozani qui le transforme, alors que c'était les deux qui devaient, qui devaient sortir. Franchement, ça, c'est euh, une des images du match aussi. Euh, voilà, ça a tourné. Ça a tourné pour Guingamp. Et puis, on s'est accroché à la fin parce aussi n'a pas eu d'occasion en seconde période, à part le, 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 le joli but de, de Perrin. Voilà, c'est euh, tellement important d'avoir fait basculer ce, ce genre de match et c'est tellement important d'avoir Baptiste Guillaume vous entendez à côté de moi euh, Pierre lemonnier qui, qui comptait toute son importance alors c'est vrai que parfois il est peut-être un, peu, un peu pataud qu'il a pu rater 2 trois occasions que c'est pas le joueur le plus rapide mais il a tellement d'autres qualités qui servent à cette équipe et bien aujourd'hui voilà, s'il si y a eu le 2-1 ben c'est que bah, c'est qu'il a été aussi important dans, dans son rôle. Et puis, quelque chose qui nous a plu vraiment aussi dans cette rencontre, c'est la révolte. Après euh, cette, euh, ce quiproquo au, au poteau de corner, le ballon rendu aux Auxerrois, on ne sait pas trop pourquoi et comment. Euh, on a senti un vent de révolte qui animait l'équipe. Ça faisait penser un petit peu à ce qui s'était passé, on en parlait dans le direct, au guingamp caen en 2019, où quand égalise avec un but de Chokunte sur euh, un ballon que les Guingampais, je crois, avaient mis en touche et que les Canets n'avaient pas rendu au Guingampais. Duprat avait fait le fier avait bombé son torse avec son pull euh, sur, le, sur le côté euh, et encore c'est une action qui était partie de loin il y avait eu plusieurs passes exactement comme là sauf qu'à cette époque-là Guingamp n'avait pas su se révolter et bien là ils ont su le faire ils ont appuyé Voilà, avec l'aide du public aussi on a senti hein, il, y a, il y a quelque chose qui, qui, qui se passe entre ce public et, et cette équipe on les a vus aussi dans la manière Don Gomis, Basilio, etc. Les ont chauffés un petit peu à la fin. Voilà, c'est bien aussi d'avoir ce lien là, de gagner à domicile. Hein, ça fait ça fait une seule, alors ça fait déjà trois euh, victoires et trois nuls sur les six derniers matchs. Et puis ça fait euh, une seule défaite sur les onze derniers matchs à domicile. Six victoires et quatre nuls. Et puis contre les relégués de Ligue 1, une seule défaite sur les dix-sept derniers matchs à la maison. La seule défaite, c'était une question du quiz. C'était Bordeaux le 3 avril 2023. Et sinon maintenant, ça fait onze victoires et cinq nuls. T'es merlu euh... Ah non, ils ont été promus. Ils ils étaient pas relégués, pardon, quand ils étaient venus perdre ici. Euh, et puis, la, la réponse à la, à la question de la seconde période, euh, Pierre Lemonier avait la bonne réponse, mais je ne vous ai pas donné la réponse. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. La question, guettant, c'était quel est le meilleur buteur d'Auxerre contre Guingamp Le meilleur buteur d'Auxerre contre... Dans toute l'histoire, quoi. Oui. Djibouti, c'est... Bonne réponse, Djibril Sissé, vous êtes beaucoup aussi à nous, à, à nous avoir envoyé ces, cette réponse Djibril Sissé, 6 buts, dont un lors de la seule victoire d'Auxerre, toujours, à Guingamp, une victoire, euh, c'est doublé en même temps, et il nous met le ciseau au match aller, hein, quand on est leader de Ligue 1 euh, 2002-2003, ah, c'est doublé chez nous. D'après Food Database. Eh bien, voilà. Ouais, six buts pour Djabril euh, Sassassi, comme ils disent dans Taxi. C'est lequel, Taxi Taxi 3 mais, euh, Oui, Enfin, bref, On a des référents. On a parlé de, on a parlé de Dick Henneck avec Pierre Monnier. Nous sommes des bibles cinématographiques et nous avons excellent goût. Chers amis, on regarde si on a quelques petites euh, réactions. Il y a Olivier qui dit si euh, l'arbitre voulait aider au cerf, c'est tout. Non, mais la distribution de carton, c'était lui qui Luke, là. On insupportable. Ah, on a presque le sentiment qu'il avait un peu perdu le fil à un moment donné. Il y a, euh, je crois, un collègue qui disait qu'il avait sorti 4 jaunes en 4 minutes. Oui, on, on regardait ça tout à l'heure. Regardez donc. 70 Guillaume, 71 Sania, 73 Sivis, 77 Sidibé, 78 Agouzoul. 5 en 8 minutes. Ouais, voilà, plus le de rouge à la fin. Bon, C'est vrai qu'après, il y avait, euh, à sa décharge, avait... c'était bien tendu aussi. Hein. Dès la fin de la première mi-temps, déjà, ça s'est un, euh, un peu chauffé par séquence. Euh, ça... C'est monté un peu, je trouve, crescendo en termes de, 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 de l'animosité, mais euh, après, ça euh, aurait peut-être plus se calmer un peu plus simplement. Bon, euh, les, les cartons, ce qui est dommage de, de, sur ce carton-là de Civis de, de c'est vrai qu'il va, il va manquer au moins, au moins deux matchs, très certainement. Et comme là, voilà Saint-Malo, il sera pas là, Saint-Malo. Et comme le disait Stéphane Dumont, il euh, bah, tout le côté droit est à, est à reconstruire, là, du coup, puisque Mehdi Merghem ne sera pas là non plus. Donc, euh, on aura très certainement à voir, mais très certainement Vincent Manceau hein, sur le, le côté droit. À Rodez en défense, et après, il faudra voir au-dessus ce qui, ce qui est prévu, si c'est Hugo Picard, s'il y a autre chose ou non. On a fait une immense erreur. C'est Taxi 4. Merci Olivier. Taxi 3, c'est Stallone. Ah la vache. C'était Stallone. 4. On prend. Vas-y, répète. <laughs> Là, on prend une claque. Une sacrée claque. Alors, Louis, il euh, n'y a pas d'interview. Bah, vous arrivez en retard, c'est fini. Euh, on a eu Dumont et Loisani. C'est toujours euh, un peu bizarre. Les... Alors, j'allais dire journée en semaine. Oui et non, on n'est pas en journée en semaine. On est match décalé le lundi. S'il y a tout le temps euh, soins, euh, massage, protocole récup, euh, repas, c'est important. Moi, j'ai mon sandwich qui m'attend. Et, euh, et puis, bain de cryothérapie aussi. Donc c'est très long, ça prend souvent une heure. Parfois il y a même le décrassage sur la pelouse, là ils ne l'ont pas fait. Donc c'est rarement les zones mixtes les plus prolifiques. Mais on a eu Dumont, on a eu Alouisani. On va couper le direct parce que bah, vous allez... Bah, déjà, il faut qu'on rentre, c'est ce qu'on a dit. Et puis, il euh, faut qu'on mange nos sandwichs en deux. Et puis surtout trois. Ça vous permettra de voir le, le replay sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Euh, c'est très important. Et euh, Facebook. Facebook. On a passé les 2500 followers, notamment avec le concours où c'est une dame de Plumagware. D'ailleurs, tu vas pouvoir peut-être lui amener en main propre euh, une dame de Plumagware. Euh, son mari était super content d'avoir gagné le super t-shirt, le maillot des 110 ans. Salut les amis, euh, c'est un des premiers lives sans grand accro. Franchement, ça fait plaisir. Et tu vois, avec ce PC-là, c'est ouais, dingo. Hein. La question était -être, hein. être là. On cherchait un tas de réponses. On un tas de réponses, ça se trouve, c'est l'ordi. Ah oh, la vache. Bon, et on va, on vous a mis aussi la, notre réaction avec Pierre Lemonnier sur le deuxième but. Le but de la victoire, ça vaut son pesant de cacahuète. Parce que je pense qu'on était tous comme ça. Même toi, sans doute, je pense, à ton micro. Euh, voilà, les amis, bonne soirée. Vive Guingamp. Vive Gaëtan euh, Pinel. Vive, vive euh, à la Guingampèse Et puis, ben on se retrouve à Rodez. Tu vois, avec l'équipe en plus. Première fois que tu vas faire ça. Oui, voyage avec, avec l'équipe, ouais, c'est une première, d'habitude on a toujours voyagé par nos propres moyens, là c'est voyage avec l'équipe, donc déplacement à Rodez, décollage prévu samedi matin, on n'a pas encore les horaires précis, mais on va, on va avoir ça, et donc oui, du coup ce sera le, le voyage avec le club. Tu me diras si moi ça me fait pas, je, je suis allé une fois à Rodez avec l'équipe, c'était à l'époque AGTV, où là j'étais vraiment dans le club, on arrive à Rodez, déce... 23 décembre, un truc comme ça, on arrive à l'aéroport de Rodez, on va pour se poser, et non, il est reparti il a fait le tour de la colline et re-atterrissage. Je garde ce sensation, sensation, forte. sensation forte et je garde ce souvenir. Un souvenir ce voyage, on a bu un cacolac avec Momo Soli. Tu vois, je te souhaite de vivre une expérience sensorielle comme celle-ci. Je ne sais pas avec qui tu vas boire ton, ton cacolac. Mais alors non Gaëtan, c'est pas le chat noir. Autant je l'ai chambré l'année dernière parce qu'il a fait effondrer la moyenne de points. Mais il était là quand j'ai fait match de la Bastia, c'est pas trop mal. Pas mal, chez les Corses. Euh, Gagné. Euh, eh tiens, Furiani, comment c'était Très bien, très bien, très bien. Ambiance plutôt sympa, 11 000 personnes, euh, super accueil avec tout le monde là-bas. Euh... J'ai vraiment bien aimé, bien aimé. Puis bon, d'aller voir le mémorial aussi de, de Furiani. De... Ouais, c'était sympa. Et c'est marrant parce que le stade, quand on le voit à la télé, bah, je l'imaginais pas du tout comme ça d'extérieur. Ouais. Euh donc c'est cool c'est pour ça que c'est bon on peut toujours voir des photos sur internet et tout mais oh, l'impression visuelle c'est pas pareil voilà toujours sympa de le voir vraiment en vrai et même derrière les buts euh, la tribune qui donne sur la route carrément derrière enfin c'est très étonnant et c'est vraiment pas du tout la sensation que j'avais en voyant la télé donc euh, ouais non c'est belle expérience Furiani, Nanani, machin. Olivier qui dit va boire un cacolac avec Eloisanie et Sania. Bah, il nous le racontera. Il nous le racontera samedi. Soyez avec nous à Rodez, les amis. Bonne soirée. Vive Guingamp. Et bon, on vous mettra des petite vidéo demain avec les réactions des uns euh, de Dumont et de Eloisanie. Peut-être d'un autre si on arrive à en, à en attraper un en, en partant. Salut, les amis. Bonne soirée. Vive Guingamp. Ciao, ciao.